Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue pour le MSF Quest. Est-ce que ça va le plateau? Il y a tous les gens de l'Orga qui sont là, évidemment. Personnes. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, dans cette première journée, deuxième journée, mais première journée du début de la course MSF Quest. Installez-vous confortablement. Nous sommes sur les lives de tous les participants, plus nos deux lives, plus le live de MSF Quest. Je suis Luthi et je suis accompagné de Zoulou. Comment va Zoulou? J'ai extrêmement bien dormi, première nuit complète depuis un mois. J'ai la forme. Il y a une patate géniale tout autour du plateau. Tout le monde est content d'être là pour pouvoir participer à ce MSF Quest, cette course unique qu'on va vivre tous ensemble et tout le week-end à partir de 14h samedi et dimanche. Exactement, une course du coup qui va être très intéressante puisque nous allons tout simplement voir 10 streamers, 5 équipes, 5 duos qui vont aller devoir résoudre des énigmes en se baladant dans Montpellier. Aujourd'hui, ce sera à pied, demain ce sera accompagné d'un véhicule. Ils sont chacun accompagnés d'un cadreur, plus de quelqu'un qui sont là pour les... Ils sont 4 en gros, avec 2 hommes de l'ombre et 2 personnes de la lumière. D'ailleurs, je dis hommes, mais il y a beaucoup de femmes dans cet événement. C'est vrai. Vraiment une très très bonne nouvelle, ça fait plaisir. Et il faut savoir du coup, tout simplement que c'est un mixte entre un événement caritatif, Pékin Express, la carte au trésor. Ça, c'est un peu les inspirations. Donc vous le voyez ici, il y a une cagnotte générale qui a été mise, qui est quasiment déjà à 5000 euros. Et vous allez en fait pouvoir interagir puisque vos dons, bah, évidemment, ne comptent pas pour du beurre puisqu'ils aident Médecins Sans Frontières, dont on va parler rapidement. Mais en plus, ils ont aussi changé un peu le cours de la course. Exactement, parce que vos dons, en plus donc de servir à Médecins Sans Frontières, vont permettre d'avoir des petits bonus pour les équipes ou des petits malus. Alors ces bonus, malus, on les a vus hier, ça part de la petite bouteille d'eau au fait de pouvoir skipper un malus, mais ça peut aussi permettre tout simplement d'avoir des indices pour les énigmes, mais aussi tout simplement de perturber un petit peu l'avancée de nos duos, comme par exemple devoir changer la roue du véhicule. Et ouais, ça c'est des gros paliers, hein, changer la roue du véhicule. Donc il y a des bonus, il y a des malus, il y en a plein qui étaient plus hauts qu'on n'avait pas reveal hier aux joueurs non plus dans les bonus, dans les malus. Et vous allez pouvoir le découvrir tout au long de la journée. Donc voilà, nous on sera un petit peu avec Zoulou les maîtres du jeu, c'est-à-dire que sur nos deux lives vous allez pouvoir retrouver en fait le multiplex. Multiplex sur lequel on va suivre la POV de tout le monde. Et du coup, à n'importe quel moment, si quelqu'un a trop de retard ou quelqu'un a trop d'avance, on peut intervenir tel des maîtres du jeu. Ouais, c'est ça qui est chouette. En fait, nous, on voit tout et on essaie de vous faire tout vivre grâce à la technique ici. Franchement, vous allez voir le setup technique qui a été mis en place pour pouvoir faire ce live. Il est incroyable. Voilà, on l'a dit, hein, des équipes avec des cadreurs dans la ville et nous, un petit peu en overview et tout, ça va être un régal. Quoi. Exactement. Donc, sur toutes les chaînes là, sur lesquelles vous êtes hors de nos deux chaînes et de celle de MSF Quest, vous allez dans quelques instants retrouver un live IRL avec des assets, avec des énigmes de vos équipes favorites. Donc, que vous soyez chez Ligaia, chez Moment, que vous soyez dans la type de Ponce, Ultia, tous ces lives-là, ils vont, une fois que nous, on aura terminé l'introduction, eh ben, on va partir, on va faire un décompte 5, 4, 3, 2, 1. Normalement, les streamers sont eux aussi en train de regarder sur leur téléphone et sont prêts. Ils n'auront d'ailleurs pas le droit à Internet. Ils auront le droit, par contre, à l'aide des passants. Mais les passants non plus n'auront pas le droit à Internet. Donc, c'est vraiment une course d'orientation. From scratch, il va falloir parler avec des gens, réfléchir et s'orienter correctement. Ça, ils l'ont su hier, en fait. Ils pensaient vraiment que, bah, course d'orientation, j'ai mon téléphone, on est en 2023, ça va être facile. On leur dit, mais non, en fait, il n'y aura pas de Google Maps, il n'y aura pas de Waze, il n'y aura pas de juste des recherches Google, en fait. Ça n'existe pas. Ils n'auront même pas accès à leur chat. Ils ont une carte. Sauf s'ils débloquent, bien sûr, oui, des bonus, ou dans ce cas-là, ils pourront garder pendant quelques minutes leur chat pendant une heure. Enfin, comment dire, 3 minutes dans l'heure, exact, s'ils débloquent le bonus. Mais en fait, ils vont devoir se diriger à la carte et à l'ancienne, en fait. C'est-à-dire aller interpeller les passants dans mon billet et essayer d'aller gratter des infos. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous pouvez m'orienter? On va avoir de l'interaction et ça va être très, très beau. Ouais, et du coup, nous, on va être... Alors, les streamers auront aussi la possibilité de vous remercier avec les dons. Là, je vois qu'il y a déjà des dons qui sont en train de partir. Les streamers vont avoir une tablette. C'est le seul accès à Internet qu'ils ont. C'est pour vous remercier. Et il y a des alertes qui vont passer normalement sur leurs différents streams. Nous aussi, on a les alertes. Donc, on peut dire merci beaucoup à Loachi, à Vori, à Alderanos, à Tchoff, ça a donné du 10 euros, du 25, du 10 euros pour Rati, Julie qui a donné 10 euros également. Il y a Mimo Orléans qui a donné 50 euros à l'instant, Sébastien 50 euros également. On a Anonymous qui a donné 50 euros, on a Eklisa qui a donné 1 euro. Comme d'habitude, comme dans chaque événement caritatif, mesdames et messieurs, chaque petite somme compte. Et on vous le rappelle également, si vous êtes un individu et que c'est pas avec une société que vous payez, vous avez la possibilité de déduire 75% de votre don en impôt. Donc un don de 50 euros équivaut à un don de 10 euros, même un petit peu moins. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez les moyens d'aider. Et on va simplement parler aussi avec les gens de MSF. Est-ce que, en régie, les équipes sont prêtes et on fait d'abord découvrir la première énigme avant de faire parler à MSF? Ou est-ce qu'on invite? Donc on va commencer par faire la fin de l'intro, lancer dans une minute, Zoulou. Ouais.
on va lancer l'énigme, on va découvrir avec eux la première énigme, et puis on va les laisser commencer à partir, et nous on va faire une petite interview de Julie et Gigi qu'on a déjà vu hier soir. Exactement, on va vous résumer un petit peu le projet autour de MSF, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, quel matériel ils utilisent, tout ça, à quoi vont servir vos dons en fait, tout simplement. Tu parlais des dons, il n'y a pas de petits dons, même si vous pouvez donner uniquement 1 euro, 2 euros, 5 euros, on sait que mis bout à bout, eh bien, ça peut faire des grandes sommes, donc n'hésitez pas, vous avez normalement des commandes hein, sur chacun des chats. Ça doit être slash don ou quelque chose comme exactement, ça. Exactement, point d'exclamation MSF Quest ou point d'exclamation don selon les chaînes. Et en fait, sur la page, vous avez la possibilité de faire des dons. Donc, on a la cagnotte globale et vous allez voir sur les lives de tout à chacun, il y aura leur cagnotte de bonus, leur cagnotte de malus. On nous indique que les joueurs sont prêts. On va pas en dire plus parce qu'ils sont peut-être en train de regarder le live. Donc, on va pas parler des indices, des énigmes et tout. On va tout simplement, mon cher Zoulou, pouvoir lancer la course. Et on se fait un petit décompte. Vas-y, on fait un petit 10. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Let's go, la course peut lancer, les streamers vont pouvoir. Boulevard Ernest Renan qui croise le boulevard Mouni. Ah, on va partir. Ça va être à nous. Et je pense qu'on y est. Salut, salut tout le monde, bonjour, bonjour Ultia. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Alors, vous l'avez entendu, donc on est sur une course d'orientation pour Médecins Sans Frontières, pour tout le week-end, donc toute cet après-midi et tout demain après-midi aussi. Là, on est parti, on est quelque part dans Montpellier, on ne sait pas exactement où et on ne sait pas ce qu'on doit faire ni où on doit aller. Donc, on va commencer de suite, on va se bouger, vous allez nous suivre. On a Alex qui est notre caméraman et l'autre Alex qui est avec nous pour nous bodyguarder. Donc, si jamais il y a des gens qui viennent nous embêter, c'est coup de coude. Bam. Direct. Est-ce que... Bam. Donc, on est évidemment sur la chaîne de Ultia, sur la chaîne de Ponce, mais sur la chaîne de tous les participants et sur la chaîne de Zoulou et Luti. Vous avez la vision globale. Si vous voulez suivre ce week-end, ça va être une dinguerie. Je parle super vite parce que c'est parti, non? Ouais, c'est parti. Ouais. Faites des dons, hein, surtout. Vous pouvez mettre des bonus, des malus, etc. Bon, on va lire la lettre. On va lire la lettre. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. C'est Rimbaud, le soldat. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. D'or, il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature berce le chaudement et la froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Retenez bien ces quelques vers qui vous seront nécessaires afin de récupérer le prochain indice. Et donc c'est P... Ah oui, P-A-R... P-A-R-C, parc. Donc le parc Rimbaud, je pense. P-A-R-C. Ouais. Du coup, parc probablement Rimbaud. Bien joué ouais, d'avoir trouvé Rimbaud. Parce que, bah, c'est le dormeur du Val. Là. C'est un poème. Tu connais pas? Si, de fou. D'accord. Le dormeur du Val, c'est... Ah oui, on précise aussi qu'on n'a pas droit au chat, évidemment. Parce que bah, sinon, ce serait un peu triché. Donc voilà. Évidemment, on est ensemble, mais... Donc le parc Rimbaud. Tiens, prends ça. Après, on avait un indice parce que hier, pendant l'émission, il y avait quelqu'un qui avait un bouquin Rimbaud. Donc en vrai, on aurait pu directement se tirer. Alors, le parc Rimbaud, là, ça va être un enfer. Mais viens chercher avec nous. Mais en fait, t'es dans le. Sur le petit carnet aussi, il y a des indices sur le parc. Hein. Je l'ai vu en plus, le parc Rimbaud, hier. Ouais, attends, j'ai une carte un peu plus du potentiel centre-ville, mais ça m'étonnerait, on n'est pas à côté du centre-ville. Non, on est à l'est, là. On est plus vers l'est, ouais, je crois. Je sais que le nord, c'est là-bas. Et là, on est... Regarde dans le sommaire, en fait. Tu sais, il y a un sommaire avec, Il faudrait qu'on trouve où est-ce qu'on est. Ah, oui, on est au croisement entre le boulevard Mouni, la rue de l'Estragon et le boulevard Ernest Renan. Du coup, je l'ai vu hier le parc Rimbaud. Donc c'est pour ça que je m'arrête. Oui, on l'a vu hier, ça me dit un truc moi aussi. Et il est pas dans la liste des parcs. Plein de parcs, mais promenade et loisirs. Apparemment, le parc Rimbaud, c'est ni promenade ni loisirs, quoi. C'est juste l'emmerde. En plus, c'est Ligaya hier que, en fait, je cherchais la rue Rimbaud parce que je me suis dit ah ça va être ça vu que c'était un des indices. Et elle m'a dit tiens regarde il y a le parc aussi. Et c'est vrai que. Oui c'est vrai. Et c'était quel point tu t'en rappelles? Bah non, sinon je te le dirais. Non mais c'était le combienième? Je sais plus. Non, c'était sur la carte directement qu'elle l'avait trouvé.
quand je cherchais. Ouais, non, il n'y a pas de parc Rimbaud là. Parce que tu vois, quand tu vas dans R comme Rimbaud là dans l'annexe, ça va donner des coordonnées géographiques. Et c'était pas loin de ça. Donc est-ce que tu peux me le retrouver, s'il te plaît ? Ouais, je cherche à R, je cherche Rimbaud. Ouais, Rimbaud, et il y a des coordonnées dans... après. Rimbaud, c'est un cours. Ouais. Enfin, il y a écrit car, tu vois, j'ai deux Rimbaud, il y a ouais. Paul. Et donc, c'est quoi les coordonnées ? AT69. AT69. Bonjour. Bonjour. Vous savez pas où c'est le parc Rimbaud par hasard ? Ah, si, là-bas. Arrête ! Allez ! 100 mètres ? Go ! Eh ben, parfait, eh ben, merci beaucoup. C'est exactement ça. Sur la gauche. Très bonne journée à vous. Reste. Parfait. Oui. Il est là, gelé. Gelé. Merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi. Bon ben voilà, c'est très bien. Mais par contre, pourquoi il y avait autant de choses sur un banc là où on a commencé, j'ai pas compris. C'est bon, gelé. J'ai notre position sur la carte et j'ai le parc. Bien, ouais, je. Let's go, ça part. Ça. Ah ok. Parce que tu sais que moi j'ai cru au premier degré que c'était du coup genre une vente, enfin une pour nous en fait. Genre en mode c'est des indices pour nous, j'étais en mode bon ça a l'air compliqué cette histoire. Et t'as vu le mec qu'on a croisé là ? Il s'appelle Francis, c'est un sub T3. C'est pas vrai. Il est abonné à ma chaîne depuis 2014 mon gars. Il régale et je le remercie. En plus il nous guettait, j'étais en mode non mais lui il va avoir rien. J'ai même pas vu, j'avais la tête dans Rimbaud là. J'avais la tête dans Rimbaud, en plus je me rappelle. Oh là là, ça c'est les églises modernes, elles sont immondes. Tu sais, les églises faites dans les années 70 et tout, elles sont. Oh, tu peux filmer ça, Alex ? Elles sont immondes. Enfin, pardonnez-moi, alors, hein, bien sûr. C'est l'église. Bah, bien sûr. Et ça, c'est des églises qui ont été construites quand, vous savez, on a construit de plus en plus. Tu vas, regarde, Ponce, on était là. Au-delà des centres-villes, il a fallu beaucoup plus d'églises parce que c'était Sainte-Jeanne-d'Arc. Ouais, je suis pas du tout dans la gamme. Sainte-Jeanne-d'Arc, on est là, regarde, tu vois, rue de l'Estragon, elle était là. Donc là, on va vers l'est. Avec cette rue, c'est ça ? Faut que je le descende. Ouais, apparemment. Bah, c'est le col de mon t-shirt, quoi. Il est accroché au col de mon t-shirt, je suis désolée. On entend la carte dedans, c'est ça ? Je suis désolée pour ça. Au pire, tu fais. Parce que c'est une pince, c'est ça ? Au pire, tu pinces un endroit de ton t-shirt, mais. Ouais, je peux faire ça s'il veut. Attends, désolée, je vais le bouger, du coup, je m'excuse. Je peux prendre la carte de ça ? Et tu le connaissais pas, ce poème ? Si, le truc du Val, ouais. Bien sûr. C'est une base du collège. Hein. Oui. Vous en pensez quoi ? On a l'air de star ou pas avec nos lunettes de soleil ? Ok, maintenant, marche un peu en mode. C'est super. Bon, faut que personne voit qu'il a un sac à dos Quechua anti-mode, mais sinon, c'est nickel. On va où, là ? Bah, t'as la carte dans les mains, en fait. Oui, oui, mais du coup, je t'ai demandé 8 fois, c'est où tu m'as dit qu'on est ? Et du coup, j'ai pas checké. Je te l'ai remontré ! Là, c'est là, non ? Oh là 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 ! De toute façon, il m'a dit au bout à gauche. Hein. Par contre, s'il nous a mis tôt, je fais demi-tour, je pense. Et c'est octogone sans règles. Descente de côte terminale. Là, oui. Regarde, Aurélien. Ça y est, ça commence, je l'appelle déjà par son prénom. Parc Rimbaud. C'est le parc Rimbaud, là ? Ok, trop bien, merci. Bon après, merci beaucoup, c'est gentil. Bonne chance, comment ça ? Ça veut dire qu'il a croisé d'autres gens. C'est sûr. Pourquoi il a dit bonne chance, wesh? Non, mais il était sur les lives, t'inquiète. Comment ça, bonne chance? Parce qu'en fait, hier, on a gagné l'épreuve de localisation sur une carte. Et du coup, on est censé être les plus proches, en fait. Donc, c'est hors de question que le mec me dise bonne chance, en fait. Un trou de verdure où chante une rivière. Ils sont pas n'importe où, hein. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Soldat ! Mais non, mais ça n'a rien à voir, ça c'était pour nous faire trouver le nom du parc. Retenez bien ces quelques vers qui vous seront nécessaires afin de récupérer. Donc moi je pense que c'est pas anodin. Non, moi je pense que c'est anodin. Aussi que c'est un peu anodin, mais... Non, je suis désolée Aurélien, je pense que tu te concentres sur la mauvaise chose. Oui, mais bon, ça coûte rien de se concentrer là-dessus, on marche dans le parc. Et que juste dans le parc, il y a les gens de MSF et on les trouve, quoi. Tu vois, c'est là-bas. Pas... Que... Vas-y, viens, on... Oh merde, carte au trésor. Non, on coupe pas, on respecte les règles du parc Rimbaud. Magnifique, hein, c'est des chaînes centenaires. Donc, à gauche...
Si mon père me regarde, il va dire que je cours comme une teuteux. C'est là-bas, c'est là-bas. Comment ça, c'est là-bas? Il va dire, non mais tu cours n'importe comment. Bah, je sais pas, ils m'ont dit c'est là-bas. Comment ça, c'est là-bas? Ah bah là-bas, sur le banc. Bah ouais. Cours! Bah cours, bon. Ça change pas grand-chose. Allez, en petite foulée, là. Mais on y est. Allez, 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 allez. Petite représentation. Ta, 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 ta. Attends, je suis asthmatique quand même, j'y vais doucement. Hein. Monsieur le soldat. Je vais me cacher. Bonjour. Derrière ça toute ma vie. Oui. Parc Rimbaud. Parc Rimbaud, et après, bah, on est là, quoi. Salut. Le premier avis, du coup. On est les premiers ou pas? Bah, il y avait P-A-R-C, et c'est un texte de Rimbaud. Ouais, est-ce que vous êtes capable de me le réciter? Le premier défi. Ah ouais? C'est apprendre le poème et le réciter. Par mais cœur. Non. C'est pas vrai. Pas tout le poème. Ah, fallait l'apprendre sur le chemin. Ah, elle m'a dit que je me concentrais sur rien, donc c'est dommage. Bah quoi? Oui, vous les répartissez comme vous voulez. Tous? Par cœur. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent où le soleil de la montagne fière lui. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort, il est étendu dans l'herbe sous la rue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. C'est impossible. Après mais ça, si t'as fait du théâtre, constatation. C'était mon seul problème, le texte. Mais c'est trop dur. C'est super dur d'apprendre ça par cœur. Bah attends, on est venu en 2 minutes, nous. On m'a dit de pas me concentrer là-dessus, quoi. Bon. C'est un trou de verdure où je. En plus, on en a qu'un, c'est l'enfer. Franchement, follement, aux herbes des haillons. D'argent. Et la nuque baignant. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. C'est horrible. Et la nuque baignant dans les frais cressons bleus. Et la nuque baignant dans les frais cressons bleus. La nuque baignant dans les frais cressons bleus. C'est un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Mais c'est impossible. C'est super dur. Genre, Et si on fait seulement les deux premiers paragraphes? C'est bon, bah on peut le faire. Essayer, mais ça, on peut le faire. Les deux premiers paragraphes. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Attends juste le temps d'apprendre. Viens, on se cache, parce que s'ils arrivent tous, là, on est un peu obvious, tu vois. Viens, on se cache un peu secret, tu vois. C'est un trou de verdure où chante une rivière, approchant seulement aux herbes des... Moi, je vais prendre mon téléphone et je vais noter mon truc. Parce que là, je pourrais pas. Mais non, t'as pas le droit. De on n'a pas de bloc-notes, bah non. Ah ouais, j'ai pas le droit de noter, bah non. Okay. Bah, du coup, juste ne... C'est super dur. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. C-A-D-L. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant. Un soldat jeune. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue. Et la nuque baignant dans un frais cresson bleu. D'or. C'est un petit peu. Il est étendu dans l'herbe. C-A-D-L. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Dans l'herbe. Accrochant. C'est un trou de verdure. Pâle dans son hiver où la lumière se perd. Où la lumière pleut. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. Un soldat jeune. D'argent. Bouche ouverte. Où le soleil de la montagne de pierre lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. C'est bon. C'est super dur. Je l'ai à peu près, à peu près. Vas-y, dis-le moi. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant au. So...
Au quoi ? Follement. Accrochant follement aux montagnes de... aux rayons des... aux herbes. Aux herbes des... haillons. Des haillons. C-A-D. D'argent. Machin, la montagne fière, ou sommeil, lui. Ou le soleil de la montagne fière. Ou le soleil de la montagne fière, lui. C'est un petit val où chantent les rayons. Qui moussent de rayons. Qui moussent de rayons. C'est trop c'est dur ça, ouais. D'apprendre une poésie comme ça, mais on le faisait moi, en, on le faisait moi, en plusieurs jours quand on était petit. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque trempant. Et la nuque. Et la nuque trempant, baignant. Mais me dis pas de suite. Ah, okay. C'est comme ça qu'on fait bosser la mémoire, si tu me le dis. Je sais pas, moi j'ai pas fait de théâtre, excuse-nous. Un jeune soldat, bah du coup j'ai oublié, je sais plus. Vas-y, un soldat jeune. J'ai oublié, bouche ouverte, tête nue. La nuque baignant dans un frais cresson bleu. Dans le frais cresson bleu. Dans le frais cresson bleu, d'or. Sous. Il est. Il est. Étendu. Il est étendu. Sous. Ouais, mais je sais même plus le mot d'après. Dans l'herbe sous la nue. Dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son hiver pâle où la lumière. Pâle dans son hiver où la lumière pleut. Mais c'est super dur, c'est une dinguerie d'apprendre un texte par cœur comme ça, dans le stress du truc, genre. D'argent ou le soleil de la montagne pierre-louis, c'est un petit val qui mousse de rayons. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent ou le soleil de la montagne pierre-louis, c'est un petit val qui mousse de rayons. Putain. D'or. Non mais c'est mort, on est cramé. D'or, il est étendu dans l'herbe sous la verdure. D'or, il est étendu dans l'herbe sous la verdure. Les herbes des haillons. Pâle dans son hiver, et la lumière. Tu me fais réciter ? Ouais, vas-y. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant au... Quoi ? Accrochant au quoi ? Je te donne des indices. Non, follement. Je sais pas. Accrochant follement aux herbes des haillons. Non. Si ? Si, c'est ça. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Le ciel ? Non, mais dis-moi la phrase, ça sert à rien de vous faire. Bah, c'est comme ça qu'on apprend. Je... Ok. Encore une fois. Non, mais vas-y, donne-moi la soleil. Ou le soleil, lui. Ou le soleil. Ou le soleil. Et là, si, c'est lui, après. Non, il y a un truc entre ou le soleil, virgule, de la montagne fière. Ou le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val accroché des... Qui mousse. Qui mousse de rayons. Exactement. Ça, c'est moi, trop dur. Un truc. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans un frais cresson bleu, d'or. Sous les lits, sous les... Il est. Il est. Étendu. Ah, étendu. Étendu. Dans l'herbe. Étendu dans l'herbe sous la mue. Nu. Ah, sous la nue. Ah, étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son lit vert. Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. C'est un trou de verdure. C'est un enfer d'apprendre ça par cœur, vraiment. C'est un trou de verdure. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes folles des haillons. D'argent où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val où, qui mousse de rayons. C'est un trou de verdure. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Il faut qu'on se le lise chacun notre tour, je pense. Vas-y, lis-toi haute voix, le tien. C'est un trou de verdure où en prenant le temps, sinon c'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans le frais cresson bleu, d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Vas-y, à toi. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. C'est à d'argent où le soleil... De la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans le frais cresson bleu, d'or, étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans un frais cresson bleu, d'or étendu dans l'herbe sous la nue, pâle. Dans son lit vert. Dans son lit vert, la lumière pleut. Où la lumière pleut. Où la lumière pleut.
C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent, où le soleil et la montagne fière, de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or, étendu dans l'herbe sous la lumière. Non. Sous la nuit nue. Non, sous la nuit. Sous la nuit, pâle dans son lit où la lumière pleut. Non, pâle dans son lit vert. Pâle dans son l'herbe, lit. L'herbe, c'est l'herbe, le lit vert. Pâle dans son lit vert. Où la lumière pleut. Ouais. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochement follement aux herbes des haillons, d'argent où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Franchement. On la tente ? C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons, d'argent où le soleil de la montagne fière lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. On la tente ? Ok. Comment vous tentez ? On la tente. On tente. Allez. On refera après au pire, ouais. Non ? Quand vous voulez. Vas-y. Non, attends, je relis une dernière fois. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or, étendu dans l'herbe sous la nuit, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. C'est un trou de verdure où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons, d'argent, où le soleil, lui, de la montagne fière... Non, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, la nuque baignant dans le frais cresson bleu, d'or, étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Exactement. Yes. Allez. Merci. Oh, merci. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Let's go. Merci. Merci okay, beaucoup. C'est du street art avec un tag. Vous voulez vous en servir après. Ah ouais, vous avez débloqué la carte du centre-ville aussi. Carte du centre-ville, ok, parfait. Les musées ne sont pas les seuls à exposer des œuvres d'art à l'aube, les quais le font aussi. Retrouvez cette œuvre et prenez une photo devant celle-ci. Donne le plan. Il faut retrouver cette photo sur le parc. Les musées ne sont pas les seuls à exposer des œuvres d'art à l'aube. Les quais le font aussi. Les quais, l'aise. Retrouvez cette œuvre et prenez une photo devant celle-ci. Il n'y a pas la carte. Elle est où la carte ? La carte ? Quoi, du centre-ville ? Attends, bah, non, la carte. Ça, une seconde. Ah, je sais pas, non, j'ai pas tout. C'est vous qui les aviez, les trucs. On l'a posé, c'est ça ? Merci. Oh putain. Il faut trouver les quais. Les quais et ce street art. Ok, et du coup, donc c'est au bord de quelque chose. Et franchement, ils font de la pétanque tous les samedis. Vas-y, on va leur demander. Tu veux que je prenne la carte ? Pardon ? Ils sont où ? Les quais du Vernançon, vous allez remonter dans ce coin. Attends, regarde la carte. Je ne sais pas exactement où c'est, putain, les choses sont sur la carte. Là, on est là, on est au parc Rimbaud, ici. Les quais du Vernançon, à ce que j'ai compris. Mais vous connaissez cette image ? Mais non, il va pas retrouver le street art. Non, Aurélien, l'image, non, mais il y a beaucoup de tags là-bas, donc vous allez vous faire chier pour trouver. Ok. Alors attends, on est où là ? On est là, au parc. Les quais du Gargançon. Vous pensez que les quais les plus proches. Vous pensez que c'est là ou c'est une fausse. Non, c'est pas une connerie, je t'ai dit. Ah ouais ? Mais comment ça a pu vous donner ça ? Les musées ne sont. C'est parce que vraiment, il y en a beaucoup, quoi. C'est street art. Ok, let's go. Il y a parlé de street art, il y a de quais. C'est censé être proche à pied, quand même. Ouais, c'est pour ça, c'est pas excessivement. Les quais du Gargançon. Du Verdançon. Du Verdançon, pardon. Moulin du Sauré. C'est 1,5 km, c'est pas trop grand, 1,5 km. Non, ça le fait. Ah ouais ? Du Verdançon. Si je me trompe pas, c'est ça. Et vous arrivez à me dire où est-ce que c'est sur cette carte ? Ouais, c'est bien ça, c'est bon. Alors, c'est où là ? C'est là. Le quorum, il est où ? Le quorum, il est là, non ? Là. Là. Ok. Qui dit Vernançon, c'est. Ah, excusez-moi. Qui dit Vernançon, là. Ouais, vous pensez que c'est là, que c'est là. Ils sont vides, les Qui dit Vernançon. En fait, si tu veux cette fille, c'est celui du coup. Ok. Mais ça fait une trotte quand même, hein. Ouais, mais à l'aube, pourquoi à l'aube ? La musée, ils sont passés avec. À l'aube, les quais le font aussi. À l'aube, c'est le quartier des aubes. Et donc, ça colle du coup ? C'est bien ce quartier ? Non. Ah. Parce qu'à mon avis, dans ce cas-là, à l'aube, je pense que ça joue. Parce qu'à l'aube, avec un A majuscule. Les aubes, c'est le quartier des aubes, c'est juste là. Ah ouais ? Ah, donc c'est plus logique alors. Donc on va vers là-bas pour les aubes. Le quartier des aubes, c'est là. Et on a noté quand même, si jamais. Bah, je pense.
Bon bah en tout cas merci beaucoup, parfait. On a deux gros indices. Merci beaucoup. Ouais, parfait. Oh, on vous fait confiance là-dessus. Un petit coup de trottinette, vous nous rejoignez. Bon appétit. Bonne journée. Ok, donc, c'est bah, bon. Je pense que lob avec A majuscule, ça veut quand même dire beaucoup en vrai. Non mais t'as eu de graves raisons de nous recentrer là-dessus. Moi je trouvais que c'était hyper loin et je pensais que, je me suis dit, ils vont nous mettre des étapes en fait s'ils veulent nous amener aussi loin. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Ok, bah on va aller vers là-bas. Et Ted, c'est un acteur, hein. Lui il l'a appris par cœur déjà, c'est sûr. Hein. Bah, tu sais, c'est pas parce que t'es bon acteur que t'as une bonne mémoire. En fait, bon ? Mais en fait le truc c'est que c'est dans les labiales normalement quand t'es comédien, le truc c'est que ton texte tu l'as pas là. Dans la tête, tu l'as là, dans la bouche, dans les muscles de la bouche. Mais je te jure que c'est vrai. C'est-à-dire que tu ne réfléchis pas et tu... 5 minutes d'accès à Internet. 5 minutes d'accès à Internet, mais ouais. Pas le chat. Que Internet. On me dit Internet. Ok, okay. Bah, quartier des Bah, merci, parce qu'on vous rappelle qu'on est là pour Médecins Sans Frontières. Quand vous faites des dons, pour nous, ça peut être des bonus. Vous pouvez aussi faire des dons malus pour les autres équipes. Et là, apparemment, vous avez débloqué un palier. Vous pouvez avoir... Quoi ? Vous... À gauche. La donation, hein. Tout droit à gauche. Tout droit, genre tout droit après ça ou gauche vraiment là ? Non, là à gauche. Ah ok. Et donc voilà, n'hésitez pas à donner pour Médecins Sans Frontières. On passe tout le week-end sur cette course d'orientation. On est en duo. Tout le monde est en live sur sa chaîne. Si vous voulez un point de vue général avec tout le monde, vous avez la chaîne de Luthi et de Zulu. Ils sont aussi en live et ils retransmettent un petit peu tout avec les POV de tout le monde. Ouais. Et voilà. Et nous, avec Ultia, évidemment, on vise la win, si je puis dire. Il nous a pas dit du bullshit, le mec, parce que le premier truc que je trouve quand je tape quai quartier. Je troll zéro. Ah putain. Bah déjà, mais là dans le bon sens déjà. À l'envers, c'est pareil, hein. Google il est pas. Oui, non, mais. Enlève ton téléphone. Ok, tiens. Allô ? Vous nous entendez pas ? Ah, mince. Muted. Il y a une coupure. Ah, il y a une petite coupure de combien de temps ? N'hésite pas à nous dire ça. Oh ouais, mais c'était moi, ça a duré quelques secondes. C'était bon, je te tiens. J'ai trop de trucs là dans la main, c'est un enfer. C'est bon. Normalement, ça. Je sais pas comment on fait la recherche. C'est bon, le faux contact. Mais c'était pendant que je disais quoi du coup ? N'hésite pas à me dire, Alex, parce que comme ça, je me répète si jamais... Je télécharge Google pour faire la recherche inversée. C'est pas grave. Le micro de Ponce coupe de temps en temps. Bon, bah, je touche pas, hein, cette poche, je la ferme. Et est-ce que là, il coupe ou pas, là ? Ok, bon, bah, c'est parce que je touche des fois. Autoriser l'accès à toutes les photos, et donc, je mets le street art, le truc en question. Attends, mais l'ob, c'est où ? C'est là, c'est tout droit. Non, je trouve pas en recherche inversée, Ponce. Attends, mais moi, ça me dit que les obs, c'est genre là. Ouais, mais le quai, en fait, c'est là. Genre, c'est un quai, donc c'est que c'est près de l'eau. Ouais. Regarde, viens voir, parce qu'on a bientôt plus rien, là. Il y a une équipe en face, venez, on se cache. Oui, mais ça veut dire qu'ils sont pas encore arrivés là où on peut aller, en fait. Ouais. Ah ben là, on est en course toute l'après-midi, là. Merci beaucoup, bon après-midi à toi. N'hésite pas à donner pour Médecins Sans Frontières. Oh mon dieu. Je me fais agresser en direct. Ouais, mais sauf que vous avez terminé la première étape ? Non, on y va. Ah bah dépêchez-vous parce que nous on a déjà terminé. Quoi ? La première étape est terminée. Allez, bon courage, à plus. Salut. Ouais, rentrez dans ce parc, c'est là-bas, allez-y. Il va falloir apprendre un truc par cœur, bon courage. C'est un texte de Rimbaud. Ben c'est tu l'as sous les yeux. Ouais. Oh là là, ils me demandent des infos, je les aide, je suis trop gentil, hein, vraiment. En fait, moi, ce qui me pose problème, là, il reste 2 minutes d'internet, hein, Ultia. Bah ouais, mais je sais pas quoi faire de plus. J'ai pas trouvé la recherche inversée, donc juste, ben, on y va, quoi. Moi, ce qui me stresse juste, c'est que là, on part du quartier des Aubes. Alors ok, il y a le quai, mais il y a d'autres quais dans le quartier des Aubes, je crois. Ah bon, mais où ça ? Bah vas-y, prends ton plan, regarde. Quai de l'Aube ? Je sais pas trop ce que je tape, là. Non, c'est pas là. Non, c'est quartier des Aubes. Ouais, mais quartier des Aubes, c'est derrière nous, justement. Je veux bien qu'il y ait un quai, mais il y a quand même les Aubes. Les Aubes, c'est ici. Ouais. Et vous savez s'il y a un quai pas loin où il y aurait des tags, des peintures, un truc ? Un quai ? Là, vous êtes au millaise et juste là. Ah ouais ?
Bon ben ça doit être là alors. On va avoir ça alors. On peut y aller, on peut descendre. Ok. Ok. Merci beaucoup monsieur, bon après-midi. Ça peut être ça. Vous nous mais dites qu'on ne peut plus internet. Bah on peut, en fait on aurait bien aimé le dispatcher plutôt parce qu'en vrai on a là on va pas oui mais c'est le principe, tu vois. Sinon c'est trop facile. Ah oui. Excuse-moi. Le quai c'est où? Le quai du quartier des Aubes c'est là. Le quai? Ouais, il y a un quai. Mais tu viens d'où avec ta canne à pêche? Tu veux pêcher là-bas? Ah. Au Lez, au parc Rimbaud. Ah. Tu pêches au parc Rimbaud? Ouais. Ah merde, il y a un quartier, il y a des tags. Est-ce qu'on n'est pas en train de... Si vous voulez voir les tags, ils sont juste là. Ok, bon, c'est ça alors. Merci. Ouais, ah, mais merci si, c'est beaucoup. Le quai des Verdansons, donc c'est ce bonne que pêche. Le mec nous disait du coup. En fait, sauf qu'en fait, le gars, il parlait de plus bas, je pense, tu vois. Ouais, je pense qu'il a... Ouais, je sais pas trop. C'est si bon le son là, t'as eu aucun souci, Alex? Si vous voulez voir les tags. Ah, ouais. Une galère de trépied, j'ai un truc qui a bougé encore tout à l'heure. Ah mince. Ça va? Il a dit quel quai? Ah merde, t'as un problème de trépied jusqu'au bout là? Ah bah non, il faut que tu... Il faut... Ouais, faut... Je suis pas très bon après, si on s'arrête à un moment, on va essayer de fixer pendant que... Les ouais, aubes. Les aubes, ouais, tu vois, les aubes, c'est là-bas, c'est ça qui est... Mais non, c'est bon, Ponce. Et c'est où le... Il a dit les mais, tags, parce que là, il y a là. Des tags, mais c'est... Bah on va y a... on y va, là. Là, c'est des tags un peu nazes. Non, mais je sais. Mais je peux parler, s'il te plaît, un petit peu? Ou vraiment, je dois vas-y, fermer vas-y, la gueule? Non, parce que je sais pas si t'as capté, on mais est en live, il y a des gens... Mais je pense qu'on va arriver au bon endroit. Et mais si c'est pas ça, c'est là où il pêche le gars. Hein. Enfin, genre. Ouais, là il y a des quais. Avec des tags. Ah. Ouais, là. Tiens, attends, vas-y, va voir là-bas, je regarde là. Ok. On c'est bien. Oui, c'est bien de se dispatcher. Là c'est full faut quai. Descendre. Ah ouais, là descendre. C'est full tag. Mais t'as... faut descendre quelque part. Hein. La descente, elle est pas là-bas? Là il n'y a pas de descente. Moi je passe là, mais je sais pas si toi tu le fais. Ok, c'est bon. Oui, moi je passe là, je m'en bats avec. Hein. Ouais, mais après on descend où? Parce qu'en fait, t'as ouais. pas checké là-bas du coup? Bah non, je suis bon, resté là. Bon bah je vais checker là-bas du coup. On va pas descendre. On a le droit de descendre. Ah, mais attends, mais t'as pas checké? Là. Genre. Ah, c'est bon, ah ouais. C'est invisible. On peut descendre là. Là c'est parfait pour descendre. On va descendre ici, ouais. Ouais. Il y a un dessin de tub ici, faut pas la filmer sinon on est ban. D'accord. Là, il y a une tub. Tu filmes pas ça. Ouais, j'ai l'indice. Regarde, c'est une espèce de... Regarde, c'est un visage dans une espèce de grenouille machin. Oui, mais du coup, c'est sous le pont ou les pas, musées nanana Les musées ne sont pas les seuls à exposer les œuvres d'art à l'aube. Les quais le font aussi. Le caméraman de l'extrême. On est bon. C'est bon. C'est bon. Et juste, tu nous captes assez loin ou pas? Ouais, ok. Ouais, mais en général. Ouais. Parce que tu vois, genre moi, je vais aller de l'autre côté, du coup. On va... Waouh. J'ai peur. J'ai un peu peur qu'on fasse fausse route, j'avoue. Un peu peur de faire fausse route ici. Je sais pas si on m'entend sur mon live, mais du coup, je suis en train de remonter. Je sais pas si on t'entend non plus. Tout le quai. Je vais te la montrer comme ça, si jamais tu le vois, évidemment, tu nous le dis. Et on cherche un tag en particulier. C'est une espèce de dinosaure. Et du coup, il y en a plein de dinosaures pour le coup, avec c'est très la tête chouette. Dedans.
Si vous voyez alors, ça sur tout le live moment, aussi, pensez, pensez à nous dire. Il était plus bas et je me dirige. Ah, le truc, c'est comme dans GeoGuessr où tu finis par revenir côté. Au drapeau parce que tu sens que tu es en train de. Est-ce que je partirais pas de l'autre côté, moi, bah, du coup? Bah, si, si, carrément. Vas-y, on se divise. Je sais. Bah, reste avec moi si tu veux, comme tu veux. Avec Pompon. Tu restes avec Ultia, ouais. Je suis en train de partir toute seule de l'autre côté. Et je pense que je vais pas remonter trop. Oui, mais c'est pas grave, non? Enfin, on le sait en partant aussi loin. Mais moi, j'ai un gros doute. Je sais pas s'ils nous auraient fait descendre là. C'est ça le truc. C'est un peu ça le truc, je sais pas trop. Et en même temps, on est dans les quartiers des Aubes. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'on est dans, tu sais, dans les films d'horreur? Quand tu commences à dire, ouais, va là-bas, moi je vais là. Et tu sais, tu regardes le film et t'es en mode, bah non, du coup, faites pas ça, personne ne fait ça. La preuve que des gens le font. Ça, comme quoi ça arrive, hein. Attention, chaise par terre. C'est comme quoi ça peut arriver. Hein. Là, c'est sûr que c'est par là. C'est sûr que c'est par là pour toi? Non, sûr. Putain, ils nous voient là-bas, fait chier. J'ai vu l'équipe de Ted est pressée à nous voir au loin. Merde. On leur a donné une idée de fou. Je vous remonte ça hein, sur le live, c'est ça qu'on cherche. Et en fait, il faut prendre une photo avec ça. Faut prendre une photo avec ce, ce tag. Donc, moi, je suis pas sûr. Là, on arrive au bout. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur aussi de le rater. Parce qu'il est peut-être pas si grand que ça. C'est ça qui me fait un peu peur. Là, c'est sûr, c'est fini. Regardez, c'est magnifique. Hop là. Et là-bas, tu pars. Tout droit. Bon, c'est pas là. Demi-tour. Demi-tour, je fais un peu plus attention au côté, à l'autre côté. Et en me disant que ça peut être petit en fait, j'avais pas trop capté ça. Des fleurs, c'est magnifique, regardez. Hésite pas hein, quand je dis, quand je montre un truc et tout, hésite pas. Petit plan et tout. Je peux prendre la cam aussi si tu veux. Non, je rigole. L'enfer. Je peux m'occuper de la cam. Tu me dis hein, si t'as besoin de la cam. Moi, j'ai très peur que ça soit en tout petit en fait. Parce que c'est grave possible que ça soit un truc petit. Monte, je remonte l'image. Honnêtement, ça peut être petit. Après, il y a une écriture là. Me dis pas qu'ils l'ont. Regarde, là aussi, il y a une fleur. C'est nous. C'est nous, ça. On est là. Voilà, on est arrivé jusqu'au bout. On l'a pas trouvé. Malgré la petite peur, en fait, moi, j'ai un peu peur que ça soit un tout petit dessin, tu sais, au milieu de dessin. Quoi? Elle est partie là-bas, ouais? Bah j'y vais. De toute façon, nous, on allait au bout. Il n'y avait rien, donc... Par contre, s'il y a une autre équipe, il ne faut pas leur donner le... Non, bah non. En plus, moi, je cherche pas bien. C'est-à-dire que quand je cherche un truc... Tu sais, c'est comme quand je vais faire les courses. Je regarde pas tout, partout autour de moi pour chercher un truc, mais même si je croise avec mon œil ce dont j'avais besoin, je vais même pas capter que je l'ai croisé. Et après, je vais me dire, putain, je l'ai pas trouvé. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, je fais genre je cherche. En réalité, juste ma tête tourne, j'ai les yeux fermés. Hein. Ok. Je te remercie Alex qui me dit qu'il l'a pas vu non plus. Ça me rassure, tu vois. Oh, elle est loin. Elle est loin. Go, go. Ah, on t'entend. On t'entend. Ah, vous m'entendez? Ouais, ouais. Ah, mais je parle depuis tout à l'heure. Attention, c'est trempé. Il est pas pressé, hein. Peut-être passer l'autre côté. Plus vite on va, plus vite on montre la localisation à tout le monde, en fait. Bah, genre là, Ted et Précéa, ils sont juste derrière nous, quoi. Non, mais ils nous ont déjà vus, en fait. Tout à l'heure. Bah, du coup, bouge, parce qu'ils vont prendre la photo avant nous. T'entends quoi? En fait, quand je cours, le module il galère. Ouais, c'est pas grave. Comme ça, on fait la suite direct. Mais il peut pas trop courir. Ça fait bugger les micros et tout. Bon, ah, ok. Et puis t'inquiète, ça fait un double check, hein, c'est pas très grave.
Je me disais, autant le dessin, il est petit. Hein. Ah non, mais c'est lui, c'est sûr. Y a ah, mais putain, mais je savais pas que tu l'avais. Mais putain, mais c'est une blague, je hurle depuis tout à l'heure. Allez, go. Mais c'est pour ça que je te dis, bouge ton cul. Ah, mais j'avais absolument pas ça fait 10 minutes que je suis là. Tu l'as envoyé au... Ah, mais... Il faut l'envoyer sur la convoi WhatsApp. Mais j'ai dit à Dash, j'ai dit c'est bon, je l'ai trouvé. C'est oui, mais là, moi, Dash, tu m'as dit ouais, peut-être on va de l'autre côté. Mais nous, on avait déjà fait demi-tour parce qu'il n'y avait rien. Ah non, mais moi ça fait un moment que je suis là et que j'attends. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment m'envoyer un message sur WhatsApp. On a droit à WhatsApp. Ah bon? Bah, WhatsApp entre nous et WhatsApp. Ah bah, moi, je pensais que, comme je l'avais dit à Dash, je pensais que c'était good. Bon, j'ai croisé des gens qui disent qu'il faut remonter par là, que c'est plus facile. En gros, je t'explique, tu mets la photo dans la conve. Et du coup, bah, ça valide et voilà. Non, c'était une photo de nous deux avec l'œuvre d'art. Bah oui, mais du coup, moi, j'arrive. Je te jure, là, j'avais pas l'info, hein. Moi, j'étais en mode Ah, bah, c'est pour ça que t'étais en toute détente, j'en revenais pas. J'étais en mode, bah, qu'est-ce qui branle? Oh, la communication est cadavérique, hein, quand même. Bah, moi, j'ai dit à Dash, c'est bon, je l'ai. Ouais, mais moi, Dash, je crois, je sais pas s'il a tant le droit de me dire, parce que du coup, il m'a dit, on avait déjà fait demi-tour, et il m'a juste dit, ouais, peut-être aller voir de l'autre côté avec Ultia, faites confiance. Et du coup, j'ai fait, ok. De toute façon, vous êtes déjà demi-tour. Sauf que du coup, je marchais lentement en mode, autant il est petit le dessin. Non. Oh, c'est une catastrophe, c'est. Parfait, vous pouvez montrer la photo au PNJ présent vers la sortie des quais à la station de tram Les Aubes. Bon, bah, en espérant que ça soit celle-ci, du coup. Attends, qu'est-ce que tu. C'est pas là-bas, le tram ? Si, mais il y a un arrêt de tram ici, c'est ce qu'elle nous a dit. En fait, j'ai croisé des viewers là. Et ils nous regardent de chez eux. D'ailleurs, coucou à eux. Coucou. Et. Salut ! Salut ! Ah, c'est tout là-bas, hyper loin. Donc, du coup, on remonte là et c'est à la sortie ouais. De la station de tram Les Aubes. C'est bon à trouver. Vous avez une petite photo pour moi? Oui. Salut. Salut. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bonne chance. Salut, bonne chance. Réalisé en Carmen Red, je suis un lieu central. Allô, stop. Je sais pas où tu vas. Réalisé en Carmen Red, je suis un lieu central de la culture Montpellier Red situé au cœur de la ville. Rendez-vous sur mon toit pour contempler la ville. Il n'y a rien de l'autre côté, vérifiez. Carmen Red en Alors moi je connais le Rockstore avec une voiture rouge. Réalisé un lieu central de la culture. Carmen Red, il est où le feuillet? Le feuillet de la carte? Ah bah il est là. Carmen Red. Rendez-vous sur mon toit pour contempler la ville. Mais c'est le quorum, il y a un truc où il y a le toit du quorum. Et c'est Carmen quoi Carmen Red? Je sais pas ce que ça veut dire Carmen Red. Mais alors juste pour aller au quorum, on... Attends, ça c'est bon, je peux te filer ça? Bien sûr. Merci beaucoup, Dash. Réalisé en Carmen Red, je suis un lieu central de la culture montpelliéraine situé au cœur de la ville. Rendez-vous sur mon toit. Donc il n'y a pas de tous les toits. Vous avez débloqué la map du centre-ville. On a la map du centre-ville. La Montpellier Centre? Ouais, c'est ça. Il y a une map sur les trucs de tram, non, je sais pas. Tu vois, là, en fait, t'as les jardins du quorum et au-dessus, t'as les toits du quorum sur lesquels tu peux contempler la ville. C'est un endroit connu où vraiment. Et de la culture, du coup, remonte. Ouais, de la culture. Résidez en Carmen Red. Je suis un lieu central de la culture montpelliéraine. Et le quorum, c'est un lieu de culture? Ah oui. C'est un musée? C'est là. C'est quoi? Non, c'est là où il y a des conventions, c'est là où il y a plein de choses. Donc, okay, oui, c'est un lieu de culture, d'accord. De représentation. Et encore une fois, tu vas sur le toit et t'as toute la ville. Et tu penses vraiment que c'est ça? Parce c'est que le seul endroit que je connais. Ouais, où mais on Carmen, voit toute la ville. Tu vois, c'est là que j'aurais bien aimé avoir le bonus internet, quoi. Bah, je suis d'accord, mais c'est parce le principe. Que Carmen Red, ah oui. Je sais pas ce que c'est, quoi. En Carmen Red, je sais pas ce que ça veut dire. Bon, tu connais pas, du coup, là, comment on fait pour aller en centre-ville? Ben, je te montre un peu la map monde. Tiens, elle est là. La voiture de la boîte, là. Bah, le Rockstore. En fait, il y a le Rockstore qui est une grande salle de spectacle à Montpellier où il y a une voiture rouge au-dessus. Mais sur le toit du Rockstore, on peut y aller? Ça te dit un truc? Carmen Red. Oui, au pire. Bah, Carmen Red, je me demande là, si c'est on pas est une là, couleur les Aubes. On est là, les Aubes. Donc, du coup, là, c'est le tramway. Donc, on doit être boulevard Xavier Ricard, là. On doit être là. Bah, faut le suivre. Le tramway. Mais vers où? Vers là ou vers là? Vers là plutôt. Ok. Non, je crois. Hein. Je sais pas, attends, direction oui, là. Il me semble. Bah, on va regarder le plan. Ils vont le trouver vite, hein, Ted et Pressé Alain, parce qu'on leur a montré. Ah, oui, bah, hein. oui. Et je pars du principe sans tricher que je suis un citoyen, si ça vous oriente pas sur la réponse, je peux vous donner. Toi, t'as l'idée que. Dans le jeu, ok. Qui sont genre random sur la ville si je les ai comme. T'es un bonus. Il est là le quorum, on voit. Ah, nice. Excusez-moi, madame. Excusez-moi de vous déranger, je me demandais, est-ce que on est dans une course d'orientation et on cherche un lieu central de la culture montpelliéraine réalisé en Carmen Red? Vous savez, bah, je ne sais pas justement. Parce que sinon, il y a le toit du quorum où on peut regarder
Parce que regardez, rendez-vous sur mon toit pour contempler la ville. Le toit du Quorum, on peut regarder tout Montpellier, je crois. Ah ouais, c'est vachement long. Et ouais. Et est-ce que au-dessus du Rockstore, il y a le toit qui est dispo? Ah ça, je sais pas. Ça mais pas, ouais. C'est moins haut que le toit du Quorum. Ça, c'est sûr. Bon, ma vie, allons voir, c'est sur le chemin. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Passez une excellente après-midi. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Parce que là, pressé à Ethan, ils vont tomber dessus direct, je pense. Le tram, il est dans 3 minutes. En vrai, le tram, pourquoi pas, non? Ah non, mais on s'en branle, on fraude. Vous avez de nouveau Internet pendant 5 minutes. Internet pendant 5 minutes. Go! Là, si jamais, envoyer un message à Polo, ou après la B, je sais pas, pour dire que... Carmen Red. Ouais, c'est une couleur. C'est une couleur. Je vais taper toi, Rockstore, pour voir. Hein. Toi, Rockstore. Réalisé en Carmen Red. Carmen Red, Montpellier, je tape. Montpellier, le Quorum, un immense paquebot conçu par Claude Vasconi. Bah, mais ça, du coup, la pierre utilisée sera un granit rose appelé Carmen Red de Finlande. Parfait. Je l'ai flammé pour qu'elle garde sa couleur et sa texture. Parfait. C'est bien le Quorum du coup. Claude Vasconi est l'architecte qui a pensé le Quorum dans une pierre rouge qui s'appelle la Carmen Red. Carmen Red, mais je pense qu'il faut juste aller sur le toit. Je vais relire l'indice pour être sûr. Du granit rose appelé Carmen Red de Finlande. Non mais c'est ça, réalisé en Carmen Red. Ouais. Je suis un lieu central de la culture montpellierenne situé au cœur de la ville. Rendez-vous sur mon toit pour contempler la ville. C'est sûr. C'est sûr. Je te jure, on la gagne cette présentation, ouais. Sinon je pète un câble. Non, mais par contre, le truc, c'est qu'on aurait vraiment dû aller en tram, je pense. Tu penses? Bah, parce que là, à tout moment, Pressea et Ted, ils arrivent, il y a le tram qui passe, boum. Tu vois? Mais tranquille, chill. Bah, ça se trouve, on va arriver à l'arrêt d'après, là. Si c'est vraiment ça. Je reviens vraiment pas du dessin où nous, on marche chill, je cherche partout, je suis en mode, ah, c'est peut-être petit. Même Alex, il est en mode, t'inquiète, je te dis si je le vois. Et toi, tu dis, mais attends, Dash, il est hôtel, mais il faut que je lui demande sa version de l'histoire, parce que moi, j'ai t'es témoin, il nous a dit, faites confiance à Ultime. Ouais. Voilà, du coup, on a fait Parce qu'il pouvait pas vraiment dire. Je pense. Bah, ça voulait dire que, en fait, moi, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste hurlé. Dash au loin, j'ai dit c'est bon, il a dit c'est bon, il a fait demi-tour. Et dans ma tête, moi j'attendais. En plus, j'avais les viewers qui étaient là, on discutait, tout ça, et j'ai fait qu'est-ce qu'il fout. Mais surtout que nous, on avait fait demi-tour parce qu'on était arrivés au bout. Et surtout que tu sais que si t'avais couru, on serait jamais tombé sur Ted et Pressea et on aurait tracé. Si, ils nous avaient vus, Mounou, ils nous avaient vus. Oui, ils vous avaient vus, mais du coup, vous auriez brouillé les puces parce que c'était pas dans votre sens. Oui, mais non, parce que c'était fini. Genre, c'est ce que je te dis. En fait, ça, c'était 30 mètres et fini. Ouais. Donc en vrai, nous, on était... En gros, quand Dash nous a dit « suivez », on avait déjà fait demi-tour. Mais juste, on courait pas. Ouais. Tu as compris? Ouais. Oui, je pense qu'en fait, il avait pas le droit de te dire je l'avais. Je pense. Et si j'avais su... Est-ce qu'on peut monter là au coup? Bon, ils ont quelques problèmes techniques, apparemment. Il y a la caméra qui bug. On est désolé et en fait le truc c'est qu'on peut pas trop s'écarter sinon le son il va cut. Ah ouais? Bah oui. Ah donc on m'entendait ou on m'entendait pas tout à l'heure? On t'a entendu quand on t'a dit on t'entend. Oh putain, je leur ai tapé la discute de fou malade. Je suis dégoûtée. Moi j'étais en mode donc là je suis là. Tu sais, je faisais l'audio description et tout. Est-ce qu'on peut monter par là au Quorum? On peut monter là Alex au Quorum? Non, mais lui demande pas, non? Ah ouais, pas. C'est pas, on va pas cramer notre indice avec... Oui, non, pas ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ah, le tram. Ah, tu vois, si après CA est tête dedans, je pète un plomb. Non, je crois pas, hein. Non, ils y sont pas, on dirait pas. On a de l'avance, on garde l'avance. Par contre, je précise, hein, je sais pas comment vous êtes, le chat, chez Ultia, ici, ou même... Pardon. Je ne vais pas passer là aussi. Ou même ailleurs, mais sachez que forcément c'est un petit peu intense, on court, on discute, etc. Mais vous savez, c'est comme quand on joue en équipe ou quoi. Il faut parler franc, il faut aller droit au but pour communiquer. C'est comme ça qu'on fonctionne dans une bonne équipe. Là, si non. Tu communiques pas, tu penses là-bas, ça marche pas. Là, je pense c'est pareil. Parce qu'en fait, là, tu vas t'écarter, le Quorum est là. Okay. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on se parle comme du poisson pourri? Bon, non, mais vu comment on se parle, il y a moyen. mais c'est la base. Si vous avez non, on s'en tape, vous inquiétez pas. Si vous avez déjà fait un peu de sport, d'e-sport ou ce genre de truc, vous connaissez ce genre de moment où de toute façon, l'unique objectif, c'est gagner. Vous en faites pas. All is under control. C'est à droite, là, droite-gauche.
mais vous pouvez faire des dons pour nous donner soit des bonus, soit pour donner... N'hésitez pas à faire des dons. Vous avez la commande point d'exclamation don sur la chaîne d'Ultia, sur ma chaîne. Point d'exclamation MSF Quest si vous voulez plus d'infos. Et comme ça, voilà. Voilà. Aïe. Et petit big up aussi à ZQSD qui s'occupe de toute la prod là-dessus. Ouais. Félicitations parce que c'est quand même un sacré dispositif. Et pour le moment, c'est une petite régalade en tout cas de l'intérieur, sachez-le. Oh, oh. Salut. Excuse-moi, je peux te... Quoi? Est-ce que je peux travailler ton micro? Ouais, bien sûr. Vite, hein, parce qu'on est dans la course, mec. Ouais, je sais. Je vais te le redonner du coup aussi, parce qu'en fait, c'est ça qui nous fait bugger le son tout à l'heure. Non, ça bug aussi. N'oubliez pas de faire des dons. Là. Merci beaucoup. Je crois que Ponce a le suivi des dons. Il pourra peut-être faire un petit point. Je le fais maintenant. Je peux regarder comme les dons. On peut tous vous remercier. Alors, pour tous votre non. Soutien. En vrai, tous non. Tous non. Non, en vrai, c'est compliqué parce que le truc. Je t'ai montré, il y a les scrolls pas bien et tout, donc c'est compliqué. Mais effectivement, je vois les donations que vous faites chez Ultia ou ici. Il y a Gumi qui donne 10 euros, Pimpin 10 euros, Soul Silver 50 euros, Anonyme 75 euros, Dianart 10 euros, Agoniae 10 euros aussi, Gobicool 10 euros, 25 euros de Mathieu. On peut pas plus scroll, tu vois, ça bug. Azlarim. Azlarim 10. Non, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Tu vois? Pendant cette pause, tu comprends pas. Ouais. Si, j'ai compris. Du coup, attends, je continue à remercier Aslarim 10 euros, Anonyme 5 euros. Merci beaucoup. Et ouais, mais après, ça remonte pas, ça bug. Je vais bon, F5. Merci à tous en tout cas. Si vous donnez maintenant, on voit. C'est bon, non, c'est nous qui avons nos gourdes. Ok. Bon, ça bug un peu, my bad, mais quoi qu'il arrive, merci beaucoup. Et ça va partir. Oh, on perd un temps fou là. On perd du temps de ouf. Oh putain, c'est salvateur, salvateur. Si je vois deux t-shirts rose arriver, je pète un câble. Hop, je fais un petit F5 sur les donates. Bon, on a déjà eu un bonus, hein, et merci pour ça d'ailleurs. Ça nous met deux bonus. Vous nous mettez très bien. Mettez des malus après, c'est Marina à elle. 25 euros, merci Marina. On est reparti? On est reparti, c'est bon? Ok. On est reparti, d'accord. Oh, Chloé! C'est bon, on est reparti. Merci beaucoup, la tech. Bijou. À toutes. Merci aussi à Mayvi, 25 euros. Merci, Mayvi. J'espère que tu vas bien. J'espère que Jules va bien. Faut avoir la ref. Bref. Ok, on enchaîne. On enchaîne sur la suite de cette aventure exceptionnelle. Ah, ça va peut-être être le moment le plus complexe de ce week-end, c'est-à-dire la montée des marches, messieurs, dames. Comment on fait pour aller sur le toit, du coup? Alors, bienvenue, nous sommes sur l'esplanade Lucie Aubrac, née en 1913, décédée en 2007. Je ne sais pas qui est cette personne, probablement quelqu'un qui a fait quelque chose d'important pour la ville. Ici, la Carmen Rose, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Figurez-vous que c'est la pierre importée de Finlande. Ouais, allez, ferme-la, là, c'est tout droit. Allez. Ah merde, j'ai un appel. Un appel de groupe. On a un appel de groupe. De WhatsApp? Ouais. Allô? 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 Oui. Oui, ça va et toi, Luthi? Ouais, bien sûr, est-ce que t'es pour vous mettre un long quelque... Pourquoi? Non, 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 ça veut nous mettre des bâtons dans les roues, ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Ouais. Tu vas devoir me raconter une blague, et si jamais il rigole pas, vous allez devoir vous arrêter pendant 3 minutes. Non, mais on a... Alex, notre cadreur est tombé, mais tout va bien. Vous avez du son? Ça va. Alors, il faut que Zoulou rigole ou il rigole pas? Il faut que Zoulou rigole pour pas qu'on ait un malus. Mais on a déjà eu un malus! On a déjà eu un malus, on était... On vient d'avoir un malus. Tu vois, on a déjà des malus, c'est en bon, vrai. C'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous avez déjà un malus, c'est qu'on avait été appelé. Fais comme une petite blague à Zoul. Une petite blague à Zoul. Putain, je suis... Que... Ok, on a redu son, excusez-nous. Qu'est-ce qui est... attends, t'es sûr? Je sais pas, t'as une autre blague? Ouais, le but c'est faire rire Zoulou.
Zoulou. Auré, je pense que ça va être là après. Donc non, on se met on à l'ombre. Par là, on monte par là. Ah ouais? Bah je crois. Ok, je Zoulou, pas. Si le but c'est de faire rire, est-ce que tu te rappelles quand on faisait des pré-made sur la Yuma TV en 2014? Est-ce que tu te rappelles de ton niveau de jeu sur League of Legends ou pas? Allô? Aïe. Ils sont un peu très bien. Ok. Ok, on se. Ok. Bisous. Ok, bisous. Vas-y, ciao. Il a rigolé. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. T'as pas dit la vitesse, mon gars. C'est bon, on s'est arrêté deux fois pour les problèmes techniques. On a de l'avance, qu'est-ce qu'on y peut, qui peut nous stopper? Alors, faut savoir que j'ai signalé l'appel. Donc normalement, il va se faire bannir... Sur WhatsApp. Sur WhatsApp, ouais. Pour appel intempestif. On monte là, là? Je pense, ouais. Je crois que c'est ça. Ok, moi je serai... Excusez-moi, monsieur. Pour monter sur le toit du quorum, c'est par là, c'est ça, on fait le tour. C'est ça. Parfait, merci beaucoup, bon après-midi. Et tu vois? Regardez, il y a la fête là-bas. Venez, on va faire la fête. Il y a fête. Toujours là. Non, à part là. Mais non, c'est fermé. C'est fermé, en fait. Oh, c'est trop loin. Et il y a la fête là-bas. Vous entendez ou pas la musique, les gens? On va y arriver. On va aller bounce. Bounce. Bounce, mais pas on trop va, parce qu'on a déjà un malus. C'est abusé. C'est abusé. On déjà, nous sabote. Le problème technique. En plus de ça, notre caméraman tombe. Ça aussi, c'est quelqu'un qui a mis une banane quelque part, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a la fête là-bas. Attends. Oui, oui, c'est sur le côté, je crois. Bah oui, le monsieur, il a dit c'est là. Tu te souviens, on a fait un live IRL ici, il y a 3 ans, un truc comme ça. On a ouais. fait un live IRL avec Ponce ici pour la fête de la musique. Alors, c'était il y a 4 ans et demi quasiment. C'est pas vrai. C'était fête de la musique 2019. 4 ans et demi? Ouais. Oh, arrête. Je te jure. Et on est tombé sur le bonus internet au bon moment pour la Carmen Rose. Après, tu l'avais quand même, donc on y serait allé, je pense. Bah, on aurait mais fait quorum. Au moins, on y va avec certitude. Après, on serait rentré dans le quorum, on aurait dit. On aurait demandé. Attention, attention. Ok. Tu me fais peur maintenant, Alex, je n'ai plus confiance en ta marche. Le pauvre. C'était l'escalier, c'est l'escalier. J'espère que tu t'es pas fait mal. Hein. Non, ça va, ça va. Attention là aussi. Au mieux que ça m'arrive maintenant dans l'escalier, ça va rien. Ah, ça fait du bien, il y a un peu d'ombre, petit vent frais ici sur l'esplanade de Montpellier. 34 pasteurs et prédicants protestants ont été pendus. Super, vous avez l'info. Horrible. Bah si, c'est tout le truc qui est fait en Carmen Rose. C'est tout le truc qui est fait en Carmen Rose. Ambiance ici. Ah, c'est là. C'est là et sur le côté. C'est quoi la fête? Je sais pas si vous entendez la musique, mais ça me bute. Ça pue la zèbre. Ok. Je vais voir les donations, ce qui s'est passé un peu, voir s'il y a eu des choses et peut-être vous remercier si c'est le cas. Mettez des malus après CA et TED. C'est eux qui nous précèdent. Succède. Anonyme 25 euros, Rock You 50 euros, Steven Seagal 20 euros, Mime Orléans 50 euros, t'avais déjà donné en plus. Donc, merci. Pour laisser plus de chance aux autres joueurs. Ah, c'est un malus. T'as donné un malus. Ouais, c'est un malus. Je t'en remercie pas là-dessus. Merci aussi à Bénine pour les 25 euros, Céline pour les 10 euros, Anonyme pour les 25 euros, Noélie pour les 10. Merci à vous. Alors, on a fait un event ici. Exact. On y est, messieurs, dames. On est sur le toit du quorum. On est sur le toit du monde, bébé. Sur le toit, bébé. On est sur le toit du monde, bébé. Dommage, on voit pas la mer. Ok. La barre des malus est bien remplie d'un coup. Ah ouais, c'est un bad. Hein. Okay. Il est là, le pélo. Ah, il est là-haut. Le monsieur MSF. Bien ouais, en tout cas. Pour le moment, c'est une domination. Bah, si on nous met des malus, c'est qu'on est juste trop fort, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Apparemment, ils sont vraiment derrière. Hein. Ce que je comprends, ils sont vraiment, vraiment, vraiment derrière. Et oui. Pourtant, on leur a donné la localisation. Salut. Salut. Voilà, on est là. Oui. On est Al. Félicitations, vous pouvez récupérer ce kit. Oui, merci. Merci. Et voici un petit indice pour l'énigme suivante. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va juste... Ça, c'est l'ancien indice, du coup, qu'on va laisser à Dash. Et Dash va prendre le kit aussi, si possible. Absolument. Et on va ouvrir ça. Je te laisse ouvrir. Oh, c'est un rébus. C'est une... Ouais, c'est un rébus. Venez, venez. Pharmacie. Pharmacie de la... Pharmacie de la... De la pinzé... De la pinzérine. De la pinzérine. De la pinzérine. Pharmacie ou de la misérine, peut-être. Pharmacie de la misérine ou pinzérine. Ouais, c'est parti. Ok, go, go la pharma. Merci beaucoup. Merci. Bon, on est intestable en pharmacie en rébus, de la en fait. De la pizzerie. Moi, mon père, quand j'étais petite, il me faisait grave de rébus avec plein de trucs. Donc, je suis c'était au taquet sur ça. C'était un rébus. Attends, mais elle va où? Mais Ultia, tu fais quoi? Bah, moi, j'allais YOLO la pharmacie. Hein. Mais faut bah, on est obligé de descendre, en fait. Cherchons sur la carte avant, non? D'accord. Enfin, comme tu veux, mais c'est juste que okay. Là, on va aller de manière eh ben, il n'y a pas des pharmacies. Là, regarde, je suis en train de regarder. Dans l'annexe. Dans la pharmacie. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Je crois pas, regarde. Cinéma, théâtre, musée, office, camping, golf, piscine. Pour moi, même si c'est une pharmacie, elle ne sera pas sur la carte. Bah, du coup, ça, il faut donc pour moi, il faut qu'on descende. De toute façon, il n'y a qu'une seule direction et les pharmas, on va les trouver tu en sais deux. Quoi deux. On va dans n'importe tu sais quel pharma. On va dans n'importe quel pharma, on demande, ils vont savoir, c'est sûr. Ouais. Je vois même pas pourquoi tu te poses la question. C'est vrai, t'as raison. Et c'est soit pinzérine, soit misérine, du coup. T'as raison. Est-ce que Dash, on peut avoir un peu d'eau? Mais c'est dans le sac à dos. Ah, c'est dans le sac, monsieur, bon, t'inquiète alors. Tiens. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Il et fait, regardez en short là. C'est 29. Oh. T'es sûr qu'on peut passer par là? Je vois une. Je vois un truc. Je suis pas sûr qu'on puisse passer par là, Pompon. Ah bon? Allez. On fait le tour comme ça, on est sûr. Je suis pas sûr, mais si c'est pour arriver là-bas et bugger, ça non, va t'as me raison, fouler. T'as raison. Mais oui, en vrai, on n'a pas. Les pharma, elles sont pas sur la carte. Enfin, j'en ai pas l'impression. Bah non, c'est sûr, sinon il y en aurait partout. On en a partout, ouais. Sinon, on va dans n'importe partout. Quel. N'importe quel pharma et on leur demande. Ouais, mais quelqu'un il aura moins de chance parce que même moi, tu vois, même là d'où je viens et tout, le nom des pharmacies. Ouais, bon. Même moi je saurais pas te dire. Tu sais que je saurais. Ah, et. Il y a un truc vert là. Ah non, non. Non, c'est un tracteur. Mais oui, c'est vrai que t'as raison. Moi je saurais même pas dire le nom de la pharmacie. Pareil, où je vais, hein, celle où je suis allé pendant toute ma jeunesse, j'ai aucune idée de son nom. Donc franchement, après il y a peut-être le nom d'un quartier en fait, c'est ça que je vais vérifier sur la map, tiens, pendant qu'on marche. Hop. Alors, est-ce que c'est toi qui as le petit feuillet? Regarde, ouais. Pinzérine ou misérine à P ou à M. Ah, ah, ah. Et je suis sûre que l'autre s'était fermé. Quasiment. Ouais, t'as raison, oui, on l'a voyé. Quasiment. T'en remontes le rébus juste? Misérine, pinzérine. Misérine. Eh, il y a une corde aussi. Mi. Pharma. Miséricorde. Ah, coup, miséricorde. Bah, c'est miséricorde. Chut, chut. Merde. Ouais, salut, ouais, ça va salut. Et vous? Allez, à plus. À plus, ouais, ouais. Vous êtes les meilleurs. Ouais, fait. C'est ça, à plus, ouais. Salut, ouais, bon courage, ouais, force, ouais. Mais ouais, miséricorde. Miséricorde. Oui, mais... M. Oui, mais ça m'aide pas. Bon, viens, je vais le faire si tu veux. Mais non, mais en fait, miséricorde. Non, tu cherches dans l'annexe. Et mais y a peut-être pas des pharma... que. Bah, ah, peut-être... des quartiers. Mais on s'en des... fiche. Ah, mais c'était la vieille chute. Mais je porte tout aussi. Non, je rigole. Bah, donne, je t'en prie. Je rigole. Marseille. Non. Putain. Tu sais, c'est genre, s'il y a marqué miséricorde, on sait jamais, tu vois. Et peut-être que c'est un quartier. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas? Ok, non. Tu peux juste me donner un truc, juste je check quelque chose très vas-y, rapidement. Vas-y, merci. Pas tiens. On va demander à des potentiels montpelliérains, je pense. Parce que miséricorde. Est-ce que c'est pas le surnom de quelque chose? De quelque chose genre. Miséricorde. Heureusement que t'as dit donne-moi le rébus pour voir, on a réfléchi. Bah à chaque fois, tout est écrit devant nous, hein. Il faut pas... Des pharmacie fois, miséricorde, il n'y a pas la place, une place de... Bah justement, place miséricorde ou... Une place, il s'est passé un truc, une époque.
Ah, mais je pense que si on demande à un commerçant qui est dans le coin, normalement. Ouais, ça... je suis assez de cet avis aussi. Ouais, un vieux commerçant, ça peut le faire. Là, je vois où on est. On est au jardin du Champ de Mars, ok. Ouais. Ouais, on va redescendre, on va arriver sur la Comédie. Musée Fab. On est en plein centre, quoi. Genre, on est un peu entre tout. Alors, par contre, si c'est de l'autre côté derrière, je suis abattu. Bah, j'espère pas parce que, honnêtement, alors déjà, je suis en train de regarder derrière nous. Et ensuite, j'ai plus l'impression que ça va nous amener dans le centre que nous en éloigner. Et enfin. Là, il n'y avait pas de sortie à l'arrière. Donc, ça aurait été galère. Il aurait fallu faire le tour dans tous les cas. Non, mais par là où on est arrivé, tu vois. Mais oui, non, ça me. Bah, ça paraît pas très logique qu'il nous fasse repartir, je trouve. Le but, c'est quand même passer un bon moment, c'est pas aller à l'autre et bout du monde. Je me remets absolument pas du fait que j'ai parlé seul pendant 15 minutes tout à l'heure avec le tag là. Entièrement seul. Entièrement seul. Moi, je lis un peu tout quand même, hein, parce que si je vois écrit miséricorde là, ça part. Après, sachez aussi que si vous êtes Montpellierien ou Montpellierenne et que vous avez l'info, venez, hein, venez nous dire. Venir hein. À notre premier rencontre. Degré, hein. Enfin, si vous voyez qu'on galère, parce que là, si vous partez maintenant de chez vous, par exemple, vous habitez à Nîmes, non, en vrai, bougez pas. Yo, yo, on est super gang, les gars. Place de la com. Gang, gang. Miséricorde. J'espère vraiment qu'il a bien regardé dans le truc et que AM, il a rien vu. Ultra gang, quoi. C'est un truc de fou. Dingue, quoi. Tu sais qu'il y a l'office de tourisme. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis juste là, mais il y a la queue. Il y a les serveurs qui sont full, je crois. Non, il n'y a jamais personne dans ce truc. Oula, fais gaffe, hein, ils ont réouvert des layers avec le mode hardcore en plus qui commence à buzzer. Le nouveau patch, la vie en hardcore, mon gars. YOLO. Elle va y aller, je pense que tu peux la suivre. Là-bas, il y a une pharmacie. Ouais, t'inquiète. De tourisme Montpellier. Hein. Je rentre jamais dans ce genre d'endroit. Mais bonjour. On va pas filmer les visages. Non, on n'a pas filmé ici. Ok. Je peux demander quand même. Et tu sors au pire, c'est pas grave. Pas trop. Bonjour. On est avec Médecins sans frontières. On cherche la pharmacie de la Miséricorde ou un quartier de la Miséricorde ou un. Bonjour. Une rue de la Miséricorde. Est-ce que vous connaissez la pharmacie de la Miséricorde? Arrête de filmer, s'il vous plaît. Vraiment, même la rentrée. Faut que tu sors. Une place de la Miséricorde. Et même rentrée, dès qu'il a rentré, s'il vous plaît. Je sais pas du tout. Hein. Ouais, on va bien. Je suis en pleine course d'orientation. Oui, c'est tout. Je suis en pleine course d'orientation et tout. Je sais pas si vous avez. Miséricorde, ça vous dit quelque chose à Montpellier? Ça me dit rien non plus. Hein. C'est pour ça que je. Non, alors je sais qu'il y a une grande parapharmacie juste à l'entrée du polygone. Du polygone, ouais. L'entrée polygone. C'est là, polygone. Parce que les pharmacies sont pas écrites ici. Là-dessus, non. Vous n'avez pas le droit au téléphone ici. Bah non, bien sûr. Ouais, c'est là, mais du coup, c'est pas écrit. Vous pensez que ça s'appelle Miséricorde? C'est juste à l'entrée. Je peux peut-être aller voir en speed. Hein. Ouais. Je vais aller voir ça. Hein. Je vous embête pas plus que ça. Non, merci beaucoup. Sinon, ouais, après par là, en pharmacie. C'est pas forcément par là, hein, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non, après, mais pas de soucis. C'est un vieux centre historique avec un nom comme ça. Je pense qu'on va aller voir, mais je vais aller voir là rapidement aussi. Merci beaucoup. Bon après-midi. J'avais pas le droit de filmer à l'intérieur, ils aimaient pas. Ouais, t'as pas le droit de filmer à l'intérieur. Est-ce que Dash, tu peux rester là? On va juste voir vite fait là. Et quand on sort, on vous rejoint là, ok? Ok. Quoi qu'il arrive, on marche côté gauche de cette truc. C'est gentil. On va pas loin. Attends, elle arrive. Elle arrive? Ok, on va voir alors. Si elle arrive, on va voir. Alors c'est bon, je l'ai. On a, alors désolé, on n'a pas le droit de filmer. Donc c'est près du musée Fabre, rue Montpellier. Donc là, on est là. Donc ça veut dire c'est là-bas, je pense. Ah mais non, mais c'est juste à côté même. C'était là-bas. C'est pas grave. Si, c'est grave. Donc désolé, ouais, on n'avait pas le droit de filmer dans l'office de tourisme. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé toute seule. Non, mais bien ouais. Et sachez qu'elle m'a proposé de me laisser sa carte avec tous les points détaillés. T'as et tout. Et j'ai dit non. Ah ouais, j'ai dit non, je pense pas qu'on ait le droit. Mais non, si, mais on s'en fout, mais c'est pas droit, grave. On a droit à toi. C'est le principe. Je sais pas, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça se trouve, c'est de la triche et mais tout. Mais pas du tout, c'est trop pas de la triche, c'est du génie. C'est pas grave, on s'en fout. Depuis quand on mais est non, fair play, non, sérieux. Tu sais, et Ponce, ouais. Déjà, on a beaucoup de preuves dans les mains. On a des carnets, on a des stylos, on a des machins, on a des trucs. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amitié. Bah, bof, hein. Ouais.
fallait se concentrer déjà sur la victoire. Donc le musée Fabre, il est là, ouais, c'est juste ça. Là. Okay. Ouais, juste là. Mais je... sauf qu'il est derrière le musée ou à côté? Non, c'est rue Montpellier, c'est vraiment le nom de la pharmacie. Elle s'appelle comme ça. Mais parce qu'en fait, je sais pas où est-ce qu'elle est, la rue qui... Oui, mais c'est... Rue Montpellier. Elle me l'a entourée sur la carte. Voilà, est-ce que c'est celle-là? Non, ça c'est... Viens, on marche là-bas. Là, c'est boulevard Sabraille. Voilà. Ça va. Et donc, c'est une perpendiculaire. Ouais, mais du coup, c'est plus proche de là ou pas? Sur ta carte? Je sais pas exactement. Il faut que je vois ancien boulevard de l'Esplanade. Vas-y, montre. Tu vois, Sarail, rue Montpellier. Mais le musée, il est là-bas. C'est collé, c'est là. Allons là-bas. Mais on a bien fait d'aller à l'office de tourisme. C'était rigolo, en vrai. Ouais, mais récupérer la carte, ça aurait été une masterclass. C'est, en vrai, on a déjà beaucoup de cartes dans les mains. Hein. Ça commence à faire beaucoup, hein. Faut se concentrer sur ce qu'on a. En vrai, il y avait des points, mais il n'y avait pas toutes les pharmacies, par exemple, tu vois. Donc là... Centre Rabelais. Centre Rabelais. Et je pense que ça doit être la perpendiculaire. C'est celle juste avant le musée, normalement. Normalement, juste à gauche au musée. Ok. Et ça te fait les reminders des live IRL où on n'a jamais le droit d'amener la caméra. Non, on n'a pas le droit d'amener la cam. Ah, il est resté dans le hall. Non, faut vraiment qu'il sorte. Je lui dis non, mais vas-y, sors. Laisse tomber. Ça va être cette rue à gauche, là. Tu penses? C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et on remercie Alex, le caméraman, qui fait un boulot de fou, qui nous suit. Dans des circonstances, en plus, sans le trépied. Sans le trépied, sans rien, merci. C'est celle-là? Ah oui, c'est elle. Rue Montpellier. Elle a dit qu'elle... En plus, elle était lente parce qu'elle avait pas ses lunettes. Et du coup, elle disait, je vois pas bien. Je vois pas bien. J'étais en mode, donne. Et elle a dit qu'elle était dans cette rue? Elle a dit, elle a entouré cet endroit. Ah, c'était pas précis, quoi. La dame vient de faire ça, tomber sa bouteille d'eau et elle a fait un signe de croix pour conjurer le sort. C'est pas vrai? Oui. C'est mauvais. Je sais même pas le faire. Mauvais sort. Ouais, elle a entouré la rue Montpellier. C'est ce qu'elle a dit. Donc là, on est dans la rue Montpellier. Pour l'instant, il n'y a pas de pharma. Mais pourtant, il me semblait que c'était vraiment au carrefour, tu vois. De la rue Fabre. Là, il y a un excellent brunch. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un excellent brunch, le Colbury. Ah oui, je vois où on est. Colbury Café. Excellent. C'est pas une vanne. Non, c'est un EHPAD. C'est un EHPAD? Non. Je cherchais un truc. J'ai l'impression qu'on est en train de s'éloigner complètement. Je cherchais si on avait vraiment accès à la pharma. Pharmacie. Ah non. Oui, pharmacie de la Miséricorde. Oh là là. C'est là. Let's go. On va Luty va nous appeler, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est vous sûr. Êtes trop à l'avance. Et est-ce qu'on va voir les sportifs de haut niveau et ce qu'on leur dit, fais une pause et après comme ça tu laisses les gens derrière? Non, je crois pas. Je crois pas. Bonjour. Ah, bonjour. On est avec Médecins Sans Frontières. Ouais. Ah. Vous en savez quelque chose, c'est ça? Oui, on va là, c'est ça? Voilà, oui, enfin, je ne sais pas où on a dit là. Bah, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Le pharmacie de la misère. Il y a autre chose écrit? Enfin, moi, le problème, c'est que moi, ah, c'est l'enfer d'avoir des lunettes. Bon, on n'est pas content. Non, il n'y a rien. Pharmacie de la Miséricorde. Est-ce qu'il y a une lettre cachée, un indice? Il y a un phare, il y a un mât, il y a une scie. Bah, c'est non, principe. Non, mais ça c'est... Il y a une corde? Non, mais je pense que ça n'a pas de lien avec le rébus maintenant. Je pense que ça, c'est fini. Merci de ne pas s'asseoir. Peut-être qu'il faut s'asseoir, peut-être qu'il faut enfreindre la règle. Peut-être le but, c'est... Ça va, le live marche toujours? Ouais. On vous a dit, madame, on vous a dit quelque chose, on a caché. Non. On vous a rien dit. On vous a dit de nous dire d'aller là? Non, on m'a dit que vous étiez susceptible d'aller dans la pharmacie. Mais on peut aller là aussi ou pas? Ah non, oui. mais c'est la chapelle, bah oui. Ça, c'est l'entrée de la pharmacie. Ouais, et peut-être. Bah oui, mais une photo qu'on fait. Ah si, prends une photo. Prends une photo, il met là sur la combe, j'avoue. Dans le doute. Photo into combe. Ponce, si tu veux faire la photo avec moi. C'est parti. Non, mais je pensais ça. Ils vont nous donner la suite. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est pas sortir de suite, au cas où si les autres arrivent. Ouais. Comme ça, ils ne voient pas devant. Ouais. D'accord, ok. C'est bon, j'ai envoyé. En direct de la pharmacie, bien ouais.
Le président Esperonier. Je vais leur montrer les vitrines. Ouais, ouais, regarde, bah, monde, filme un peu toi, hein, régale-toi, Alexa. Régale-toi et régale-nous. Et tiens, du coup, je te rends ça si possible. C'est l'indice qu'on vient d'avoir, mais enfin de la miséricorde, donc on l'a. De la pinzerie. En fait, à chaque fois qu'on termine un indice, je te le file. Ponce. Je reviens bien de l'eau. Ponce, la pharmacie de la pinzerie. De la pinzerie. Ah non, mais nous, c'est très grave. Hein. De la pinzerie. Rime. Moi, je dis, je pense que c'est mi. Ah, mais putain, il y a corde. Mais c'est pour ça, c'est dit montre. Parce qu'en vrai, les rébus, des fois, on a tendance à tracer. Puis en fait, il y a des. Mais pourquoi on a pensé à nœud? Il n'y a plus d'eau, attends. Ah. Mais attends, mais moi j'ai une gourde aussi dans mon sac. Oui, mais je préfère remplir celle-là maintenant. Ah, ok, ok. Parce que là, je suis en train de m'assécher et dans 30 secondes, je meurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu regardes le WhatsApp ? Ouais, j'ai tellement de trucs dans les poches. 10, 11, 12, 13. La suite ? L'énigme arrive. Ah, ok. Oh, ok. En fait, tu sais que je crois qu'on va trop vite pour la tech. Mais voilà, mais on va trop vite, regarde, voilà. Ça fait une demi-heure qu'on est là. La pute. Grave. On attend la suite de l'énigme. Ah. En fait, tout le monde nous met des... En fait, on a des bâtons dans les roues tout le temps. On nous demande d'arrêter. Ah, fait chier. Ah oui, vous êtes trop en avance. Oui. Bah, on sait pas. C'est un peu comme Mario Kart, en fait. Vous avez la coquille. Ah ouais, mais fait chier parce qu'on a envie de... Ouais, c'est ça. Elle a raison, Précéa, c'est qu'on a la coquille bleue de Mario Kart. La coquille. Ah, moi j'aurais bien rigolé, c'est dommage qu'on vous arrête. C'est vrai qu'on vous aurait bien couru après. Ah ouais, mais. Bah oui, voilà, là on est à égalité alors qu'on n'est pas arrivé à égalité. Bref. Il est 15h30, gars, c'est jusqu'à 20h, mais je vais crever, moi. J'ai déjà la jambe droite qui est en mode. C'est un. Qu'est-ce qui se passe? C'est un marathon, c'est un marathon. C'est un marathon. C'est quoi les suites? Ben, on attend depuis 5 minutes. On attend. On nous a dit l'énigme arrive. Donc... L'énigme arrive. Non, mais... Ouais. Bah, attends, mais nous on peut. Attendez, j'ai couru dans cette étape. Pour trouver, c'est pour ça. Ah ouais. Oui. On a de l'eau. Ça va, tourne la poule, je t'ai pas vu. Bah oui, ça va, toi. Bien. Bon, je mets le chat parce que là on s'en fout parce qu'on n'a pas des. Bah, peut-être que sur le live ils font des trucs, on n'a pas le droit d'avoir le chat. Les dons plutôt, non ? On est en train de chercher un truc, personne ne cherche un truc. D'accord. Je sais pas, peut-être que Luthi et Zoulou ils donnent des infos que nous on n'a pas, tu vois. Coucou. C'est bon. Je vous ai. Oh. Qui a à boire là ? Ça va ? Bah on attend. Ah. Mais quoi ? C'est qui ? C'est nous ? Mais quoi ? Mais non, mais j'hallucine. C'est Précéa et Ted qui ont eu l'appel avant nous ? Non, attends, j'enlève le chat. Mets vos cœurs. Non, c'est impossible qu'ils nous ont le. Bon, si vous étiez là les premiers. Bon, quand même, nous, ça aurait pas trop de sens. De toute façon, on n'est pas des bâtards, on partirait avant nous, on n'est pas des chiens. Bah après, c'est le jeu. Bah non, c'est le jeu, hein. Ouais. Le PSG à Catar, vous laissez Conseil Utia d'abord avoir un indice et vous sortirez de la pharmacie et ensuite vous irez pour avoir un indice à votre. C'est horrible, ça, il faut faire un truc là. Mais c'est ça. Ah voilà. Ouais. D'accord. Bisous. Ok, let's go. Bourrez les dents. Ok, donc si vous n'avez pas entendu, en gros, on va venir nous donner la prochaine énigme et on va partir 5 minutes en avance vu qu'on est arrivé 5 minutes avant. Voilà, ouais. c'est assez legit en vrai, ça, c'est legit. Mais ce qui est chiant, c'est que nous, on n'est pas mort physiquement. Ted, il a dit qu'il était mort physiquement. Et donc on perd notre avantage parce qu'il se propose là où nous, on n'est pas inscrit sur un bureau. Stratégiquement parlant, tu vois ce que je veux dire ou pas ? J'avais pas compris, mais ça y est, je vois. Mais on va tellement vite que le mec de l'indice, il est même pas là en fait. Too fast for you. Bah parce que si on va plus vite que quelqu'un qui cherche pas, c'est bien. Mais comment vous avez fait si vite pour trouver ? Ouais. Mais moi, tu sais quoi, Dash ? Je veux pas faire la meuf, hein. Mais j'en étais sûre que ça allait être trop simple. Vous avez trouvé où, la pharmacie ? C'est vrai que ça s'enchaîne bien. Hein. Avec oui, mais une fois que tu as eu pharmacie de la miséricorde, je ne savais pas. C'est le besoin en 5 minutes d'internet.
Ah, ah oui, nous aussi on a eu, ouais. Et donc on a cherché en 5 minutes la pharmacie. Ah oui, en sortant du travail, au fil d'internet, je suis passé là. C'est ah, c'est pour ça. Nous, on est allé à l'office du tourisme pour leur demander où est-ce qu'elle était. Ah, on est rentré, elle voulait pas de la caméra, du coup il est ressorti. Moi j'ai demandé, elle était en mode, alors j'ai pas mes lunettes. J'étais en mode, après. Sur le plan, c'est pas indiqué. Est-ce qu'il nous a donné le cœur de la ville ? On se dit, bah, le cœur de la ville, frérot, il n'y a pas la pharmacie, quoi. Non, mais elles sont... Ouais, et puis c'est pas une pharmacie... c'est plus une pharmacie, quoi. Ah, c'est quoi, si c'est un objet ? Bah, c'est une ancienne pharmacie, du coup. D'accord. Ouais. C'est pour ça que c'est pas une pharmacie. Ouais. Bah oui. Salut ! J'ai vu que vous avez, du coup, un petit moment à attendre avant que la personne arrive. Oui. Je voulais vous aider avec la miséricorde. Ah. Tu avais dit ça à côté, du coup, je voulais juste vous faire un gros bisou. Et vous dire merci à vous tous pour ce que vous faites avec Médecins Sans Frontières, c'est génial. Bah, c'est et Julie, tu adores tout particulièrement. Ah, oh, merci. Merci pour les vêtements secrets, ça reste. Ah, on adore. Du coup, c'est génial. J'espère que le cadeau de la course, c'est Nathaniel. Hein. Parce que top, mais pas avec ses shots de Curaçao. Nous, on veut la palette Spritz. Et la palette Spritz aussi. Elle suit tout. Elle donne toutes les privées de jokes de l'album Amour Secret. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Oh, bah, on a accès à la photo, alors vas-y. Attends, mais on l'entend bien ou pas? Ouais. Oh, parfait. Est-ce que t'as donné 10 balles pour le massif? Non. Non, mais pas de pression. Mais... la carte est arrivée il y a 2 jours, alors je pense que je vais pouvoir trouver un petit budget. Oh t'inquiète, aucune idée. Bah, vas-y, tu veux qu'on prenne une photo? Oui. Okay. Allez, j'ai donné 1000 balles il y a 2 jours. Bon, bah, merci beaucoup, oui. De rien. Merci. Cache-toi dans un coin de la rue et on te retrouve après pour 2 indices. Oui, mais moi, j'ai dit que j'étais... Allez! Ah mais si t'as. Suis comme ça, si t'as d'autres indices, on est chaud. Je suis en train de faire ma pool partie pour vous. Oh, oh non, mais pas ta pool partie! Mais non, y'a pas de budget pour vous? Non, ta gueule! Une pool partie, c'est genre là où il y a plein de poules et on leur fait des câlins. C'est ça, exactement. Ouais. C'est une pool partie, ouais. Tout à fait. En tout cas, heureusement qu'on a débloqué le bloc-notes en bonus parce que depuis le début, on a. Mais putain, mais il fait tout à l'heure, Jeep! Mais oui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une bouteille vide, là. Qu'est-ce que tu veux ? Mais on la jettera tout à l'heure, pose-la. Oui, mais j'ai trop de trucs dans les mains et les poches. Mais je suis le porteur originel, quoi, c'est trop grave. Elle et me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Regarde, elle a rien sur elle. Vous êtes de Montpellier. Il est où le feuillet ? Ah là. Putain. Eh ben, John, on s'en tape de ce carnet, de toute façon. Et après, elle dit que c'est moi qui fais tomber, mais elle fait craquer, elle. Oh, putain. Bon, alors c'est bien d'être dans un endroit où il y a des chaînes, si vous voulez m'en donner tout de suite. Ah, il y en a qui sont là, parfait. Allez, pendant que tous se bassonnent. Ah, vas-y, viens. Ah, c'est de la violence domestique. C'est de la capoeira, c'est de la capoeira. Oh, ça va, toi? Ça va. On a le droit de faire ça? Oui, sauf pour ça, ils nous ont dit oui. Oui, oui. En gros, on a un QR code. C'est ça. Non, mais ils ont dit que Internet pour QR code, c'est... Ok, c'est bon, j'ai... Alors... C'est quoi? Bah, dis-moi. 4, 5... J'adore quand elle fait ça. Alors, je sais pas ce que... laisse-moi, oui. Laisse-moi, j'arrive 2 secondes. Donc, il faut qu'on trouve chaque petite jarre autour, et après, ça va me donner un code, d'accord? Le code, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire que c'est le nombre de fois ça, le nombre de fois ça, le nombre de fois ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, est-ce que, du coup, c'est juste 1, 2, 3, 4? Est-ce que c'est 4, 1, 2, 1, 2? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il faut vraiment faire un truc? Voilà. Non. Donc, il faut vraiment faire un truc. Donc, moi, je recherche ça. Absinthe. C'est l'absinthe. Absinthe. Et une fois que ça... C'est moi, la Geneviève. C'est là. C'est derrière les vitres ou pas? Et oui, c'est un fond vert. Donc, c'est là, tu vois. Là. Alors, OK, l'absinthe. Bah, lié une fois. Mais non, c'est dans quel sens? Elle est où l'absinthe? Elle est là. Donc c'est elle, en effet. Et l'absinthe, elle y est 1, 2, 3, 4 fois. Là, je la vois une. Ok. Mais... Ensuite, Geneviève. Mais ça veut dire quoi, 4 fois? Attends, quelle est ta logique? Je ne sais pas. Parce que, je ne sais pas encore. Coup... Là, je cherche des. Je les cherche toutes. Ah, absinthe. Non, voilà, tu vois. Ah, mais c'est traduit. Là, il y a absinthe et là, il y a absinthe. Non, c'est celle-là.
Nous, c'est celle-là. Nous, c'est oui, mais du coup, qu'est-ce que ça fait de la trouver? Je sais pas, on va trouver les autres et puis après, on va trouver un lien, tu vas voir. Regarde. Geniève. Ah, mais ça fait un code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 7, 2, 7, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 7, 2, 2, 8 et 7, 2, 2, 8, 3. 7, 2, 2, 8, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, souviens-toi de ça. C'est quoi ta logique là? Explique-moi ta logique pour voir. Bah, genre, comme c'était un clavier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et du coup, combien de fois on... Ouais, mais oui, mais du coup. Est-ce que c'est pas un calcul du coup? Est-ce que c'est pas une multiplication? C'est sûr que c'est ça pour moi. Ouais, mais du coup, 7 fois 4? Enfin, oui. Genre 20... ouais, mais 28. Vas-y, tente. 28. Ok. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 1, 3. Et ensuite, c'est 8 fois 2, 16. Non, il y a trop de chiffres, c'est 5. C'est 5. C'est 5. Alors attends. Bah, peut-être c'est dans l'autre sens. Attends, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour toi, c'est ça. Hein. Bah en vrai, ouais. Ou alors c'est dans l'autre sens. Absinthe, Geniève. Ça, c'est la gentiane, c'est ça? Non. Non, je, c'est en Geniève. Haut. Ouais, c'est en haut. Et ça, c'est quoi alors? C'est... Non, c'est le même, c'est le même. En fait, il y est deux fois, là il y est quatre, là il y est une, là il y est deux, là il y est une. Non, c'est pas le même à chaque fois. Non, mais là c'est deux fois le même. Mais ça, mais du coup, lui, il est où? Il est deux. Non, c'est bon, on a tout, madame. C'est très gentil, merci beaucoup. En fait, il faut découvrir quel chiffre c'est. Ou alors, ça, c'est le 4. Et du coup, il faut qu'on comprenne un truc. 4, si ça, c'est 1. 4, 1. 3. Et si on prend l'inverse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genre, oui. Regarde. 4, vas-y, tente un code. 4. Gêne, ce serait le 8. Attends, mais je... Ah oui, et 8, 16. 9. Et... C'est 5, ah, en fait. Ah non, 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 c'est pas 9, pardon. C'est celui d'avant, c'était... C'est, 5, c'est 5. Forcément 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et oui. Donc... 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tu sais, sur un pavé numérique, c'est comment? C'est 1, 2, 3. J'ai pas de pavé numérique. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur un pavé numérique, le 1, il est là. Ok, donc. Donc ah ouais? Il est là. Bah donc, tente 4. Oui. Tente quand même 4. Tente 8. Oui. Tente quand même 16. J'aurais quand même envie de tenter. Et 18, mais ça va pas être non, ça. Non, non, c'est pas ça. Non, mais tente quand même. Mais, oh, c'est 5 chiffres. C'est, il faut pas qu'on s'éparpille. D'accord? Donc, bon, c'est pas ça. Réfléchissons alors. Donc, alors. Et si on dans l'autre sens, peut-être ça marche. Fais gaffe, ils arrivent. Je comprends. Ah, mais attends, si. Peut-être combien on en voit aussi sur le côté. Parce que regarde, on en voit sur le côté, il y a plusieurs fois le même, je crois. Je sais pas du tout. Je réfléchis. Non. Non, non. Pourquoi il y aurait 4 fois ça? Et ça, c'est le même que lui? Ah, attends, peut-être que tu sais, c'est l'époque où tu faisais 1, 2, 3, tu sais, A, B, C. Et non, si tu remettais, c'était pas. Le chiffre. Non, ah ouais pas. On peut essayer, mais je pense pas. Ça te dit rien, ça te dit tenter quand même? Attends, j'aimerais juste me concentrer sur un truc, s'il te plaît. Bah j'ai perdu, putain, j'ai... Bah oui, mais si tu me dis pas ce que tu fais, je mais non, peux mais pas... toi non plus, tu me dis pas tout ce que tu fais, en fait. Je réfléchis à des trucs. Je suis plutôt explicite. Mais... Ça, c'est les mêmes. Oui. En fait, là aussi, c'est les mêmes. J'aimerais qu'on mette vraiment... Ça, c'est les mêmes, ça, c'est les mêmes. Genre, j'aimerais que tu me... En fait, voilà ma réflexion. Mm-hmm. J'aimerais vraiment retrouver qui est où. Bah regarde, t'as 4 fois celui-là. Ok. Ensuite, le jeune tout en haut, tu l'as une fois, puis deux fois. Okay. Voilà. Et puis ensuite, celui-là, tu l'as une fois, puis deux fois. Voilà, tout simplement. Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, du coup. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 1, 2, 1. Voilà. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Donc, c'est peut-être comme sur un clavier numérique de téléphone. Tu veux tenter? Excusez-moi, les copains. Bah non, mais vous êtes obligés, hein, non, de toute façon. Non, mais t'inquiète. Hein. Tu veux tenter? Le truc, ça. On a le génie, là, tu vois, celui qui est là. Le 2 quelque chose, il est là.
Et qui t'a dit que c'était un chiffre ? Est-ce que... T'es sûr ? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je veux juste me lisser. Vous pouvez pas faire une pièce plus. Il nous appelle ? Allô ? Vas-y, va sur le côté, va sur le côté. T'es sûr ? Hein ? On t'entend pas ? Allô ? Oui. 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 Que le PCA et peut-être ne nous entendent pas. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bah, c'est un peu grave. Ok. Vous êtes plus ou moins sur la bonne piste et vous ne cherchez pas des chiffres. Tiens, tu vois. C'est ce que j'étais en train de dire, donc c'est le clavier. Des lettres. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui. Oui. Oui, c'est bon. Bah, on l'a déjà en fait. C'est bon. Merci. C'est ce que je disais quand tu m'as dit. Non, mais j'ai dit si tu veux. Ouais. Oh, c'est bon. Hein. J'ai dit si tu veux tester, on tente. Donc je t'ai pas stoppé dans ta réflexion en fait. C'était comme la faire à moi. Tu sais, tout en bas. Le fucking carnet. En bas à gauche avec ta tête. Je l'ai en tête. Ah oui ? Oui, je l'ai en tête. Je le connais par cœur. C'est S. Je veux juste ce fucking carnet, ce fucking stylo. Ok. Juste attention au document. Merci, désolé. Donc. Du coup, ça, c'était le chiffre. Ça, c'est tout en bas à gauche. Donc, c'est. Oui, je pense. Enfin, c'est sûr. 6, 7, 8, 9. Donc, on a. Attends. On a ça, ça fois 4. Putain, mon code de téléphone, c'était ça avant. Je faisais ça comme ça. Le 1, c'est ABC. Le 2, c'est... ABC. Ah, c'est ça, non ? Non, mais fais celui-là. Je m'occupe de ça. Mais non. Ah, pardon. Il a raison, Alex. Là, on a D. Ensuite, on a E pour celui-là. Là, il nous reste ça. Je te suis pas, là. Donc, vas-y, fais-le. Je sais ce que tu veux faire, mais comme j'ai pas... Voilà, c'est ça que je veux que tu fasses. G, H, I. Oui, voilà, c'est ça. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, je sais plus. C'est, t'es sûr ? U, V, W, X, Y, Z, je sais pas. On va voir. Mais ça, c'est sûr que c'est D. Ça, 4 fois. Ah bah non, alors c'est pas S, T, U, du coup, si c'est ça, 4 fois. Putain, je le connaissais par cœur. Je suis au bout de ma vie. Et c'est pour ça que les filles, elles avaient le téléphone, en fait. C'est pour ça que les filles, elles avaient le téléphone en indice. Regarde, j'ai ça, là. De quoi ? Bah, c'est la fin pour, du mot. Pour moi, c'est un mot. Pour moi, c'est un vrai mot qui veut dire quelque chose. Bah oui, mais c'est bon, ça. Des E. Tu vois ? Non, c'est pas ça. Bah du coup, c'est inversé, alors. On a inversé dans ce cas-là. C'est un vrai mot. C'était pas ABCD ? Non, c'était ABC. Bah oui, mais j'y peux rien. Regarde, une fois ça. Regarde, tiens. Une fois ça. Bah, c'est D, du coup. Deux fois ça. C'est E. Attends, est-ce que je peux, je peux, s'il te plaît ? Alors, oui. Ok, non. L'absinthe, c'est... Mais c'est même pas ça, là, l'absinthe ? Non, c'est ça. C'est celui-là. Et donc, c'est ça, la première lettre ? 4 fois. Bah ouais, 4 fois. C'est ça qui... C'est un peu ça qui est chaud à trouver. Ouais. Moi, c'est le nombre de fois où on appuie. Mais oui, c'est sûr que c'est ça. Mais du coup, c'est... Mais du coup, j'ai plus les lettres en tête. S, T, U. Oui, merci, c'est gentil. Il y en a une qui a 4, mais je sais plus laquelle c'est. Bah justement, c'est ça. Je pense mais que c'est dans l'ordre. C'est 7, c'est ça ? Oui. 7. Dans l'ordre, c'est 7. 2. 2. 3. 3. 3. J'ai déjà écrit là, j'ai tout écrit, regarde. Oui, non, mais ça, je comprends pas. Non, bah non. Bah non, bah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok. Il nous faut un clavier, putain. Je vois pas comment on peut faire un appel clavier. Je cherchais la ratus. Tu peux débloquer. C'est bon, je l'ai. Bah oui. SDEGH. Mais débloque-le-toi. Non, débloque-le-toi avec ta tête. Parce que sinon, moi, c'est Face ID en fait. Et voilà. C'est ton téléphone ? Ah, pardon. Ah oui, oui, très bien vu. Ah, c'est S. C'est S. SDEGH. Bah, en tout cas, ouais, vas-y, tente-le. SDEGH. C'est F, non ? De quoi ? Ah, on a tout décalé. Ah, mais c'est ça. Bah, pardon, j'avais pas capté. Il faut pas mettre ma tête, il faut mettre ta tête. A, B, C, T, E, F. Et là, on a S. Donc, on a S. Ensuite, on a A, T. Et après, on a
T-E. C'est un vrai mot, c'est un truc qui veut dire temple, quelque chose. Temple, je t'en prie, Parce que c'est ce qu'il y a écrit, en tout cas littéralement. Donc, On s'est peut-être encore trompé. Bah, oui, mais temple, ça coûte rien. Ça coûte une seconde. C'est pas ça. Bon. C'est une question de soi. On s'emmerde à chercher l'or, peut-être que c'est ici. Regarde si on a vraiment le ala. C'est ça qui est bizarre. Non, mais pour moi, c'est pas ce clavier. À l'époque, on utilisait nos téléphones, on utilisait ça. Hein, mais on ne partait pas de là. Je sais plus, je ne me rappelle plus. Et même si je me rappelle plus. Même si on part de ce principe que c'est ça. Je l'avais en tête, je faisais des messages comme ça. Je suis vraiment désolé, mais regarde, tiens, si on part du principe. On peut pas débloquer 5 minutes d'internet, s'il vous plaît, les potes là. Regarde, je suis désolé, mais si on fait ce que tu m'as dit, regarde, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est D, ça c'est E. Enfin, pour de vrai, tu vois, genre. Il n'y a aucune feinte. Oui, mais c'est pas ça. Donc, Un appel manqué il y a 5 minutes, non, c'était toi, je crois. Ouais. Go dans une autre pièce, ouais. Mais c'est chou, c'est bizarre. T'as pris le sac, hein? Ah oui. T'as pris le sac, ouais. Il faut qu'on ait un. Tu veux que tu Face ID. Non. Voilà, regarde. Si on fait ça, c'était celui-là. Ça fait A et ça fait B. On est d'accord. On peut pas faire autrement. Et ça fait 2, ça fait E. Genre et ça fait. En fait, j'arrive pas à suivre ta logique. Je suis désolée. Mais non, mais il y a aucune logique. Je peux pas te suivre. Alors, est-ce que tu peux m'écouter une seconde? Tu vas voir, ouais. C'est très simple. Tiens, débloque. Ma logique, c'est que donc celui-là, il était placé en bas, donc c'est 7. Ok. Ok, si tu le fais 4 fois, 1, 2, 3, 4, ça fait S, on est d'accord. On suit la logique. Ok. Voilà, ok. Maintenant, si ça c'était là. C'était 2. C'était 2. Donc si on suit ma logique, une fois, ça fait A. Ok. Mais c'est un A. C'est ce que je t'ai dit. C'est un A. Mais je te le dis. On dirait un T. Non, mais sérieux. Mais c'est bon, c'est pas ça. Ah, mais oui. Ok. Voilà, et pareil là, regarde, tu vois, donc A, B, et là, bah D, ou. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends pas? Est-ce que ça fait un mot à remettre dans l'ordre ou... Et basse, ça veut rien dire. Basse. C'est. À moins que ce soit un clavier dans l'autre sens, mais ça n'existe pas, tu vois. Et basse. Et attends, est-ce qu'on est sûr que. Parce que nous, à l'époque. Les filles, elles l'ont le téléphone. C'est-à-dire, elles ont le téléphone? Bah, c'était leur indice. Elles ont le téléphone dans la main, quoi. Ouais, elles peuvent le faire, quoi. Moi, je sais pas. Je vais voir un truc. Vas-y, continue à réfléchir. Tiens. Okay. Tiens, tu veux ça? Ouais. Ça, 4. Mais ouais. Putain, je faisais des messages sous ma table au collège et genre je l'avais vraiment en tête de fou ce clavier. Je connaissais okay, par cœur. Je crois qu'on s'est trompé, on a modifié un truc, j'arrive. En vrai, c'était sûr. En fait, là moi, j'ai besoin de me poser et de reprendre tout depuis le début. Et comme Ponce, il a déjà commencé la démarche dans sa tête, on n'en est pas du tout au même stade. Du coup, moi, j'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit. Mais moi, dans les énigmes, il faut que je sois hyper calme et que je fasse « Ok, vas-y, je comprends. » Là, il y avait trop de trucs. Il y avait Ted et Pressa juste à côté et tout. Du coup... Ok, j'ai. C'est quoi? Donc, c'est S, c'est... Il faut juste le téléphone sous les yeux. SB. SBA. Et en 8 en 2, c'était quoi? Ah merde, pardon. Tiens. SBAUF. SBAUF. Non, SABUF, pardon. Pardon, excuse-moi. Ça fait S. Ça fait A. S-A-B-I-F fait... Ouais. Mais une fois de plus, hein, pour moi, c'est un vrai mot. Bah oui, moi aussi, mais en fait, c'est peut-être le mot d'un quartier qu'on connaît pas. Non. Regarde, en fait, on s'est trompé. Ça, c'est 8. Donc, en fait, c'est... Ah non, ça... Bon, je reprends ça depuis le début et j'y vais. Tu veux que je fasse ça? Non, mais regarde, bah, ça tape, ça tape. Ça tape. Non, ça tape. En tout cas, selon ce clavier, ça fait ça tape. Ça fait quoi?
selon ce clavier, ça fait quoi? Attention. Regarde. 7 x 4. Essaye de filmer ce qu'on fait aussi, peut-être, si tu peux, bien sûr. Non, mais on ne va pas... C'est pas... Regarde, si on fait 4 fois ça, d'accord, on a S. Oui. Si on fait 2 fois ça, on a B. Oui. Une fois, pardon, on a B. Ah, on a A. Okay, c'est une a. fois. Okay, c'est... S, A. Donc là, ensuite, on a 2 fois, donc on a B. D'accord. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais ça rentre pas, ça bain, tape ça bain. Non, ok, et donc ça, c'est quoi? Continue la démarche. Ouais, c'est là. Ça, c'est quoi? Ben, si on 8. Fait 1 fois 8, ça fait T. C'est ça qui m'étonne un peu. Okay. Et après, ben, 3 fois ça, parce que c'est celle-là finalement. C'est... Enfin, 2 fois ça, ça fait E. Tu vois? Non, t'as BLB là, SAPTE. Mais t'as déjà testé, c'est pas ça. SAPTE. Bon, je vais tout reprendre depuis le début, d'accord? Regarde. Tu vas faire brancher, c'est ça? En fait, on avait mal monté à la base. Mais moi, j'ai besoin de prendre mon temps, d'accord? Bien sûr. Ok. Ouais. Alors, il faut juste que tu fasses tout seul, c'est ça? Toi aussi? Alors, vous avez essayé ID aussi ou un truc comme ça? Non. On a ID pour les lettres. Mais... Ah, nous, c'est bon. Est-ce que l'ordre des pots qui est en face de nous, puisqu'il n'est pas au bon étage, est-ce que c'est un incident? Ça veut dire que ce serait au premier, la quatrième lettre? Tous les pots sont là, pressés. Hein. Tous ceux qu'on cherche, ils sont là, mais le fait qu'on ne les voit pas bien doit avoir un incident. C'est le 8. Non, non, mais c'est parce qu'en fait, le truc se décharge parce que ça doit se débrancher. Oui, 8 fois 1, et en haut, 2, 3 fois 2. Ouais, il faut que ce soit. Ouais, voilà. D'accord, c'est juste ça. Ok. Ok, maintenant que j'ai ça. Très bien, maintenant je suis sûre de ce que j'ai. Ok. Tu l'as sur ton téléphone, le truc où il faut rentrer le code. Pendant que tu réfléchis, je trouve des trucs. Tant qu'à faire, c'est tout. Ah ouais, c'est quoi? Ah ouais. On s'en rend vite. T'as ton tel? C'est En effet. SAPT, oui, mais ça fait SAPT. C'est pour ça que En effet, on n'a pas. Je ne capte pas. Est-ce que ça se remet dans l'ordre peut-être? J'avoue, je ne comprends pas. Elles l'ont trouvé, les filles? SAPT. Ouais, est-ce que dans la médecine, il n'y a pas un truc, un Montpellier? Bah, il y a Sabine, à Montpellier. Mais c'est Sabine, c'est plus de lettres, tu vois. Pourquoi on n'a pas? Pourtant, c'est ça, c'est le clavier. Peut-être que c'est pas sable. Le bon. Sable, on sait rien. Ah oui, sable. C'est le seul mot. Non. Non, putain. Je vais mettre, mais... Il me faut le téléphone. Je tente, j'ai tenté Sabine, j'ai tenté. C'est 5. Sabin. Bah ouais, je sais, mais je sais pas quoi te dire. Sabine, Sabin. Sable. Ça fait vraiment sable, hein. C'est ça que je comprends pas. Sable, ça marche pas non plus. Le clavier, il est dans le bon sens, de toute façon, il n'y a pas... On n'a pas un clavier, mais on l'a plus en tête, en fait, donc on est un peu bloqué, quoi. On l'a quand on débloque notre téléphone, mais est-ce que tu es sûr que le 1, j'ai pas quand même abaissé à la base? Parce que là, on prend ce... Ah, on a un appel. On sort, en fait. Ah, allô? Allô? Vous êtes plus proche, en vrai, vous pouvez en premier, vous avez l'accès au bonus du chat et votre chat passe depuis 15 minutes et il vient de nous spammer en mode oh là. Eh ben c'est bon, on le prend alors. On a le bonus du chat? Ah putain, mais on savait mais pas. Mais on savait pas, faut nous le dire. Bah, le chat est débloqué depuis quasiment une demi-heure. Mais pourquoi c'est vous une nous avez blague, pas dit? Mais on savait pas, on savait pas. Santé. Ah. Ben non, okay. On savait pas. Merci. C'est bon. Merci, bisous. Ben oui, on aurait bien aimé savoir qu'on avait le chat, parce que ben on l'aurait fait depuis hyper longtemps. Tu l'avais pas vu, Dash, non plus? Mais non, ils nous l'ont pas dit. Non, ils nous l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit dans le groupe WhatsApp. Ils ont pas dit qu'on avait le bonus du chat. Bon, c'est pas grave. Ouais. Let's go. Oh là là, alors bon.
marche, ouais. Non, c'est bon. Par contre, il faudra qu'on suive la logique, il faudra qu'on comprenne un jour. Hein, parce que... Attends, c'est pas nous ça, Vous avez trouvé. Non, mais ouais, c'est ouais. Ah, ok, bon, nice, ça. Merci. Okay. C'est bon, Gorlette. Et on a autre chose? T'as pris, ou pas? T'as pris le stylo sans le bouchon. Mais j'ai pas le bouchon. Ouais, bah c'est pour ça. C'est ce que je tiens, littéralement. Ok. Bah merci, bon, coup, merci le chat, désolé. Oh coucou. Oh coucou. Ça va? Putain, vous auriez dû vous manifester pour nous filer le truc là. C'est horrible, on nous a dit qu'on avait le bonus du chat. En fait, personne nous a dit qu'on avait le bonus du chat, je suis abattu. Alors. Tiens, vous savez où c'est ça? Alors, on doit trouver. C'est la prochaine étape. Où a été prise cette photo? Salut, Gilles. C'est la salle d'arcade, il y a une salle d'arcade. Ça va? C'est pas la salle d'arcade? Tu penses que c'est. C'est pas qu'une salle d'arcade, regarde. Il y a des mangas devant, tu sais, des jeux et tout. C'est une boutique. C'est une boutique. Un peu en mode espace et tout, ça te dit rien, Mévi? Moi, ça me vient. Mévi, c'est une floratus plutôt active, qui est vers Montpellier, avec Mickey et le juge. C'est beau, quoi. Putain, s'il nous avait dit c'est une blague. Non, mais t'as raison. Mais je sais, Dash. Non, on nous l'a juste pas donné. Salut. Ouais. Hein? Tu sais où c'est, ça? Je suis venu exprès pour vous. C'est stylé, hein. Merci. Tu sors le casque, là. Waouh. Attends, parce que j'ai le souvenir. J'ai l'image visuelle, mais attends, je me souviens où c'est. Je pense que c'est ça. Ah, c'est pas le truc de... C'est, parce que je m'entends sur c'est une boutique... en vrai, c'est juste une boutique dans Montpellier. Et pour moi, si on... Attends, tu attends, non. Attends. C'est un truc de jeu. Attends. En fait, le truc... Ouais. Ah ouais. Ouais. En fait, le truc, c'est que genre... comme boutique, je vois pas en fait vraiment une boutique qui ressemble à ça, mais j'ai l'image du gros chat pendant 5 minutes. Ah ouais, donc regardez ça. Bah, je sais pas combien de temps. Oui, regardez ça. Mais tu sais que personne ne veut. Est-ce que ça vous dit un truc? Hop, je regarde le chat. Maintenant, c'est parti. Est-ce que ça vous dit un truc ou pas du tout? C'était tellement dangereux, j'étais en mode je vais pas les déranger. Mais Pompon, j'ai une idée. Tu m'écoutes? Dis-moi, ouais. On va dans n'importe quelle boutique, on demande et je suis sûre qu'ils savent. C'est la boutique de Jean Ancien, l'escabulure. L'escabulure. Oui. Oh, c'est ça. On va aller voir là-bas. Merci. Pour moi, il y a Je sais pas. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu cries? Ah, on s'en fout, on descend là. Bah non, on peut demander. Et j'ai une idée. Est-ce que c'est pas la boutique What the Fuck qui était plus haut là? Tu sais, près du brunch. Près de là où il y a le brunch. Ah oui. Tu vois, tu te souviens, là où il y a l'âne avec la mosaïque dorée. Mais c'est pas vers l'aiguillerie plutôt? Bon, si jamais on a le droit à internet, dites-le nous et communiquez-le nous. Hein. On peut demander si on a le nom. On peut demander. Ok, je sais, j'aimerais. Musée du vieux Montpellier, musée Figaro, chapelle. Apparemment, on n'est vraiment pas à côté, à ce que j'ai compris. On n'est pas loin. Est-ce que c'est pas là où il y a le LAN en mosaïque et tout, tu sais, au-dessus du Cold Drip Café, de là où il y a le brunch. Tu vois? On va recouper par là, non? T'es pas d'accord, Ponce? Ouais, pomme d'api. Attends, je demande vite fait. Non, en vrai. Quoi? En vrai, go, je cherche quelque chose, vraiment, je te jure, j'ai une piste. Je peux pas m'exprimer, moi. Mais si, si. Je peux jamais m'exprimer. T'es sérieux? On va où, là? J'aimerais remonter là où il y a le Cold Drip Coffee pour aller là où il y a la mosaïque de l'âne. Il y avait une boutique avec plein de souvenirs, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais là, c'est plus un truc de jeu que de souvenirs. C'est des jeux. Regarde la photo. Mais par contre, t'as raison, je pense que c'est dans le coin, par contre. Voilà, moi j'aimerais retourner dans le centre. C'est juste ce que je voulais faire. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est... Et ensuite, ici, je suis sûre qu'on demande et on l'a. Ponce, je suis sûre que là, on demande. Bonjour. Petite question, savez-vous où est la boutique Pomme d'Api, s'il vous plaît? Droite. D'accord, donc là, je sors à droite et encore à droite. Merci, monsieur. C'est bon, je l'ai. C'est là où je voulais aller. C'est exactement là où je voulais aller, Ponce. C'est là, c'est l'aiguille, c'est vraiment. Donc il a dit droite. Droite. L'âne avec la mosaïque.
Oui, l'aiguille. Oui, non, mais c'est ce qu'ils nous ont dit aussi. T'es sûr que c'est droite là, par contre ? Comme d'habitude. Il a dit droite, droite. Il a dit droite, droite. Ah, à côté du tatou. Il y avait quelqu'un dans le chat qui a dit à côté c'est là. Du tatou. C'est là où je voulais t'amener. L'âne, la mosaïque, tu vois, faut me faire confiance pour faire un feeling. Mais je te fais confiance, mais l'aiguille, j'y allais aussi. Oh. Non, non, tu disais bien, je m'arrête, on demande. Maintenant, tu te calmes, on refocus, d'accord? Ok. Ah. C'est là? Non, c'est pas là. Ah, quoi que au fond. Peut-être au fond. Ah, pour moi, c'est pas là. Là? Un papy, c'est ça? Ah ouais, c'est là. C'est pas un papy. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, le chat nous a induit en erreur. Pas du tout. Non, c'est pas là, au final. La climatisation. Tu sais ce que je vais faire? On va demander à l'intérieur de la boutique. Ouais, ouais, oui, en vrai, oui. Mais pas là, il y a trop de gens, plutôt chez Pomme d'Api, je pense. Ouais? Ouais. Ok. Il n'y a pas d'indice dans la boîte, il n'y a rien, hein, c'est... Non, on a pas d'indice, non, on a juste la photo. Bonjour. On fait une pause d'orientation. Avec Médecins Sans Frontières. Avec Médecins Sans Frontières, et on cherche un endroit qui ressemblerait à ça. Oui, bah, ah, c'est bah chez oui. Nous, c'est Pomme d'Api. Ah, donc c'est bien ça, okay. Alors. Merci. C'est la dernière salle. Super, merci beaucoup. Ah bah, le chat nous a pas menti, en fait. Alors, si vous le saviez pas, je vous dis ce que c'est. Mais on peut pas rentrer, c'est le Beans. En fait, c'est une boutique extrêmement grande. Elle fait quasiment immense. Toute la rue. Ah, mais tu pourras pas filmer, non? Si, 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 j'ai prévu. Bonjour. C'est une véritable café en talus, c'est ça? Ouais, c'est une boîte comme ça, tu peux trouver le petit mécanisme. Bonjour. On vous a demandé de venir ici avec Médecins Sans Frontières, vous êtes au courant? Ou pas du tout? Pas trop, non. Et ouais, refaire. Ah, mais c'est juste, il faut reprendre. Non, il a dit refaire la photo. Ah, refaire la photo. Ouais, j'ai donc fait, c'est juste là. Ah, si, non, c'est là, c'est là. Si, vous êtes au courant. C'est plus loin, Pompon, ici. Ah ouais? Ouais. Mais non, parce qu'on va. Ah ouais? C'est vrai? Ok. Ah. C'est même dans un miroir, ah, peut-être. Ah non, on ne casse pas la boutique. C'est pas... Ah non, pardon, pardon. C'est même dans un petit miroir. Là, je me demande si c'est pas... La boutique est un trésor de la ville. C'est là, c'est la ponce. C'est la ponce. Ouais, ouais. Là. Ah, c'est ce miroir, ouais, c'est ça. C'est ça, j'avais capté le petit miroir. All good. Yay. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'attends. Merci. Merci. Eh, bien joué la comédie, hein. Non, c'est chouette ici, hein. Bah, oui, c'est génial, regarde. C'est que vous avez spatiale ici. Waouh. Donc en fait, le chat l'avait... Et t'as vu, je te l'ai dit tout de suite, ouais, la boutique, l'église, avec, l'église, le... l'église, avec la mosaïque, oui. Avec... Oui. Oh. Bravo. Ça va? Oui. Oui, il a l'air un peu de souffrir quand même. Oui, j'ai envie de voir le soleil, s'il te plaît. Ah, adopte-moi. Ah. Oh, demain c'est dimanche. Oh, tu manges quoi le midi? Bah, rien. Et le soir? Rien du tout. Et le matin? Rien. Même chose. Café? Même café? C'est bon. Je sers le café, mais c'est tout ce que je fais. Oh, bah attends, bah viens avec moi alors. Brigitte Bardot, fais quelque chose. Ah non. Mais après, si tu sers le café, c'est efficace quand même. C'est Brigitte Bardot autour de tout ça. Pompon, je veux pas casser le gel, mais on a la suite. Hein. Aïe, ah, mais tu... Non, est-ce que tu sais où c'est, petit ça, dinosaure? C'est une belle statue. Ah, ouais. Moi, je sais où c'est Pérou. Pérou. C'est ça, c'est sûr? Pas sûr. Oh, oh, c'est chaud, pas sûr, sinon. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut. Merci beaucoup. Trop drôle, oui. C'est gavé. C'est le moyen de prendre une photo. Alors, ouais, vérifie, on est en concentration. Ouais, pardon. Vas-y, let's go. Vas-y, go. Ils sont incroyables. Même dans le feu de l'action. Merci, je vous laisse tranquille. Merci. Okay. Attends, t'es de Montpellier? J'ai une amie qui est de Montpellier. Ah, t'inquiète. Alors, suivez-moi, je vais vous la montrer. Ah non, mais t'as... Ok. Alors, vous recherchez quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est la photo. Je vous l'ai dit, Pérou. Merci. Ah. Pense. Ah pardon, ça te dit quelque chose ou pas cette photo? Ok. Il manque une batterie sur un des deux. Bon, tu le tiens?
Pense, il faut que tu branches ton micro, je pense. Il faut que je branche ton micro. Ouais, je vais mettre ça pour l'instant. Il est branché, hein. Il est allumé ? Non, mais en batterie, tu sais, avec la petite batterie rouge. Avec la petite batterie rouge, la cylindrique. Il faut vous brancher à la cylindrique. Donc là, mon micro marche pas. Ouais. Mais il s'éteint juste avant. Tiens, Bobo. Attends, j'ai le cap. C'est pas forcément le lieu d'entraînement parce que c'est le grand dilemme et tout. Alors que moi, c'est quand que des trucs que je connais et plus, parce que je suis un peu plus de 4-5 ans. Et puis c'est ouf comme je le rallume, c'est ça ? Ouais, si tu peux. Je te dis que c'est bon. Là, c'est bon normalement. Il faut qu'on se casse parce que j'ai pas envie qu'on voit qu'on est là en fait. Ouais, tu m'as ? Ouais, je suis pas sûr encore, c'est allumé, c'est bleu ? Ouais, c'est bleu. C'est bleu, mais ça clignote. Ok, alors maintenant, on va juste demander. Ok. Bonjour, excusez-moi, on est avec Médecins Sans Frontières, on fait une course d'orientation, ça te dit quelque chose ou pas ? Ouais. C'est où ? C'est Pérou ? J'allais dire Pérou, mais en fait, vu qu'il y a une maison à côté, là, je ne suis pas sûr de... Ouais. Là, tu me prends. Ah, Julien, je te dis rien, excuse-moi, je te dis rien, ça ? Je sais où c'est, là, dans un petit coup. Ça me dit quelque chose, mais... C'est pas au Pérou, c'est pas celui du Pérou ? Non, parce qu'en fait, il y a des maisons à côté. Et oui, c'est ça, ouais, mais... C'est pas le Pérou. Ouais, mais tu vois, genre, il y a l'Arc de Triomphe à côté, je me dis, il n'y a pas une statue comme ça ? C'est peut-être pourri, ou je sais pas. Bon, c'est pas grave, on va avancer, on m'a demandé. Merci, c'est gentil. Non, merci. Après, à mon avis, on va dans le mauvais sens. Vous pouvez nous aider ? Bonjour. Vous êtes de Montpellier ? Ah bon, c'est pas grave. Merci. Comme vous nous regardiez, je me suis dit à tout moment, elle sait. Merci. Juste, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait gauche puis gauche pour remonter. À mon avis, on va. Enfin, c'est pas sûr qu'on aille vers là-bas parce que là, on se re-excentre. Ouais. Et, mais on n'a pas envie de repasser devant. Et moi, j'ai pas envie de leur montrer qu'on est là. Quoi. Pareil. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui est de Montpellier. Excusez-moi, madame. Oui. Vous êtes de Montpellier ? Non, mais dites-moi tout, je peux quand même essayer. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette statue ici, avec un cheval qui est en train de se casser la gueule ? C'est même une licorne. Hein. C'est une licorne qui se casse la gueule. C'est pas au Pérou, ça ? Bah, c'est ce que je me suis dit au début. C'est Pérou, ça, ou pas ? Ah, c'est sûr que c'est pas la grande statue du Pérou, c'est sûr. Au niveau de l'Arc de Triomphe, je sais qu'il y a des trucs autour aussi. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On va continuer à chercher. Je suis pas sûr, mais on dirait que vous me suivez une petite place. On va aller voir, moi je pense que c'est pas loin. Je pense que c'est sur une petite place, en fait, vous avez la doge. Essayez de passer par... Bonjour, excusez-moi, je fais une présentation avec Médecins Sans Frontières, je me demandais si ça vous disait un truc, ça. Ah ouais, c'est pas cool, non pas. Ah oui, d'accord, oui, j'ai tout à fait. C'est une licorne. Merci beaucoup. Bon après-midi. Elle est un peu fancy, cette statue. C'est pas vrai. Ça va ou quoi ? Tu sais c'est toi, ça ou pas ? Bon, je l'ai. Ah, bah c'est bon, là. Ah ouais ? T'es sûr ? Mais okay, non, elle est où ? Tu embrasses ton père ? Sinon, tu tapes Varayan. Non, on peut pas taper. On est en course d'orientation, mais c'est pas vrai. Attends, il me faut l'autre plan. Et c'est à côté de quoi, t'as un truc ? À côté d'une pâtisserie, Varayan. Le plan, là-bas ? Ah si, c'est bon. Comment je peux expliquer ? Dis-moi. En fait, vous, on est... Ouais, des fonds pour la société. On est musée Fabre, on est... On est par là, là. Non, non, l'Agora, c'est beaucoup plus bas. On est à ce niveau-là, place Notre-Dame. Oui. Je pense qu'on est là. Ouais. Et en fait, bibliothèque, rectorat, place de la Clanour, elle va être l'église. Voilà. C'est pas Saint-Martin. Ça va être par là. Donc en fait... Attendez, je vais... Non, mais ça va être à gauche, que... là. En fait, vous pouvez passer comme ça. Okay. Vous pouvez passer comme ça. Là, vous allez tourner, vous allez continuer tout droit. Et en fait, vous allez arriver au niveau d'une épicerie. À l'épicerie, vous tournez à gauche, puis à droite. Et après, toujours tout droit. Gauche, droite. Et la place, droite, après, la place s'appelle comment, t'as la dit la place de la Canot. Canot ? Canourgue. Ah, mais c'est à côté de la fac de droit, c'est là où... Ouais, voilà, ah, c'est putain, tout mais oui, il y a c'est vrai. Oui. Voilà, c'est ça. Merci, c'est trop gentil. Bon appétit. Ciao. Merci. Oui, c'est là où on a bu un coup la dernière fois avec Omar aussi. D'accord, c'est bon, je l'ai. Mais du coup, c'est la fac de médecine aussi là-bas. Ah oui, la fac de droit. Oui, la fac de droit. Et là, Florence, c'est bon, on l'a trouvé, je pense. Merci. Non, c'est bon. Putain, et tu sais qu'en plus, j'ai demandé de base au serveur. Le serveur, il a dit, ah, je sais pas du tout. Et elle a dû zioter sur Montel. Elle était loin en plus. Hein. Et elle a direct elle a dit, moi, je sais. Sais. Ouais, elle a direct dit, moi, je comme sais. Comme le perroquet de Super Mario Odyssey. Moi, je sais. Elle a typé parce qu'elle a entendu le serveur dire le mot licorne.
Ah, tu crois que c'est ça? Oui, je l'ai vu dans ses yeux. Elle a entendu le picorne et d'un coup, elle a tourné la tête. Mais non. Ah, bien joué. La bosse, en vrai. La vraie craque, pour le coup. Donc là, tu sais, Pompon, où on va. D'accord. Je te fais confiance. Et tu sais que j'en reviens pas, que j'ai tout de suite capté que c'était cette boutique-là. C'est vraiment très bien joué de ta part. Ouais, et tous les gens vont aller la voir. Ouais, et franchement, elle est trop belle cette boutique. Et quand j'ai vu l'endroit un peu loufoque comme ça et tout, je me suis dit, mais genre ouais, je vois. Trop bien. On a de la chance. Après là, le truc, c'est tous que... Goupilles. Qu'est-ce qu'on gagne si on gagne? Voilà. Ah non, il m'a dit à l'épicerie à gauche. Mais je pense pas que ce soit là. Après, il y a parce la que là, place. C'est la place Jean Jaurès. Mais non, faut demander, non. C'est pas Jean Jaurès. Les gens qui peuvent nous dire... Ah, t'es sûr? Salut. Vous savez où c'est la place de la Canourgue? Non. Ok, bon, c'est pas grave, bon, merci. Salut. Ah, bah, merci, c'est gentil. Merci. Alors attends, parce que moi je l'ai pas vu sur le... En fait on a un plan, hein, Ponce. Je sais pas pourquoi on le regarde pas depuis tout à l'heure. Mais ouais, mais moi je... Quoi qu'il arrive, là on va aller à gauche. En fait c'est ça qu'on aurait dû faire, on aurait dû trouver sur la carte en fait, avec la meuf. Ça il fait bon, on peut peut-être regarder sur la carte, t'as non? Ouais, on peut. On peut regarder Place sur de la Canourgue, 6 minutes. Parfait. Ah ouais. Là, il y avait un panneau. Ouais, non, mais c'est ça ce qu'elle m'a dit, la gauche, puis après droite. Ouais. Elle m'a dit. Elle m'a tout. Elle m'a... Donc c'est 6 minutes à pied, donc nous, comme on marche vite, ça va être plus 4-5. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, petite cause d'orientation au calme. T'as un bon après-midi? Oui, c'est Ponce. Mais non, c'est une dinguerie ce qui se passe, il a dit. Dinguerie. C'est le mec qui a paniqué, qui a que su vous dire. Je vous adore. Ah oui. Je vous adore, juste je vous adore. Et après tout droit à l'épicerie. Putain. À gauche. Ouais, à gauche, ça, pour moi c'est gauche, mais. Mais de toute façon, il y avait les panneaux, donc peut-être qu'il y en aura d'autres, déjà. Possible. Place de la. Ouais, on va prendre. C'est gauche-droite là, ouais, c'est ça. Oui, elle a dit une putain de montée. Place de la Canourgue, c'est là-bas. On y est, ouais. Mais tu sais, ouais. Là, ils font des empanadas. Voilà. Ah ouais. C'est une info que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Et ici, c'est genre un japonais. Ça s'appelle Komibo. Il y a des donburi et tout. Et voilà. Ça a l'air trop bon, mais j'y suis jamais allée. Ça pue la zèbre. Non, ça sent pas la zèbre. Ça sent le grenier un peu. Non, ouais, mais dans si lequel on fait pousser. On ouais, souvent. Dans lequel on fait pousser de la zèbre. Non. Si, 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 si. C'est des combats zèbres, ça. Si. Non, ça sent pas la zèbre, ça sent le vieux grenier humide. Oui, mais le vieux grenier humide, où il y a de la zèbre. Connais l'odeur. Là, c'est grenier humide sans zèbre. Maintenant. Effectivement, ici, ils ont arrêté. Non, mais c'est cette place, du coup. On l'a pas raté. Tu l'as sur la carte? Non, on l'a pas raté, c'était 6 minutes, Clon. Ça fait pas 6 minutes. Ouais. Je cherche vrai. Sur la carte, là. Parce que là... Ça va être là. Là-bas, ouais. Ça va être là. C'est bon, on va y être. Straight to the point. Straight to the pants. J'en reviens pas, le coup du chat, je suis, mais abattu. Ah, je suis abattu pensant, aussi, quoi. Je suis abattu. Mais en fait, ça fait une demi-heure, vous avez le chat, pourquoi vous le prenez pas? Mais parce que vous ne l'avez pas dit, si? Non. Non, non. Non. Dash, non. Non. Bon, personne ne l'a dit à Dash. Remonte cette fucking convoi de ça, bordel. C'est fou comme je la trouve pas. Mais bon, moi je pense qu'on va y arriver parce que de toute façon, regarde, il y a encore des panneaux. Place de la Comédie. C'est pas impossible. Là, à droite, c'est là. C'est là? Ouais, c'est là, regarde. On l'a. Bon, là. Bah, à droite ou pas à droite alors? Ok. Je suis beaucoup trop impliquée. Hein. Je vois ça. Elle était trop forte cette fille là, qui a vu la lumière quand elle a vu la licorne. Let's go. On a la licorne. Il faut prendre les exactement la même photo. Ouais ouais. Tu t'en charges? C'est de l'autre côté. Du coup, je vais l'envoyer.
suis trop contente. We got it. We got the unicorn. Ouais, c'est cette POV. Ah ouais, c'est vrai. La fontaine aux licornes. La fontaine aux licornes de la place de la Canouse, elle est cette historique de Montpellier. Ma photo, c'est une masterclass à quel point on dirait la même. Ouais. Regarde. Avec le carton. Regarde. Masterclass. Ah ouais, c'est la même. J'ai pris une photo, regardez bien. J'ai pris une photo. Bon, là, on vient de gueuler un avec le carton, c'est une classique. Regardez. Eh ben, nous, on si vous voyez quelque chose là. C'est maintenant ou jamais. Regardez, la photo, c'était ça. Et j'ai pris ça. Il y a juste plus de soleil. Là, j'arrête de bouger. Ah, la suivante. On a la suite. Je cherche mon collègue qui doit changer vos batteries. On le lève, ce coup. Ok. Ah, ok. On a la suite, Carla. Ça va ou quoi? Ouais, merci. Est-ce que, à tout hasard, tu connais bien Montpellier? Voilà. Est-ce que ça te dit un truc, ça? C'est l'autre indice. C'est le cadran solaire qui serait quelque part posé. Alors, montre juste les travaux qui est autour. Mais non. Aux travaux, tu vas reconnaître? Bah, il va essayer. Ça, en tout ça fait 12 ans fait que c'est en rénov. Alors, il y a vraiment des échafaudages moches comme ça au niveau du cristal par là-bas. Ah ouais, tu nous invites à aller voir peut-être? Je vais aller voir. Fouiller ces petites rues. Ok, oui. Vas-y. Ils sont là, vers la droite. Alors, juste, okay. Il y a une petite place avec des skates et une petite pizzeria où vous allez bien manger. Hé, hey, il me snipe. Dans ces ruelles, peut-être. Vas-y. Il y a des échafaudages comme ça peut-être. Bon, on va aller voir. Parce que nous, on est censé repartir. Merci beaucoup. Bon après-midi, ciao. De mon style, tu me dis ouais une pizzeria où je t'ai déjà vu manger. Quoi? Ah, on est cut par la tech, les gars. À part. On a quasiment plus de batterie, donc en gros le live va couper si on change pas nos batteries. Et en fait... Quoi? Ah, on a plus de batterie. On a plus de batterie en gros pour vous tenir au courant. On se met peut-être à Londres. Ouais. En fait, la grosse batterie de derrière, celle qui gère un peu tout, j'ai l'impression qu'elle descend plus vite que prévu. Ah, bah attends, je l'enlève mon tel. Alors, bon, dans le live, je sais pas si vous captez, mais niveau technique, apparemment, il y a un petit souci dans le sens où il n'y aurait plus de batterie, ce qui est étonnant. Est-ce que, c'est bon, il y a quelqu'un qui arrive un peu la cam pendant... Ouais, bien sûr. Ah, c'est Val, là? Oui, c'est Val, il arrive. Ah, nickel, on a le soutien. T'as besoin? Non, c'est bon, il va faire un en fait. Tiens. C'est bizarre qu'elle se vide comme ça. J'ai bu. Ah, vas-y. Quand tu me dis, on est là dans regarde mon dos. Ouais, t'es trempé. Avant nous, c'est le timing, nous sommes allés bon. Ouais, c'est quand même assez rapide. Non, j'espère que vous passez un bon moment quand même. Hein. Et que c'est cool parce sur que nous, live. On est dans le feu de la... Moi, je joue ma vie, là. Je vous le dis. Non, mais moi, c'est ça qui serait. Que j'aime bien, vous avez raison. Moi, je joue ma vie. Ah, mais du coup, on est dans une énergie un peu deep, tu vois. Il faut rentrer dans un mood de tryhard. Ah, putain, attends, les échafaudages, je vais te dire d'ici. Non, vous n'êtes pas premier, non. Qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez quoi? What? Vous avez fait super vite. Attends. Parfait, la suivante. Ah mais on cherche la même chose là. Ouais. Ouais mais nous, ça fait trois fois qu'on doit s'arrêter pour la technique en fait. Bah nous, nous ça fait trois fois qu'on s'arrête pour la technique pendant au moins trois minutes à chaque fois en vrai. Ouais. C'est dommage. C'est abusé. C'est abusaille. Oui, bien joué. Et ouais. Même avec ça, Luthi, il nous met des malus, j'y pep. Et on nous prévient pas quand on a des et malus. Et on nous prévient pas quand on peut regarder le chat, genre il le... On est où? Ça se fait trop pas. Non mais c'est vrai. C'est pas grave. Vous allez vous reprendre, vous allez win. Qu'est-ce que ça veut dire? Let's go. N'hésitez pas à donner pour donner un max de bonus, messieurs, dames. Ouais. Attendez, hein. On a bien dit qu'on partait là-bas. Hein. Bourrez les dons, voilà. Je vous ai un petit peu, le chat, je vous ai un petit peu, je vous regarde. Luthi vous déteste. Ah, ok. C'est relou, mais on fait avec. Bah ouais. Ultian est là que pour gagner, MDR, elle est trop drôle. Ah non, mais c'est vraiment... Je me plains dans la convoi de sap. Ça va ou non, quoi? Non, mais c'est vrai. Ça va, vous passer un bon live ou pas? C'est à suivre, c'est ok. Alex se donne à fond hein, pour vous proposer une POV multiple, tu vois. Ça prend pas trop, dans le si c'est pas trop vomitif. Tranquille. Ah ouais, on n'est pas très loin du prochain point, ok. Bon, je suis pas en train de tricher, là? Bah si, un peu, en vrai. Ah, vous vous régalez. Ah, ça fait trop plaise. Bon, bah tant mieux. Bon, je réenlève le chat pour éviter quand même de partir trop dans la triche. Bisous. On fait au mieux. Je vais essayer de vous laisser partir, moi je vais regarder pourquoi. Doudi. C'est pas un problème, n'hésite pas à rester avec nous. Toi, avec ta voiture, t'as plus de carré? J'ai trouvé une place qui est pleine de place.
Du coup, on peut bouger. C'est bon, on y va là. On peut y aller. Allez. Alors, juste, est-ce qu'on va vraiment voir en bas? Regarde, en bas à gauche, on descend si, à gauche. Si, si, bah, c'est là où elles sont parties, pour les moi, filles. Pour moi, c'est vers l'ancienne fac de médecine. Voilà. Mais voilà, il a parlé de la pizzeria. Ouais. Attention, ça glisse. Oh, attention, ça glisse. Attention, okay. Attention. Ouais, attention. Ouais. Ok. Le cadran, du coup. Alors, il y a des échafaudages. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des échafaudages en bois. Bah, en vrai, là, c'est ouais, pas. Là, on fait. Ça fait trois pas qu'on s'arrête, quoi. Et ouais. Même arrivé à la pharmacie. Mais bon, après, non, c'est pas vrai, on a déjà dit ça en avance. C'est ok. Là, il y a du vieil échafaudage, mais ça ressemblait pas à ça en vrai. Ouais, mais pas tant que ça. Il y a de l'ombre sur la photo là. On débloque. Bah, ça, c'est la fac de médecine. Je peux filmer, mais filme. Hésite même pas une seconde. C'est là-bas. Bah, c'est devant. Bah, c'est là-bas. C'est là. Viens, on court. Prends la photo, bon plan. Allez, go next. Ok, on peut appeler l'outil. On peut appeler l'outil bientôt. Dans 1590 €. Mais honnêtement, il devrait nous donner cet objectif pour se rattraper. de ne pas nous avoir donné l'indice du chat into pour s'arrêter trois fois pour la technique. L'avant-dernière, c'est un arbre, regarde. C'est un arbre comme ça. Ça, c'est dans le parc des plantes, non? Pour moi, c'est jardin des plantes. Regarde, attends, regarde. Il y a un manège derrière. Oui, mais regarde, tout est numéroté derrière. C'est une chaussure. Tout est numéroté. Ah non, c'est un sac à main. Non, c'est un casque de vélo. C'est le jardin des plantes. Regarde, tout est numéroté derrière. Ouais. Bah, il est là-bas, le jardin. C'est là. Ouais, elle est là-bas. Ah, on peut rentrer là aussi, non? C'est une bonne question. Moi, je connais l'entrée là-bas. Mais... Vas-y, on va rentrer là-bas alors. Je sais pas que c'est la meilleure. Bah, elles y vont, les filles. Moi, je suis chaud courir un peu. Hein. C'est juste que je rappelle que le tchaf fait de l'asthme. Il faudrait pas qu'elle nous clame dans le truc, mais moi, je peux courir à l'infini là. Le stream de pensée ultra lâché, sinon on va passer sur nous du coup. Ouais. Alors du coup, salut le stream de Pensée Ultia, on espère que vous allez bien, il y a eu un mini crash chez eux. Du coup, on est sur le duplex avec Zulu sur la chaîne de Zulu, sur ma chaîne, sur la chaîne de MSF Quest, où vous pouvez voir tous les POV de toutes les équipes. Pensée Ultia qui commence à avoir pas mal de malus qui arrivent dans leur cagnotte, parce que bah, pas mal d'équipes avaient vu qu'ils étaient premiers, mais ils ont été quasiment rattrapés par Arélienne et Juliette Arz, qui ont eu, comme vous l'avez vu, la photo en même temps. Donc petit problème de connexion chez eux, dès que la connexion revient, évidemment vous repasserez sur leur point de vue, mais en attendant, et bah, vous allez tout simplement être accompagnés par nous. On peut en profiter pour remercier les dons d'ailleurs de Drelis qui vient d'offrir 10 € à Pensée Ultia, 58 € pour Aréliane de la part de Alan, on a également de Anas, pardon. On a à l'instant 50 € de David San qui a été donné pour Pensée Ultia ici, 100 € de la part de Echo également, 30 € de la part de Ezekiel et quelques malus qui ont été faits également. Pensée Ultia qui ont été un peu visés, notamment par Guntrotter qui a donné 25 € de malus. Moment Eligaïa sont en train d'arriver pour la première photo, donc c'est ceux qui ont le plus de retard pour l'instant. Exactement, ouais. Et je rappelle que si vous voulez protéger et faire avancer votre équipe, vous pouvez soit donner en bonus, mais aussi target une équipe et lui filer des malus. On parlait de Aréliane et Juliette qui étaient au coude à coude avec Ponce et Ultia, c'est peut-être le moment d'aller les embêter. Oh, c'est génial. Donc on a l'information sur le WhatsApp, Ponce est bien en train de chercher la toute dernière photo. Mais Aréliane et Juliette, elles ont pas fait cette photo-là, là. Je sais pas pourquoi c'est pas sur leur stream, c'est pas passé à la nouvelle photo. Quand on se met sur le hall, excusez-nous ici. Donc ouais, nous, ils peuvent suivre tous les POV, voilà, donc si vous voulez vous mettre ce stream-là un petit peu pour checker de temps en temps, on est sur big le brother, côté, hein. Nous sommes un peu les big brothers, on peut un peu faire ce qu'on veut, on va d'ailleurs passer les 20 000 €, et dès qu'on aura passé les 20 000 €, donc dans 200 € maintenant, attention, ça va très vite, les 20 000 € sont réalisés, bravo, avec le don de Rive qui vient de donner 200 €, merci beaucoup à Céline KLN, 25 € également. On va faire du coup un mini point sur les donations, si c'est possible, pour voir un petit peu où en sont les différentes cagnottes. On rappelle que selon les équipes, selon la taille des communautés, les cagnottes sont un petit peu différentes. On va vous afficher
ça en grand sur l'écran. Mon cher Zoulou, tu vas la première de Ponce et Ultia. Ouais, Ponce et Ultia qui ont atteint presque les 5000 euros et qui vont bientôt débloquer un appel à un Luthi. Du côté d'Angle Droit et Little Big Whale, on est à 6517 euros avec un retrait d'un malus au choix. Ouais. Pour Ligaya et Moment, on va bientôt avoir accès au chat parce qu'ils ont pour l'instant 1500 euros dans leur cagnotte. Du côté d'Aréliane et Juliette Arts, on va bientôt avoir accès à Internet dès qu'on atteint les 2000 euros. Pour l'instant, elles sont à 1750 euros. Et du côté de Presea et Ted, on est déjà quasiment à 3000 euros. Ouais, et on va faire l'appel de Ted du coup. On va lui donner le conseil. Il doit aller chercher quoi déjà, c'est là. Salut. Bah alors mon Ted, comment oui ça va? Oui, on va non, vous... c'est toi, quoi, Ted. Vous écoute. Bon écoute, oui. J'ai une très jolie voix, ouais, mais toujours, je suis toujours aussi ouf. Alors, bon, là on est sur la statue de Louis XIV et il semblerait que ce soit pas du coup la bonne statue. Donc on vous appelle, on veut un appel à Zoulou. Parce d'accord que pour nous aider à savoir où est cette fameuse fontaine des licornes. Donc pour savoir où se trouve la statue Louis XIV à Montpellier, la fontaine... tu appelles un Dunkerquois. Et tu te dis que c'est, non, la, mais... que c'est la bonne idée. Alors attends, comment ça c'est la bonne idée? On va peut-être essayer mais de... Mais c'est pas la fontaine des licornes? Alors attends, faut on la fontaine de... des licornes. On est en train de chercher l'information. Je vais donner l'info de la fontaine des licornes, je vais donner le nom de la place. C'est 9 rue Saint-de-Croix. 9 rue Saint-de-Croix, c'est là pour votre prochaine photo. 9 rue Saint-de-Croix, que vous pouvez trouver. C'est, tu peux la trouver sur la carte du centre-ville, je pense. D'accord. Et c'est place, écoute-moi bien, c'est place de la Canourgue. Place de la Canourgue. Canourgue. Non. Place. Comment tu es? Tu peux me s'il te plaît? C-A-N-O-U-R. N-O-U-R. G-U-E, Canourgue. Place Canourgue. Canourgue. Et je vous donne, comme vous nous avez appelé et que vous avez pris pas mal de retard et qu'on vous a entendu avec votre super vocal, je vous indique également que pour la prochaine, il faudra chercher sur le flanc d'un bâtiment de type un peu jeteau. C'est là où il y aura la prochaine photo d'un échafaudage. Vous le retrouverez après celle-là. D'accord, faudra à côté d'un échafaudage. Ok. Voilà. D'accord, tu peux me ramener la rue? Bah, alors la rue c'était la rue Sainte-Croix, 9 si je dis pas de bêtises, 9 rue Sainte-Croix au niveau de la place de la Carouille. Place de la Canon. Et regardez bien sur WhatsApp parce que vous avez des bonus hein, qui vont tomber encore pour vous. Vous êtes pas mal en termes de cagnotte. Il vous reste tout simplement 1 euro pour avoir le retrait d'un malus que vous n'avez pas encore eu. Voilà. D'accord, ok. Bah, le retrait de la photo, le château, on veut pas, nous. On veut sauter une étape, ouais, ça serait super. Bonne chance. Alors, pendant qu'on va devoir avoir une bonne nouvelle, normalement, du côté de la régie pour Ponce et Ultia. Mais non. Wow. Ok, on a un problème de câble USB. Ils sont en train d'en acheter un dans une boutique. On peut pas faire plus IRL que ça, plus direct que ça. Mais bon, on y va. On rappelle que... il y a eu pas mal de dons d'ailleurs, on vient à peine de passer les 20 000 qu'on a déjà passé, 21 000, les 21 000 euros, il y a Vori qui a donné 10 euros, il y a Tandou qui a donné 25 euros, il y a Mevi qui a donné 10 euros, il y a Fori qui a donné 100 euros, Elio qui a donné 5 euros, l'Artemancien qui a donné 25 euros, JC qui a donné 25 euros, Ivelios qui a donné 350 euros pour Aréliane et Juliette Arts. En malus, oh le bâtard! En malus! Bien joué, bien joué! On a Octolic qui a donné 200 euros pour Ponce et Ultia, pendant que Waouh Waouh a donné 100 euros pour Ponce et Ultia également. Et Ponce vient de finir le rallye photo. Donc ils sont les premiers en fait à finir cette épreuve. On va passer sur Momo et Ligaya. Momo et Ligaya, ils sont en train. Ouais, alors juste on va passer sur le peloton de l'avance de la course qui vient de terminer le rallye photo du coup. Je comprends pas, il valide pas. Ok. Par pitié. Imagine, ouais, il y a plus le droit à la course du côté de la team Ponce et Ultia vu qu'ils ont atteint le premier malus. Ils pourront décider d'enlever ce malus plus tard grâce à vos dons. Donc voilà, Ponce et Ultia, la course est terminée pour eux. Pour la course, le fait de courir. Exactement. Le fait de courir est prohibé maintenant. Et là, vous voyez les joueurs qui devaient envoyer des photos exactes avec le même angle. Trivia qui essaie aussi d'envoyer de son côté. Et ces photos qui vont permettre simplement d'avancer sur cette étape qui est l'étape numéro. Hop. Qui est la sixième étape sur les huit étapes de la journée. Téléphone ou pas? Ok, on avance quoi.
Mais c'est ça, à un moment, il tape la discute, ça me régale, ça que vous le regardez, regardez-le. La place de la Canourgue. D'accord. Et c'est une jolie petite place herbacée avec des arbres un peu autour. Il y a des cafés. Il a donné la place, mais il lui raconte toute sa life derrière, ça me régale. Il fait une description bucolique de la place. Il y a la statue en question avec le cheval, c'est un commémoratif pour une bataille célèbre. Ok. Et quand vous allez être juste à côté, vous allez voir la cathédrale. Ok, parfait. D'accord. Vous allez en surplomb la cathédrale. Donc c'est là-bas. Ok. Ok. Donc, c'est à 10 minutes à pied. Parfait. Bon. Et bah super. Ah, merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Et merci de nous avoir accueillis dans ce magnifique. C'est la bataille de Klosterchamp. Klosterchamp. Ah ouais. D'accord. Bon bah. Je ne connais pas cette année. Il est en train de parler de la bataille du Klosterchamp. Il y a un moment, il est là en mode ok. Alors qu'il moment, il est en mode frérot, je veux juste une photo du cheval. Après, je vais avoir un échafaudage. Je m'en fous de la bataille du Klosterchamp, tu vois. Alors, en tout cas, monsieur très gentil et très passionné. Il y a aussi une découverte du côté de Pressa et Ted, vu qu'on est en train de la carte avec des inconnus dans la rue qu'on a alpagué. Il n'y a pas de château ici. Un truc un peu forêt, enfin forest, non, de forteresse. Ouais, si. Ouais, c'est oui. Il y a là, fac de droit. La fac de droit, c'est un truc forteresse. Ah ouais, c'est pas trop forteresse, mais c'est un peu château. Ça fait un peu médiéval. Ça fait un peu médiéval. Bon bah, je pense qu'on va aller dans ce coin-là. Ouais, dans ce coin-là, on y va. Là, il y a une petite, il y a une mini tour, genre à côté, entre la fac de droit et le jardin des plantes. Il y a un donjon. Là, il y a un donjon. Le donjon, et ben je l'entoure ici, le donjon. Ça marche. Ça roule, et je vous remercie les copains. Merci beaucoup. On est parti. Merci. Force à vous, hein. Et si on gagne, on vous embrasse. C'est quoi vos noms ? Moi, c'est Lucas. Nina et Lucas. Les remercier chaleureusement. On remercie Nina et Lucas, merci beaucoup. Alors, c'est intéressant, mais est-ce que c'est pas à double tranchant quand même ? Parce que c'est risqué. Ils ont l'air de leur donner plusieurs places. Va voir là, va voir là, va voir là. Plutôt que s'adresser à quelqu'un qui est sûr et qui a reconnu la photo. Donc, on verra comment ça va se passer pour eux. Et alors que nous avons un nouvel indice du côté de Ariliane Juliette, c'est ce que vivent également Ponce et Ultia en ce moment. On rappelle Ponce et Ultia, on est sur leur stream pour l'instant, puisqu'il y a un problème dans leur live IRL. Il y a malheureusement un câble qui a lâché. Donc ils sont en train de continuer l'aventure et la course ne s'arrête pas pour eux. Ils ont les mêmes indices ici, du coup, avec une photo d'un monsieur suivi de deux indices, comme vous pouvez le voir à l'écran dans quelques instants. Et c'est du braille qui nous est proposé. Alors sur leur stream, il y a un truc comme ça. Mais là, regardez, c'est du braille qui nous est proposé. Il faut savoir que la seule équipe qui a reçu qui a reçu un indice par rapport au braille, c'est Pressa et Ted qui vont arriver dans quelques minutes maintenant. Pressa et Ted, ils ont reçu tout simplement l'alphabet en braille hier. C'est la fameuse feuille que je voulais pas montrer. De l'alphabet. Ah ok. Du coup, il n'y a plus de braille, du coup vous avez cut le braille, dommage, c'était sympa. Ouais. La course évolue en temps réel. Bah ouais, hein. Ça, on a juste tout ce qui se passe en régie pour pouvoir équilibrer au mieux la course. Ouais. En fait, on va voir, certains indices vont peut-être être décalés à demain aussi, mais les indices changent en cours de route et nous, on est avec les admins qui sont en train de le faire parce que, par exemple, on avait réservé dans une salle à 18h30, mais ils sont tellement rapides qu'ils y seront à 17h15. Donc du coup, la salle est en mode, nous, il y a des gens avant, tu vois. Donc on est en train de s'adapter. Il y avait des épreuves qui étaient prévues en backup, donc vous en faites pas. Et nous, on va être mis au courant, mais on est un peu comme vous dans la découverte pour l'instant. Alors que Momo et Ligaya sont en train de faire de la pub pour le Club Med. Je te jure, ils sont passés devant le Club Med, on va pas au Club Med. Momo qui avait dit qu'il voulait aller à la plage. Je suis fatigué. Mais... Ah, il ira certainement demain, je crois. Ouais. Il y aura une voiture demain. En fait, demain, la course va changer un peu de physionomie. Ils vont passer de piéton à chauffard. Enfin, chauffard pilote, je sais pas comment... Je sais même pas si... Non, ils vont être passagers dans le véhicule. Ah oui, ils vont être passagers. Ils vont se faire déposer, en fait. Ils vont se faire déposer. Il y aura peut-être même des équipes qui devront faire du stop demain. Si jamais, je dis bien si, ces équipes atteignent des niveaux de malus conséquents, eh bien, ils devront faire du stop, changer une roue de la voiture. Voilà, on a prévu plein de joyeuseté pour ce live. Et justement, tu me dis, Luty, que le live va peut-être... La course va peut-être être raccourcie un petit peu parce qu'ils sont tellement rapides. Alors moi, j'ai une chose à vous dire. N'hésitez pas, ne tardez pas à donner pour faire évoluer cette cagnotte. N'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas le dernier sprint pour faire évoluer et péter les cagnottes, parce que justement c'est maintenant qu'il faut les mettre, ces bonus et ces malus. Je rappelle le système de malus, vous pouvez choisir n'importe quelle chaîne et aller endiguer la progression de ces streamers ou streameuses en leur infligeant des malus, c'est-à-dire je crois qu'il y a un malus où les deux participants doivent être liés
Ouais, ça, il faut absolument qu'on l'ait tous. Hein. Ils doivent être attachés pendant une demi-heure, tu vois, attachés au bras pendant une demi-heure avec un foulard tous les deux. Mais ça va être rigolo. On va en profiter pour remercier les dons qui viennent de tomber. Il y en a beaucoup, évidemment. Merci beaucoup à vous qui êtes là. Et on vous le rappelle, hein, pour les chaînes de Ponce et Ultia, on essaye dès que le live est disponible chez eux. Évidemment, on vous repasse sur leur POV. Ils sont en train de continuer la course et on est en train de régler les petits soucis techniques qui sont dus à un fait qu'un câble a lâché. Merci beaucoup, du coup, à qui a offert 100 euros à Ponce et Ultia, à Mévi qui a offert 10 euros, à Vori 10 euros également, Tandou 25 euros. Anas 25 euros de malus, deuxième don de Anas, merci beaucoup. À Pirouli également 50 euros. On a Fouk for Life 10 euros. On a Rafripouille 25 euros. On a un anonyme pour 50 euros. On a Xagis 25 euros. On a Fa 25 euros. Anas re 50 euros. On a Gomar, qui est Gomar, vous connaissez Gomar vous, qui a donné 25 euros. On a Ordilem qui a donné également 100 euros. On a Brondon 25 euros. Jisei 25 euros. Corel 25 euros. Alpage Exlapine 10 euros. Merci beaucoup également à Jeu de mots qui a donné 1 euro. 25 euros d'un anonyme, 10 euros de le maître du désastre. On a 3 euros qui ont été donnés également par Artinator. 50 euros par Portalis, 10 euros d'un anonyme, 10 euros d'un anonyme et 1 euro. N'oubliez pas la team des 1 euro, la team des 2 euros, c'est tout le monde qui met un petit peu la main à la pâte, tout le monde qui met un petit peu d'argent, et bah tout simplement pour récupérer le plus de sous pour MSF. On vous rappelle également que si vous avez la chance de payer des impôts en France, 75% de votre don sera déduit, donc un don de 100 euros, ça reste un don de 25, mais on n'oublie pas non plus la team des 1 et 2 euros. Si voilà, vous devez faire avec vos moyens, n'hésitez surtout pas à accompagner cet événement, n'hésitez surtout pas à aider MSF qui dépend à 99,2% des dons privés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent public. Et on cherche le troisième spot, du coup, le fameux spot. On leur a donné une petite indication qui était eh bien que c'était sur un bâtiment un peu médiéval, un peu donjon. Ils ont eu quelques conseils. Est-ce que les conseils ont été bons? On va découvrir. Ça va payer. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris une prise d'information dans le public. Entre guillemets, en essayant d'interpeller des nouvelles personnes, ça me paraît c'est rassurant, quoi. Parce que j'avais l'impression qu'ils allaient partir un petit peu n'importe où. On va les écouter un peu. Attends, il doit t'envoyer la photo, l'autre. Et ça ressemble à quoi? Ça. Ah oh, putain, c'est un horloger de merde. Ok, d'accord. Alors, attends. Il est incroyable, Ted. On est là, il suffit juste qu'on remonte. Alors, attends, ça, c'est la fac de droit. Oui, c'est ça, la fac de droit. Mais si on merci beaucoup pour 100 euros qui viennent de passer sur le live. On l'a vu, c'est Evans Dust qui vient de donner 100 euros de bonus après Saïted. Il y a un anonyme qui vient également de donner 50 euros de bonus après Saïted. Soyons pas dans la précipitation. Regarde. Si je te montre l'endroit où nous sommes, d'accord, on a estimé qu'on est là. Oui. Donc là, si on redescend, il faudrait qu'on arrive effectivement à aller. Faut aller à gauche. Donc, tac. Ouais, faisons ça. Attends, parce qu'on a fait ça. On est allé à gauche. Attends, remonte. Je t'en supplie. Vas-y. Pardon. Là, regarde. Non. C'est là. Pardon. Attends, on est d'accord qu'on a fait ça. Oui. Ensuite, on a tourné à gauche. Donc, on a fait voilà. Ça. Merci beaucoup, Herminine, également. 100 euros par Eliane et Juliette Arz. Faut qu'on descende pour aller à la fac de droite, du coup. Si on va tout droit, on descend. Parce qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rue Foch. Et ensuite, on a tourné à gauche. Okay. Pour aller au centre historique. Et donc, on continue d'aller dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est en allant gentiment vers la gauche. Ouais, allons-y, voyons. Ils se complètent bien, hein. Ted et Précia. Précia qui a remplacé au pied levé Tonton qui n'a pas pu venir, on le rappelle, donc petite dédicace à Tonton aussi, on pense à toi. Qui aurait été très drôle dans l'exercice, mais peut-être plus Tonton, ça aurait peut-être été un peu le bazar. Peut-être. Tu vois ce que je veux dire, il se serait un peu engrainé. Alors qu'on a Aréliane et Juliette Ars qui demandent, attention, hop, parfait, qui demandent de l'aide à des passants. Ok, Momon et Ligaïa qui viennent d'avoir la deuxième photo du coup sur leur stream, et Ariane et Juliette qui posent des petites questions par rapport à l'énigme, qui viennent d'ailleurs d'attendre un malus qu'on va devoir leur donner. Elles n'ont plus le droit de courir, je crois. Ouais, si c'est le même qu'ont eu Ponce et Ulcha, ouais. Ça va être ça. On rappelle. Ça marche pas. Ah, on va pouvoir passer sur le setup de Ponce et Ulcha parce qu'on a un setup backup, donc vous allez pouvoir resuivre. Et bien l'aventure de vos deux. Exactement, des bisous, n'hésitez pas à venir sur nos chaînes si vous voulez voir le multiplex, et puis on vous souhaite eh bien un bon moment. Ça devrait se réaméliorer, mais pour l'instant ça va terminer à au téléphone portable en backup. Des bisous à vos deux chaînes et à la commune des Federatus. A tout à l'heure. Ouais, normalement, je sais pas comment ils sont. Ouais. Ah bah Combien de temps ? J'ai mis depuis le téléphone en fait, je renvoie le flux, mais il n'y a pas de son, enfin je sais pas comment ça marche le son, quoi. Bon, okay. On sait pas si on en a quoi. Ouais, si, bah il y a une vidéo normalement, ah, si, ouais. Il y a la vidéo. Il y a le son ? Vous nous entendez ou pas ? On doit m'entendre beaucoup, je pense. Vous nous entendez ou pas du tout ? Okay. Ah, parfait, on entend. Ah, let's go ! Ah, mais je savais même moi non plus, je savais pas.
quoi. Ah, sorry, j'avais dit. Là, on vous explique. On a eu deux indices. On a eu une phrase un peu incompréhensible avec des enchaînements de lettres, mais qui donne pas les vrais mots, quoi. Et on a eu une photo de Jean Moulin. Donc, on sait pas trop si la photo de Jean Moulin, c'est un indice supplémentaire qu'on nous donne, ou si c'est en plus de la phrase. Ouais. Donc, instinctivement. D'ailleurs, vous étiez pas là, mais on a montré la photo du mec de Jean Moulin à deux jeunes dans la rue. Et on a dit c'est qui ? Il a dit Jean Moulin. Et j'ai fait ok merci. Et il a fait mais vous savez pas qui c'est Jean Moulin ? Je suis en mode ok Nabila, merci, désolé pour le shampoing en fait. Et genre je fais bah si je sais qui c'est, mais enfin je le reconnaîtrais pas comme ça sur une photo tout de suite. On se me suis senti un peu. Surtout que nous on hésitait entre Jean Moulin et chez Bouki. Moi je pensais, moi je me suis dit c'est Anouilh parce que hier dans les indices des filles, il y avait Antigone de Jean Anouilh et du coup. Je me suis dit, ça se trouve que c'est lui. Mais... T'as quand même Jean Moulin. Oui, non, mais t'as une photo. On voit très bien qui c'est Jean Moulin, mais t'as une photo. T'es en mode. Bon, ouais, moi je sais pas forcément. Et en vrai, on hésitait entre deux personnes, dont Jean Moulin. Donc ça va, on n'était pas non plus super loin, quoi. Ils nous l'ont tout simplement confirmé. Ouais, c'est ça, ils nous l'ont confirmé, ouais. Bon, du coup, maintenant, on a une phrase. Désolée hein, pour les problèmes techniques. Mais maintenant, on a une phrase qui veut rien dire. Et je pense qu'il faut changer les lettres. Imagine la photo, elle a été prise à mon pote. C'est. Imagine. Moi je pensais à la gare, il y a la gare pas loin et pour un résistant ça me paraît être un truc un peu. Parce que là on se dirige vers on sait pas. Et du coup à tout moment c'est méga loin. Et Alors juste, il y a 300 euros manquants. Il me semble 320 euros manquants pour l'indice appel à un outil. Donc en vrai. N'hésitez pas à donner pour Médecins Sans Frontières, nous donner des bonus. Ça permettrait de repasser devant peut-être. Ouais. Alors, on est égalité, mais... tous à égalité, je pense. Ouais. Non, il y a des accidents. Ouais. Ouais, on est deux. Bah en tout cas avec Juliette et. Ouais, Juliette et Ariane, c'est sûr. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas, effectivement, on sera là tout le week-end. On sera là aussi demain pour la suite de cette course d'orientation. Mais c'est pas dit hein, le boulevard Jean Moulin. Non, c'est pas dit. Mais on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Non, on a mis pas. On est en bas du. Le mur en pierre là-bas. En vrai. Ça se trouve, la photo a été prise à Montel. Hein. Bah, c'est peut-être un bail comme ça. Hein. Bon, je vous rappelle qu'on est en live tout cet après-midi, aussi tout demain après-midi pour une course d'orientation au profit de Médecins Sans Frontières. Vous pouvez donner pour donner des bonus à des équipes, vous pouvez aussi donner pour donner des malus à d'autres équipes. Et voilà. Je sais plus où j'en étais, mais voilà, on est bien dans la course, mais on a eu quelques petits problèmes techniques qui ont fait que bah, on a tenté, etc. Donc on n'est pas vraiment devant, alors que on est plutôt plus anticipé. Ouais. Alors là, on va arriver au niveau du parc du Pérou. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est chaud, ouais. De porter sans filmer, c'est. Je te tiens l'appareil, moi je peux te dépanner un peu. Si tu peux me le tenir, je suis chaud en vrai un petit quart d'heure, mais attends, faut juste que je débranche ça. Faut que je le passe. C'est bon. Ça. Bon. Ça. Ok. Cool. Merci, ouais. Bon. Oh, je revis, merci. Mobile, du coup, on est sur téléphone. Il manque un peu moins de 100 euros pour l'appel à un luthier. Est-ce qu'on prend le carnet et le stylo et on écrit la phrase et on réfléchit ? Ouais, bon, s'asseoir là. Ça fait une pause à Alex. Un peu moins de 100 euros pour l'appel à un luthier. Pas de stylo ? Ouais. Ok, on va écrire la phrase, d'accord ? Moi, mon premier réflexe a été de me dire que c'est une phrase écrite en QWERTY. Faut la repasser en averti. Mais sauf que pas ça. Apparemment c'est pas ça parce que autant ça marchait pour le premier mot A H parce que c'est QH, autant pour la suite ça n'a plus de sens. Donc je l'écris quand même. QH. Toi, tu sais où c'est Mavi ? Viens nous dire. Comment ça, on a Mavi, une floratus, c'est la crainte. Dis-nous. C'est la photo Jean Moulin ou pas ? Ouais. Parce qu'il y a la photo Jean Moulin qui est au niveau des arceaux. Là, de l'autre côté, au niveau du parking. Au niveau du parking ? Ouais, au niveau des arceaux. On monte ou alors on passe ? Attends, montre-lui la photo. Je vais te montrer. C'est ça, c'est en bas des arceaux. Ouais. Et donc, on passe par là ou pas pour toi ou par en bas ? Tu peux passer, il y a un escalier par là.
On va prendre là alors. Hein. Voilà, il y a des escaliers qui descendent au parking. Vas-y, on y va. C'est trop la bosse. C'est trop la bosse. J'espère que c'est ça. C'est au pied des arceaux, dans des arceaux quoi. Ouais, c'est normalement. Mais il y a une photo où tu veux dire que c'est là où elle a été prise. C'est là où elle a été prise. La photo a été prise, ouais. C'est ça? Ouais, normalement, ouais. Vas-y, cool. Hein. Non, mais merci. Cool. Et comment tu sais ça? T'as regardé? C'est mes vies, elle a une culture exceptionnelle. Éliminer combien au mètre des fleurs en moyenne? Vous avez le droit à l'appel au plateau désormais. On a le droit à l'appel à l'ulti. On va peut-être garder l'appel. Ouais. Et plutôt suivre la piste de Maybe et on garde l'appel, ok? Merci beaucoup. Merci mes filles. Je passerai dans le parc, non? Parc ou pas? Non, parc. Dans le parc. Plus sympa. C'est derrière le parc. Merci mes filles. Merci mes filles. Bon, alors en fait, vous avez déjà merci infiniment parce que du coup vous êtes chauffé, vous avez débloqué l'appel à l'ulti. Et du coup on a l'appel à l'ulti mais on va le conserver. Ouais. On va le conserver parce que finalement là on a quand même un bel indice. Et moi j'ai écrit la phrase. T'as écrit la phrase. Et je vais regarder un petit peu les donations, voir potentiellement. Ah oui, on va remercier. Ce qui s'est passé. Alors. J'ai les lasagnes de ce midi qui remontent là. En se dirigeant vers Jean Moulin, on sait pas totalement. Non, c'était cohérent. Mais après on s'est centré donc. Alors. Merci à VMAX pour les 10 euros. Anonyme 4 euros. Lulu 5 euros. En terme, 25 euros, Coq Lilico, 10 euros à l'instant même, Lunia, 5 euros. Merci à Sopi pour les 50 euros, Alina, 25 euros, Enilopa, 5 euros, Clacus, 1 euro, l'anonyme, 10 euros, Eva, 25 euros. Courage ultime, vous êtes les meilleurs. Merci. Mais oui, alors je peux pas remonter plus, malheureusement, sur le téléphone, ça bug un peu, mais merci beaucoup, évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez tout à fait déduire ça de vos impôts à hauteur de plus de 70%, 75% si jamais vous payez des impôts. Donc n'hésitez pas, ça fait une belle réduction. Et en plus de faire évidemment un beau geste pour Médecins Sans Frontières. Donc merci à vous, merci beaucoup. Et nous on enchaîne là. Oula, Pablo, ouais, 5 euros, let's go, merci. Parfait. Donc on va enchaîner. Je me demande si les autres ont aussi eu le Jean Moulin ou si c'est parce que nous on a eu plein de problèmes et du coup ils nous ont donné ça en mode c'est un indice. Je me pose aussi la question, j'arrive pas trop à deviner, tu vois. Donc là, ça serait là enfin, genre... Non, en fait, les arceaux, c'est derrière. Ok. Tu sais, derrière le parc. Oui. On y est déjà allé plein de fois avec plein de gens. D'accord. Il y a les arceaux tout le long. Oui. Et oui. En gros, bah, on va descendre en dessous et la photo aurait été prise au pied des arceaux. Ok. Et moi, en fait, ce que je vais faire, ce que j'aurais voulu faire, c'est mettre mes lunettes de soleil. Parce que, avec mes yeux azel, parce que je sais pas si vous savez, donc moi, j'ai une couleur d'yeux qui est particulière. Okay. C'est azel, c'est assez rare. En gros, c'est des yeux verts avec un intérieur. Ils se marronnent petit à petit, on peut penser à des filaments, à filaments orange, filaments d'or, ça dépend. Et c'est des yeux hyper sensibles forcément, donc faut les protéger en permanence. Ils sont bleus quand il fait beau? Ils sont plus clairs quand il fait beau, effectivement. Ouais. Vous avez un mal. Bah, j'ai un truc comme ça, mais je sais pas si c'est azel vraiment, moi. Bon, apparemment, on a ça change aussi de vert à marron. Malus plus droit de courir. Allez, là la photo. Ah ouais. C'est un pied d'arceau là. Malus plus droit de courir. Bon, bah parfait. On y arrive. Du coup, bah on va prendre une photo là. Regarde, je vais prendre ça. Tu le tiens. Tu vas me prendre en photo là. Et on va faire genre, je suis... C'est là, non? Bah ouais, c'est ça. C'est pour là, ça là. Et prends une photo avec moi. Bah, mais avec quelqu'un, c'est rigolo. Eh ben mets-toi là, bah, d'accord, viens là. Attends, j'essaye de prendre le même angle. Ok. Je suis parfait. Oui, c'est prêt. C'est de vainqueur qu'il a, lui, regardez. Avec ses yeux azel. Hashtag je suis Jean Moulin. C'est la même chose. Je suis Jean Moulin, go next. Il faut trouver le PNJ qui vous remettra le dernier clip. Ah, il est là. On est fous. On est débiles de rien. Ils ont utilisé le même skin que le premier PNJ. Hashtag je suis Jean Moulin. Ah ouais, c'est le même skin. Ah, que mais le attends, premier on s'est déjà vu. Eh putain, les devs ils font aucun effort. Écoute. Il faut encore apprendre un truc par cœur? Non, il faut décoder. Vous avez reçu la ouais. phrase. Ouais.
Vous avez eu beaucoup de mots avec, oui, avec des chiffres. Ouais. Vous avez réfléchi à la manière de déchiffrer ça? Non, on a eu que des X et des... Non, que des lettres. Bah, j'ai une petite idée, si jamais. Hein. C'est, ah ouais, quoi, c'est quoi? C'est comme Enigma, c'est que la lettre est remplacée par une autre lettre et toutes les mêmes lettres se retrouvent. Alors qu'à partir du moment où le E c'est le X, okay, tous les mots. Alors, tu vois, oui, c'est ça. Enfin, ouais, je pense, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est ce qu'on s'était dit, mais du coup, c'est dans le sens opposé. Comme mot par mot, on pourrait retrouver. Genre, dans quel là, sens? Là, c'est A, je pense. A, H. Ah, machin. Non, je ne savais pas que c'était si simple de faire son devoir quand on est en danger. Quoi? C'est une citation de Jean Moulin. Mais on a le droit à Internet? Ah oui, bon. Non, mais c'est pas ça, de toute façon. Ou au pire, on fait appel à un luthier et on perd pas de temps. Hein. En vrai, et on prend de l'avance. Vrai, pour, vrai, moi, pour moi, on appelle luthier. Hein. Tu le fais? Non, vas-y. Ok. Non, j'ai tapé citation Jean Moulin, j'étais curieux. Oh. Ouais, de toute façon, ça t'aidera pas. Hop. Attends, comment? Luthier. Mais appel. Oui, c'est, mais ça appelle tout le monde. Non, ah, c'est ça, okay, qu'il faut, okay, faire, c'est ça. Appel. Allô? Allô? Salut, ça va et toi? Salut, ça va, on fait avec. Super, mais la demi-queue, ça va super bien. Merci. Arrêtez de parler de ma demi-queue. Juste pour information, vous avez déclenché du coup votre bonus appel à un jour et un luthier. Ouais. Ok, oh, donc, ah ouais, bon, on savait pas, mais c'est pas grave, c'est pas, ah, grave. Okay. Est-ce que pour déchiffrer la phrase, est-ce que la phrase est une citation? Non. Est-ce que pour déchiffrer, il faut remplacer chaque lettre par une autre lettre et c'est toujours le même pattern? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de connu, un pattern connu? Un petit peu, mais pas trop. Est-ce que toutes les lettres changent? Non, justement, c'est un pattern. Donc, attends, toutes les lettres changent, je veux qu'il réponde à la question. Attends, oui, toutes les lettres changent. Ok, très bien. Toutes les lettres doivent être changées dans ton énigme. Ah oui. Si t'as un V, oui, bah oui. Ah pardon, mais j'ai pas entendu. Que le V la deuxième fois. Est-ce que j'ai, ah, pas, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, excuse-moi. Si jamais tu. Mais il a déjà dit, on perd un temps de fou. Il a déjà dit. Si jamais V, tu sais quelle lettre c'est, ce sera toujours V cette lettre. D'accord. Voilà. Ok. Alors, c'est ce qu'on sait en fait. Est-ce que X égale E? Est-ce que... Bah viens, on l'a fait tout, hein. Bah non. C'est si. Non, est-ce non, que non, c'est à la première personne? Est-ce que c'est à la première personne? Est-ce que ça commence par je? Ok, alors, est-ce que ça commence par je? Oui, ça commence par je. Donc Q égale J. Égale J et H égale E. A, B, C, D, E, F, G, H. C'est décalé 3. A, B, C, D, E, F, G, H. C'est décalé 3. I. Oui. C'est décalé de 3, c'est ça? Chaque lettre est décalée 3. Eh ben donc c'est bon, je pense qu'on a ce qu'il nous faut et maintenant il faut juste qu'on fasse l'énigme. Eh ben on va faire l'énigme. Pour réécrire l'alphabet. Hein. On va autant, ouais, écrire l'alphabet, c'est le plus simple. Je vous laisse, je vous donne ce dernier indice au cas où, je suis pas sûr que ça va servir, mais en tout cas, si ce soir on est dans le resto, il y a une salade qui est très connue. César. Pour vous aider. César, merci, c'est une citation de César. Super. C'est pas une citation forcément, mais voilà, ça peut vous aider en tout cas. C'est pas la phrase qu'il y a sur l'arc. Des bisous, merci beaucoup. Il y a grave moyen. Allez, à bientôt. Merci. Merci. Attends, je vais voir un truc parce que ça, il y a la photo. Ah oui. Pense, s'il te plaît, pense. Quoi? Bah, il faut que tu viennes, on le fait, on a la solution maintenant, allez, viens. Mais non, mais... Qu'est-ce que tu fais? Ça va pas écrire un truc par rapport à César là-bas? Non, mais après, viens, on fait d'abord. Oui, mais quand je cherche avec toi, tu me dis que t'as besoin de réfléchir. Non, là, on se réfléchit ensemble, on le fait ensemble, viens. D'accord. Alors, je... Bah, X, Y, Z, A. Donc, c'est un A potentiellement. A potentiel. Il faut que tu fasses l'alphabet en gros. C'est quoi ces trois lettres? A, attends, A, B, D, A, B, C, D, L, H, I, K. Il faut que tu fasses l'alphabet. Q. A égale D. Il faut que tu fasses l'alphabet. Donc A égale D. Égale D. Attends. A, B, A, D. Attends. Non mais c'est facile, après il faudra réécrire dans l'ordre. Non, mais A est pas égal à D, donc c'est de la merde. Je fais de la merde. Mais je t'écoute. Parce que c'est. C'est moins 3 en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc A égale X, B égale Y. Ouais. X, Y, Z. Donc B égale Y. Et donc là U égale J. Ok. Oui. Donc là tu peux faire Y, Z en fait, et repartir sur l'alphabet. Oui, c'est ça. Ça, Y fait Z, donc C égale Z. Et après A, B, C.
T C D E F. Vas-y. Est-ce qu'on bouge de place ou on reste là devant le PNJ? On reste là en vrai. Okay. On sait combien d'avance on a, remarqué. Oui, oui, non, on reste là, c'est bien. Ah bah non alors. Quoi? Bah non, c'est pas ça. Parce que Q égale J. Et à Q, c'est on est à N. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Et le J, il est I, J, tu l'as mis au M. Attends. C'est pas un message de Lutti qui dit qu'il s'est trompé? Il manque des lettres. Ah, mais il s'est trompé. Mais attends, il nous a dit la merde. Il a dit la merde, j'ai l'impression. Si c'est ça, X, Y, Z. Ou alors, si c'est vraiment je, la première phrase, c'est pas ça. Il faut redécaler nous-mêmes, au pire. Oui, enfin après, s'il nous a dit, le début c'est J, ça veut dire qu'il faut qu'on se base sur ce que nous on a vu, tu vois. César, après, il a pas dit grand chose, mais je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Je suis venu, j'ai vu, j'ai. Ouais, mais c'est pas ça. Je suis venu, V-E-N. Non, c'est pas ça. J'ai vu. Non, c'est pas ça. Alors. Bah, tu es. Mais il nous a forcément induit en erreur parce que ça colle pas. Mais attends, c'est lui, il nous a pas dit de la merde là quand même. Rappelle-moi un message. Ah non, pardon, c'est pas pour nous. Tu le rappelles. Ah, Lutti. Lutti, tu nous as dit non, parce que si ça ne colle pas en fait. Si QH c'est je. Ça colle pas avec ce que tu nous as dit après. Il faut que tu nous rappelles pour t'excuser. Attends, mais ouais, mais si. J'avoue, là, c'est. J'espère vraiment que c'est. Pompon, ouais. On va refaire en partant du principe que c'est ça la bonne réponse. Oui, mais que J-E, d'accord. Oui, mais c'est pas le même décalage. Ben, on refait avec notre décalage. Ok. K, N, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Et du coup, en face du Q, tu mets J, mais égale mère, égale qu'on ne se perde pas, ouais. Et H égale E. Et donc, en fait, si on regarde ici, le E, il est 1, 2, 3 plus haut. Le J, il est 1, 2, bah non. 3, 4, 5, 6, 7 plus haut. Bah non, il y a aucune logique. Donc ça n'a pas de sens, t'as vu, ouais. Alex, tu en penses quoi? Il s'est dit de la merde, Lutti. Ah ouais, j'espère. Faut reprendre le texte. Parce en que vrai, il nous a. Enfin, genre. Faut remplacer. Ouais, vous avez remplacé parce tous les. Parce que si on met J, 1, 2, 3. Mais en fait, c'est ça, regarde. 1, 2, 3. En fait, J, pour moi, J, c'est mais M. Attends, viens, on rappelle. Il nous a dit nimp. Bah, en tout cas, là, il n'y a pas de logique récurrente pattern, quoi. C'est ça qui est un peu. Lui il sait. Lui il sait là, il est juste là et il sait. Tu sais là. Le PNJ là, donne-nous la quête. Lutti, tu nous as dit n'importe quoi. Tu nous as dit n'importe quoi pour le décalage parce que si Q égale J. Ah, H, il y a une erreur. Attends, Hugo qui nous dit. Ah, je peux pas. Il y a une erreur. Est-ce que pour je peux le regarder message chiffré, le décalage de 3. Je comprends pas le message de Hugo. Alors il y a eu peut-être une petite erreur sur le code César qu'on vous a donné. Ah. En fait, vu qu'on non, est premier, enfin... on est su. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est un jeu. Mais vu qu'on. On découvre les problèmes. Mais oui, on découvre les problèmes. Ouais, bien sûr, t'inquiète, oui, t'inquiète. C'est vrai, on c'est veut vrai. Pas, t'inquiète, t'inquiète. Non, on s'en mais on veut pas. Ok. On t'aime, Lutti. Avec la suite et bonne chance à vous. Merci. Ok, merci. En fait, le fait d'être premier, c'est qu'on essuie les pots cassés. Vous êtes trop fort. Et après, on trace. Ça me fume. Ouais. Le... Par alors, contre. Du coup, ah, mais voilà, bon mais c'est pas. Bah, du coup, voilà. C'est... Bah, voilà. Bah, donc, on avait raison. Putain, on a résolu le problème, genre. Attends. Bah, M égale J, il vient de le mettre, regarde. M, H. Mais on a résolu oui, le problème. On a résolu le problème, oh, littéralement. On est trop fort. M égale J, donc en fait, on avait raison. Donc l'alphabet, tu le reprends. Donc, on a la nouvelle phrase, je vais l'écrire. Donc, M égale quoi, dis-moi. M égale J. Voilà. Ah, ouais, faites comme ça. H égale quoi? E, X, V c'est quoi? Attends, 2 secondes. S. S, X. U. L. I. Ouais, je suis, ouais, V. Ouais, je suis, S. Je suis, U c'est quoi? S, pardon, S c'est quoi? S, c'est un V, je pense. P. P, U. R. H. E. Ça se passe très bien. I, V. S. T. Q. Presque, ok, V. S. I.
X. U. Presque sûr, hein, j'imagine. U. C'est R. R. T. Q. Q, U, E, t'inquiète. M, H. M, J. H, E. D. A. Q. N, j'imagine. N. Je suis presque sûr que Jean Moulin, ouais, c'est bon, je l'ai aussi. Okay. Q apostrophe. Donc Q, c'est N. N apostrophe H V W. Alors E-S-T. H E V S W T. E-S-T. M M D P. M J D A P M. Jamais. D A O L. Allez, je l'ai. D. A. X. U. U. C. H. S, pardon, excuse-moi. S. S. S et P. H. E. B. Y. Pérou. Je suis presque sûr que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. Bravo. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Let's go. Tu sais, franchement, j'ai raccourci de fou. Hein, bravo. Les... dernier kit. Merci. Pour vous. Et puis vous avez fini la première journée. C'est pas allez vrai. Allez la première on position. Est premier de pa. Let's go. Quelle était la citation du coup ? Vous avez géré. Ouais. Je suis presque sûr que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. Voilà. Et on a détecté l'erreur dans le décryptage. Hein. Et on a même pré-shot sans aller à l'avenue Jean Moulin. Au final, on s'est même pas éloigné. On a mais été bon. Dit, non, on a été bon, on a fort. Été bon. Attends, je mets le chat, on a fini de toute façon, on a fini. Et moi j'ai c'est full plus GG. De live dans 5 minutes si jamais. C'est full GG. J'ai plus de live dans 5 minutes. Dans 5 minutes, t'as plus de live. Ouais. Merci. Okay. Et nous on a allez plus de live dans 5 minutes. C'est ben, on en profite, vu qu'on a plus de live dans 5 minutes. En tout cas, notre POV, parce qu'on va rester en live, je crois, c'est mais ça. Avec les POV venez des autres. On va remercier les dons. Alors, on va remercier les dons, je te laisse. Ah non, je vais checker, moi je profite pour vous en remercier pour évidemment toutes les personnes qui ont. Ouais. Toutes les personnes qu'on donné pour les bonus, même pour les malus, parce qu'on a quand même gagné. Mais c'était trop là, stylé. La lumière, en fait. Je vais faire un petit F5 sur les dons. Je suis désolé, on pourra pas remercier tout le monde parce que sur téléphone, c'est un peu bloqué. Je peux pas remonter à l'infini, ça bloque assez vite. Dagnir qui a donné 25 euros, des bisous de la team Triangle, hashtag team Trivia. Eh ben, on a gagné. Merci aussi à Jinfire pour les 25 euros, à Big Fourmi pour les 25 euros, Lola Shadow pour les 10 euros. Bon courage, pensez utile, on est à fond derrière vous. Merci à l'anonyme qui a donné 200 euros. Merci. L'anonyme qui a donné aussi un autre anonyme 100 euros. Hunterfile, je connais très bien, merci pour les 100 euros. MC, merci pour les 10 euros. Bah, ouais, je suis au Neru, 25 euros, j'ai croisé ton fils, Neru, j'ai check ton fils. Merci aussi à. Ah, je suis désolé, ça bug, je peux pas remonter plus. Attendez. Merci beaucoup. C'est Curiosilab, 50 euros. Merci Curiosilab, merci beaucoup. Et je peux pas remonter plus que ça. Que ça soit pour les bonus ou pour les malus, quoi qu'il arrive, merci évidemment. Et c'est l'argent qui va malgré permettre ça sans les frontières. Gens qui veulent nous nuire, on est là en premier. J'enlève mes glasses, je la pose sur ma demi-queue. En plus, on est super mode. Sauf moi. Mais non, en vrai, merci beaucoup, c'était trop bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Aven, à l'instant même, les 5 euros, merci Aven. Merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment. On a eu beaucoup de problèmes techniques. Je le rappelle, Ultia et moi, on se connaît depuis bien longtemps. On est très proches, ne vous en faites pas. Quand on s'engueule, c'est pour bosser. Ok. On est dans le boulot en fait. J'avoue comment on se parle trop mal. On se parle trop mal. Mais nous, on est là pour la. On se parle mal, mais on gagne, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on est. Intense. On a chacun un cerveau qui. Fonctionne ou pas d'ailleurs. Ouais. En vrai. C'est pas différemment, c'est plus. Et genre vraiment, on s'engueule mais on s'aime quoi. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça mais bon, c'est. Oh. C'est ça. Ah, c'est la fin, c'est fini. Ah, ça y est, c'est un cut apparemment. Ah. Ah, oui, c'est possible. Ouais. 0,27. Mais en tout cas. Non, il reste 3 minutes pour moi. Ok. Ah ben non, on est toujours en live. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, on est toujours là. Merci beaucoup. Et sachez que même demain, je vous préviens, parce qu'il va se passer pareil, si on s'engueule, c'est parce qu'on veut gagner, en fait. Ok, et en vrai, il y a full donation, et merci pour ça, je vois merci que ça continue. Beaucoup. Miu ah oui, qui donne 50 euros. Il y a des gens qui parlent du... Bah, tu viens d'où avec ta canne à pêche, toi? Ah oui. Au mec qui venait avec sa petite canne à pêche. C'est vrai que t'as été un peu vénère. Je crois que, en fait, le live va continuer, mais on va être sur les POV des autres, si je comprends bien. Je crois que ça revient sur le plateau. Et ça revient... Ouais, mais du coup, le plateau regarde un peu tout, c'est ça.
C'est ça, un peu comme sur la chaîne de Zulu et Lutti depuis le début, vous pouvez suivre l'ensemble de l'événement. Là, ça va, il va se passer pareil pour la chaîne de Ultia et ma chaîne, si je dis pas de bêtises, parce qu'on a gagné la première journée, peut-être un peu tôt, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, encore une fois, merci. Merci Ultia, merci évidemment Dash, merci Alex qui est juste derrière. Merci aussi à tous les gens de Médecins Sans Frontières qui se sont rendus disponibles. Merci les putains de moustiques. Pardon. La pauvre dame de la pharmacie qui était au bout de sa vie parce qu'en fait on foutait le bordel, parce que en fait on foutait pas le bordel sciemment, mais on arrivait, on posait nos sacs, on posait nos cartes, et elle était en mode s'il vous plaît les petits papiers, la pharmacie, vous pouvez les laisser comme ça. C'est un musée en fait. Donc désolée à cette dame, merci à elle. Merci à Mévi qui nous a carré. Ah Mévi nous a trop carré pour la photo de Jean Moulin, mais franchement je sais pas comment elle a fait pour le coup, mais la bosse. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Voilà, si vous voulez suivre un petit peu sur les autres chaînes. Et merci à vous aussi, parce qu'au final, le chat nous a débloqué l'énigme de la pharmacie. Oui. Into Pomme d'Api. Oui. Donc. Vous avez été bon. Hein. Et je trouve qu'on a eu. Tu vois, au final, dans la voiture, on nous demandait est-ce que vous êtes instinct ou est-ce que vous êtes organisé. Mais en vrai, je trouve qu'on a fonctionné de fou à l'instinct. Genre la boutique Pomme d'Api, bam bam. On a tout fonctionné. Genre la rue. Ouais, on. Il y avait Juliette et Aurélienne, elles étaient deux. Ah oui, parce que vous, on était en live à ce moment-là. Il faut qu'on débriefe ça. Juste, t'as tout à fait raison. Ouais. En fait, en gros, on a cut parce qu'on n'avait plus de batterie pile poil quand on allait à l'avant-dernière photo. Et en fait, on s'est fait dépasser par Aurélienne et Juliette à ce moment-là. Et vous n'avez absolument pas vu, mais en gros, elles ont pris la photo avant nous, elles avaient de l'avance avant nous. Mm. Et on a reçu l'indice d'après qui était la photo de Jean Moulin. Et en fait, sans avoir aucune info, on s'est dit on va aller vers l'avenue Jean Moulin à Montpellier, tout ça c'était hors live. Hein. Ouais. Et donc on s'y est dirigé et au final on est arrivé juste en bas du parc où il y a les arceaux. Ouais. Et donc en fait, elles étaient posées avec l'énigme, elles étaient en mode mais vous avez déjà trouvé l'énigme. Et nous on a fait non, mais tu sais, on était en mode non, mais franchement, on y va quand on même. Se dirige et puis on verra. Et en vrai, on a trop bien fait. On a bien géré. Je remercie aussi Manon Bou qui donne 2 euros, merci Manon. Et merci à Vonor qui donne aussi 25 euros. Merci à vous, merci beaucoup. Je sais pas si c'est des bonus qui se cumulent pour la suite, j'en ai aucune idée, ça pour le coup. Je sais pas trop. Je pense qu'on va on va se laisser là, on a à peu près tout dit, je sais pas si vous voulez quelque chose. On a à peu près tout dit, merci à tous pour les donations. Et on se retrouve demain du coup à 14h, c'est ça? Demain la suite c'est 14h. Effectivement, alors là le live n'est pas terminé, on va passer sur la POV où vous allez avoir accès un petit peu à tout le monde. Vous pouvez aller sur le live aussi des gens. Ah, okay. Ouais, regardez. On peut si vous voulez, je dois arrêter. Parce que chacun vont réussir tout simplement à amener ce qu'ils ont à amener, vous, c'est ces fameux kits. Et il y a de l'aide parfois humanitaire de plein de différentes assos. Mais voilà, du coup, c'est quand même très important de le rappeler. On va avoir le code qui va être donné par Trivia et par Angle Droit pour la dernière épreuve. Jacques Lux plus Eglou. Non, mais c'est lequel? Parce qu'en fait, il y a eu un micmac et du coup, on nous a envoyé deux. Ah non, on l'a reçu à l'instant. On l'a envoyé il y a 2 minutes, donc on n'a pas encore eu le temps de... C'est vrai, donc... Okay. Trop bien, gros big up à toutes les fleurs et aux ratus qui nous ont rejoints pour la fin de ce live. N'hésitez pas à continuer à bourrer les dons, on va continuer à vous remercier. Okay. Et du coup, on va redevoir faire l'énigme pour Angle Droit et Little Big Well qui ont désormais le nouveau code qui avait déchiffré en amont, mais qui avait mis un petit peu plus de temps. T'arrivais, on est toujours avec Gigi et Julie, du coup, pour ceux qui suivaient sur le live de Ponce et de Ultia, qui sont représentantantes de l'équipe collecte de fonds pour MSF France. Exactement. Ça vous va? Exactement. Ça vous va? C'est bien comme titre? Très parfait. Pas trop pompeux, ça va? C'est bien? Ok. Du coup, il nous expliquait un petit peu le dernier kit qui vient d'être récupéré par Ponce et Ultia, qui était le kit en rapport avec les catastrophes naturelles. Donc, on était un petit peu en train de parler de ça et de parler des différents kits qu'on peut retrouver. On a montré un petit peu ce que c'était une couverture de survie. Et que ça peut tenir chaud ou froid. Exact. On savait alors que, ça pèse rien du tout, c'est incroyable quoi. Ouais, ça a été très bien designé en reflétant les lumières et tout. Enfin bref, ça brûle un peu les caméras quand on le sort. Ouais. Donc on essaie de pas trop le sortir parce que la production me déteste sinon. Et on abîme tout. Ouais, c'est assez incroyable. Ouais, ça brille beaucoup. Hein. T'imagines les caméras, elles explosent. Elles brûlent. Est-ce que... vas-y. Ouais, non, je dis les participants et les participantes qui petit à petit terminent la première journée de quête, en fait. Et je me demande si on peut pas atteindre les 30 000 euros avant la fin de la journée. Parce que là, ça fait déjà quelques heures qu'on est en train de récolter des dons. Et en plus, essayer de vous divertir avec une course multi-POV dans les rues de Montpellier. Voilà, on est à 25 600, 25 700, quelque chose comme ça au niveau des dons. Est-ce qu'on peut pas se faire un dernier rush avant la fin de cette journée pour atteindre potentiellement les 30 000 euros? Il reste encore du temps. Peu importe ce que vous pouvez donner, donner 5 euros, 10 euros, 1 euro, 100 euros, 1000 euros.
peu importe, donnez ce que vous voulez, mais surtout l'outil, je crois qu'on peut déduire de nos impôts ces dons. Exactement, 75% si vous avez la chance de payer des impôts en France, vous avez 75% du don. Et puis de toute façon, si vous n'avez pas la chance de payer des impôts en France, souvent, faites des petits dons, faites partie de la team qui vont de 1 à 5 euros. C'est important aussi de faire attention à vous. On sait que c'est une période qui est difficile en ce moment avec l'inflation, avec tout qui augmente. Mais voilà, pour vous motiver, ce que je vais vous proposer, c'est que tous les paliers de 1000 euros, soit Zoulou, soit moi, on doit faire une acrobatie. Donc roulade, roue, rondade, n'importe quoi sur le plateau. Ça te va? Je pense que tu me surestimes, mais ça me va. Au pire, tu fais que des roulades avant. Tu sais faire la roulade avant? Oui, t'inquiète. Il faut bien rentrer le coup comme ça. Hein. Bah, l'avantage, quand t'es rond comme moi, c'est facile. donc voilà, n'hésitez pas à bourrer les dons, bien évidemment, pour la fin. Et on rappelle que tous les dons, même s'ils sont faits chez Poncé Ultia en bonus ou en malus, même s'ils sont faits sur la fin du rush et qu'ils vont avoir moins d'impact pour aujourd'hui, ils vont permettre de débloquer des bonus et des malus qui vont pouvoir être joués. Et en fait, même par exemple, si vous allez faire un malus, alors qu'on voit que la démarche de Aréliane est magnifique, évidemment, ouais. Parce que Aréliane et Julietta n'ont plus le droit de courir. Du coup, elle fait une Johan Diniz, elle fait de la marche à pied. Oh, mais très belle référence, mon cher Lizzie, quoi. I got it. Très très belle référence, Johan Diniz qui est un athlète du 50 km marche. Exactement. Qui était très performant aux Jeux Olympiques. Attends, comment le cadreur de Ted et Precia a pu les perdre? Non, ah, mais Ted était caché derrière le cadreur. Precia était trop loin devant. Peut-être que le Douk, c'est peut-être plus simple. Le D, ouais. On va remercier les dons un petit peu qui sont tombés. Tu veux y aller, mon cher Zoulou? Ils nous ont dit le pire modo, je crois, à peu près, ou Amiris. Eh bien, il y a Amiris qui a lâché 25 euros, le pire modo, 50 euros, Shepperman, 10 euros, Rip Jean Moulin, 100 euros, Scald, 10 euros, Haven, 5 euros, Miu, 50 euros, Evric, 10 euros, Méline, 5 euros, Manoupou, 2 euros, Alterben, 20 euros, Vonor qui a lâché 25 euros, 25 euros aussi donné par Naël. Merci à vous pour vos dons. On continue pour MSF, Médecins Sans Frontières, tout le week-end jusqu'à demain soir. Exactement, exactement. Et donc là, on continue un petit peu cette aventure. Il n'y a pas eu de don depuis 6 minutes, les gars. Faites tout de même un effort. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir quand même tous participé. C'est super sympa. Et ça fait la diff. Alors que là, on voit que Ariane et Juliette viennent de voir en bas de leur stream. Elles viennent de voir les filles qui étaient en train de réfléchir et le PNJ. On va voir, elles vont arriver elles aussi devant le personnage non-joueur, le dernier. Et elles vont devoir refaire l'énigme. Alors qu'on voit même Chloé Ramdani qui était également là pour prendre des photos pour nous, les super photos sur Insta. C'est Chloé qui les fait. Pressé à tête qui eux vont commencer. Ouais, c'est ça, le PNJ était trouvé. Fait chier. Et du coup, il reste quelques des escaliers à descendre. On va se retrouver face à face avec Trivia Angle Droit. Attention quand même qu'elle cache bien les indices, Trivia Angle Droit, qui sont sur le point de donner la réponse définitive et qui du coup serait deuxième de cette course. Bonjour, derrière Poncé Ultia. Exactement, là ça va jouer au coude à coude. Là ça dépend à quel niveau ils ont commencé déjà à débunk. Est-ce qu'elles ont fait l'énigme ou pas? Ouais, vous avez pas trouvé grâce à ça? Si. Non, on l'a trouvé grâce au Pérou. Enfin, grâce à tout internet plus texte. Le texte? Ouais. Vous l'avez déchiffré? Ouais. C'est quoi la phrase? On a le truc, tu m'as dit. Parce que là, on. Oh, pardon! Ouais, mais est-ce qu'ils ont pas la vieille phrase? Est-ce qu'ils ont pas la vieille phrase? Parce que c'est facile de bidouiller. Ah, parce qu'il fallait avoir le texte pour te. Oui. Ah, bah. Je suis presque sûr que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. Ouais, il y a un accent et plus un R, c'est bizarre, mais. Ouais, ouais, mais on a pas compris pourquoi. Waouh, et du coup, deuxième place pour la team Ariane et Juliette sur la journée incroyable! Qui viennent, elles qui étaient parties, on le rappelle, le plus loin et qui avaient utilisé leur téléphone portable de manière assez intéressante à base de trouver le numéro de série. Et du coup, félicitations aux deux joueuses. Et c'est Trivia et Little Big Whale qui sont juste derrière, qui devraient arriver, qui peuvent avoir un petit peu le seum parce qu'elles n'avaient pas réussi à déchiffrer à temps. Ouais, on a eu peur pour la team Aréliane et Juliette parce qu'elles s'étaient split pour la pharmacie et elles s'étaient perdues de vue. Où ça donne, enfin qu'est-ce que ça donne pour Trivia et Angle Droit? Non mais ils spamment tous ça, je suis presque sûre que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou, mais vous êtes en train de nous bait en fait. Non, c'était ça en fait, vous aviez bon depuis le début, c'est ça qui est terrible. Non, moi aussi ils spamment ça. C'est ça ou c'est pas ça? Je sais pas. C'est pas toi le MJ? Vous leur faites confiance ou pas? On a le droit à une seule réponse? Non, t'as le droit à plein de réponses, il est en train de te bait, mais du coup, le truc c'est qu'elles avaient la réponse depuis longtemps. Elles du se coup, font c'est... cuisiner. C'est vrai, non, c'est faux. Non, il faut que tu me dises la phrase que donne ton. Oui, je suis presque sûr que Jean Moulin n'est jamais allé au Pérou. C'est votre dernier mot? Ouais. C'est notre dernier mot. Ah, félicitations. Oh. Non, mais en fait, on avait trouvé, mais ouais, juste non, mais on a vérifié avec le chat. Je suis désolée. Ouais. Vous êtes les meilleurs. Non mais en même temps, on est deux cerveaux, ils sont trois. Ils sont pleins. Ouais, on
on peut essayer. Par curiosité ou pas? C'est ça la vraie question. De quoi, pardon? La solution par curiosité. Bah, il y a le même écart entre les lettres. Ouais. Ouais. À chaque fois. Donc, je, donc c'est le M correspond à E. C'est trois lettres avant. Ça a toujours été trois lettres avant, du coup, et c'était ça, hein, l'énigme de ce fameux code. Vas-y, mais oui, je suis. Ouais, mais. En fait, c'est vrai? Allez, Ted et Précia qui vont arriver sur les lieux de la dernière quête de ce jour 1. Enfin, ce jour 2. C'est cool. Vous êtes forts. Puis même à la canine générale. Je suis comme un pirate. Bravo tout le monde. Bon. Ah ouais? On y est, hein? C'est la fin? Ted, ouais, c'est la fin. Ouais, tu sens que Ted il arrive au bout. En vrai, mon camarade, je suis en train de le perdre. Vous voyez le dormeur du Val de Rimbaud? Il y a deux trous rouges sur le côté droit. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver Ted de la même manière. Et Ted qui s'est donné toute la journée, on l'a vu courir. On l'a vu donner de sa personne, franchement, gros big up à Ted. Et puis en plus, ils ont réussi. Et ils ont à la fois de la chance et de la malchance parce qu'il fait beau, mais il fait chaud. Il fait 29 degrés aujourd'hui à Montpellier. Comme une jambe décédée, en fait, tu vois. Et on l'a dit aussi, hein, Montpellier, c'est une ville, mine de rien, avec pas mal de niveaux. Ça monte, ça descend énormément. Il y a eu beaucoup d'escaliers à monter, beaucoup d'escaliers à descendre. Et oui, parce que quand on monte les escaliers, on est obligé de descendre. Merci beaucoup à la fille du soleil qui donne 50€. Merci beaucoup. À ma biche, pas forcément la mienne, hein, mais qui donne 10€. Ah oui, merci beaucoup à Thiels qui donne 10€ également. Merci beaucoup à Naël qui donne 25€. Vonor qui a redonné un bonus à Ponce qui a de 25€. Merci beaucoup. J'ai pas vu MSF. J'imagine que devant y être. Et ils vont être rincés ce soir. Ah bah c'est pour ça que je te dis qu'ils étaient en mode oui, on sort ce soir. Je suis en mode oui, bien sûr, vous verrez. On en rediscute ce soir. Hein. Oui, on a surtout besoin de faire une bonne nuit parce que demain c'est une journée qui va être encore plus chargée qu'aujourd'hui. Surtout demain, ils vont pouvoir parcourir des périodes, des distances beaucoup plus grandes vu qu'ils seront accompagnés de leur véhicule. C'est pour ça qu'ils m'ont invité au dernier moment. Ils veulent me convaincre d'habiter à Montpellier. Ah. C'est pour ça. C'est vrai qu'il y a une vraie mafia montpelliéraine qui s'installe du côté des streamers. Hein. Ah non. Il y a un lobby. Il y a un vrai lobby, ouais. Un gros big up également à Darktera qui vient de donner 10€ et à un anonyme qui vient de faire un don justement à cette équipe de Précia et Ted. Ouais. Moment et les Gaïa hein, qui sont encore en course, je le rappelle, qui sont sur les traces hein, de Ted et Précia. La team éclaireur. Je me suis trompé dans le nom. Moment, il a été bien chill toute la journée. En vrai, ils sont pas si loin que ça. Et tu sais que sur le papier, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on pourrait dire qu'ils ont été quand même beaucoup plus lents. Tu cherches quoi là? Mais pas vraiment, parce qu'on avait prévu qu'ils arrivent à 18h30 et regardez l'heure qu'il est, ils ont de l'avance. En fait, ils performent quand même s'ils sont derniers. Donc, quand même, gros GG à toutes les équipes. Et j'essaie de résoudre l'énigme en marchant, ce qui est pas mal. Et ouais, ça c'est important. C'est un V? Non, c'est pas possible. Bah si! On avait on a loupé Pressa qui dansait sur place et qui était en train de s'amuser. Elle se retourne. Ok! C'est quoi cette place à Montpellier? Place du Pérou. Et oui. Et du coup, ça doit être une statue de Jean Moulin, c'est ça? Elle est stylée. Putain, on était deuxième. Ouais. Chaleur. Ah. Ok, ok. Vous voyez l'arche qui est tout au fond qu'on voit? Eh bien, c'est là qu'il fallait descendre les escaliers. C'est exactement en bas de ce bâtiment que se trouvent à l'heure actuelle les deux filles, Trivia et Trivia et Angle Droit. À chaque fois, je dis Trivia et Little Big Way, quel enfer. Faut arrêter d'avoir 8 pseudos, Marianne, ça suffit maintenant. Personne. Little Big Whale et Angle Droit, du coup, qui sont en bas. Et du coup, on voit au loin le POV de Pressa et Ted, là où il faut se rendre. Ligaïa et Momo vont aussi MSF. S'y rendre. Mais tiens, son front de pierre. Oui, frontière. Pérou, mais bordel. Du coup, Ariane et Juliette Ars, deuxième quand même. Hein. Ouais, belle perf. Hein. Ouais, d'ouf. Belle perf. Alors qu'elles sont parties en dernière. Est-ce qu'on peut spoiler un peu pour demain? Vu que, enfin, pas forcément spoil, mais expliquer. Qu'est-ce que tu veux spoil? Bah alors, du coup, demain ça commence à 14h, mais surtout je vais spoil un truc sur la fin. Ah oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui commencent à partir sur le stream de Ponce et Ultia, mais attention, les viewers, n'oubliez pas, j'ai une grosse annonce à vous faire. L'annonce est la suivante: à la fin du live, vous allez avoir un lien dans le chat et vous allez pouvoir continuer vous aussi à jouer et faire une quête qui va permettre de gagner le quatrième kit du duo de votre choix. Donc en fait, vous allez faire la quête. Vous allez, si vous prenez le temps, aller sur Discord, calez-vous sur un Discord avec des copains et allez faire la quête ensemble, je pense que ce sera beaucoup plus drôle pour vous. Et en fait, en faisant la quête, vous allez tout simplement pouvoir faire gagner le quatrième kit audio de votre choix. Donc du coup, bah, il faut qu'il y ait une personne qui trouve par duo au moins cette quête. Donc allez-y, retrouvez-vous, les modérateurs, les Discords des différents streamers et motivez-vous sur les Discords des fleurs. Je sais que pareil pour celui d'Hydratus, c'est très actif. Dans quelques instants, on vous donnera un lien sur nos chaînes, sur le lien de toutes les chaînes normalement. Il va être envoyé, il est envoyé déjà ?
c'est ouais, déjà ça va être fait, envoyé par les modos, c'est déjà en spam par les modérateurs et par les équipes de production ici. Donc vous allez pouvoir, eh bien, simplement trouver le quatrième kit qui sera, eh bien, qui signera la moitié des kits à retrouver vu qu'il y en a 8, mon cher Zoulou. Le kit main libre, non pas du tout. Oh, quel humour. C'est quoi le kit qui gagne les viewers? Les escaliers, de part. Ah, ils vont dans le sens inverse, Pressé à la tête. Oh, Ted, il va péter un câble. Je le connais. Il va arriver en haut. Pressé à la faire. Ah, bah non, c'est pas là, c'est en bas. Il va péter un boulard. C'est pas là. Attends, je veux l'appeler. Je veux lui annoncer en personne. On appelle. Ok. Le Pérou. Est-ce qu'on est bien? On peut lui dire la bonne nouvelle, c'est que t'es au bon endroit. La mauvaise nouvelle, c'est que tu viens de monter les marches pour rien. C'est tout en bas. Ouais. C'est bon, c'est en live. Ted ? Allô ? Allô ? Oui, Ted est devant moi, je peux lui dire ce que je veux. Ouais, tu peux nous passer Ted, même. Passe-nous Ted. J'entends pas, vous parlez en même temps. Est-ce que tu peux nous passer Ted, s'il te plaît ? Yes, je vous le passe. Merci. Oui. Adorable. Allô ? Salut, copain. J'espère que tu vas bien. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que vous êtes au bon endroit, ou plutôt que vous étiez potentiellement au bon endroit. Tu vois, toutes les marches que tu as montées, eh ben, ça ne servait à rien. Il va falloir que tu les redescendes, mon ami. Les marches que j'ai monté quoi comme marche, moi? Je les ai pas montées, moi. Ah, tu les as pas montées, t'as esquivé les marches. Bien joué. Oh, ah, bah oui, moi, je suis pas con, on va presser. Bien joué. BG. Et le mec est pas là-haut, il est où, les gars? Ah bah, il est plutôt l'inverse du haut. Il est vers l'inverse du haut, derrière, il est en bas. Il faut descendre là où il y a les deux monsieur. Derrière vous, là d'où vous venez, au niveau de l'espèce d'arche qui est un peu immense. Pressé, elle a monté les escaliers, elle aurait pu les descendre. C'est plutôt par là. Ah, voilà, elle aurait pu les descendre, c'est vers en bas. Exactement. En bas. Ça va, Ted, voilà, ou quoi? Putain. Franchement, les gars, j'ai des crampes, je crois que j'ai jamais vécu ce genre de choses. Et ça va être hyper intéressant, je pense. Mais t'as été fantastique! T'as été fantastique toute cette journée, Ted, franchement. Gros GG à toi, gros big up, comme t'aimes le dire d'habitude. Ah, gros big up, ouais. Franchement, vous nous régalez. Maintenant, allez-y à fond jusqu'à la fin. Ouais, on compte sur vous. On se donne jusqu'au bout. T'inquiète pas pour MSF. Vraiment, bourrez les dons, les copains. En tout cas, on se donne, quoi. Ah bah ça y est, on retrouve. Voilà. On retrouve les frérots. Tu vas les voir d'en haut, tu vas voir du monde en bas. Merci beaucoup, bon courage Ted pour les dernières marches. Est-ce que les marches que je descends, il va falloir que je les remonte à un moment donné? Écoute, je préfère ne pas donner cette réponse, mais c'est la fin. Donc ouais. On pourra faire venir le VCT en bas des marches, si tu veux. Mais pour être honnête, je suis quand même très déçu que t'aies pas monté les marches pour rien, ça m'aurait beaucoup plu quand même. Mais je t'aime. Je t'aime, frérot, ouais, je t'aime. Aussi. Je vous love, les copains. Des gros bisous. Des bisous. Salut. Et du coup, Ted qui va arriver avec Pressea sur le dernier personnage non-joueur du coup, pour des informations. On a quelques trucs à vous dire quand même parce qu'il y a MC Didbou qui a donné 5€, il y a Vivi Dono qui a donné 25€, il y a un anonyme qui a donné 25€, il y a 2.D qui a donné 25€ et il y a Banton qui vient de filer 500 balles, mesdames et messieurs, pour nous faire exploser cette cagnotte. Il passe désormais les 26 400. Ils avaient du coup déjà la bonne phrase, du coup Pressea et Ted, c'est fait. Quatrième place pour eux. Là, il y a une heure et demie déjà. Il y a une heure et demie, on était à cet endroit-là. On aurait fait gruger les preuves. Du coup, salut à tous les streams de Ariane et de Juliette Ars. Vous êtes sur le multiplex de cet événement qui a eu lieu sur la chaîne de MSF Quest, de Zoulou et de moi-même. Et voilà, vous avez notre quatrième duo. Putain de vieux. Et tu sais pourquoi? On connaît pas cette ville et les autres la connaissent, ça donne un avantage sur les photos. Mais on s'est goué de poney, quoi. Sinon, on arrête. De quel poney il parle? La statue. Ah ouais. La statue du cheval, nous ont appelé, ils ont pris un bonus, tu sais, pour celui-là. Ah bah, tu vois, la photo, elle est là. Merci beaucoup pour les 10 euros de Calypso, 25 euros de dons anonymes, la mouche sur Trivia qui donne 3 euros. Ouais, donc il n'y a plus qu'une seule équipe en fait. Hein. En mode rébus et compagnie. Hein. On va aller voir Momo et Ligaïa. O-M-O-P-Q-R, ouais, c'est ces mots. Ah, ils sont pas loin. Ouais, ils sont juste à côté du lieu du coup. Ah, non. Et ils sont en train de déchiffrer la dernière énigme qui était en rapport avec du coup Jean Moulin. C'est ça? Qui n'est jamais allé au Pérou. A priori. Parce qu'il n'est pas analyste financier. Non, c'est pas ça. J'ai pas la bonne ref. Belle ref. J'ai pas la bonne ref. Si. On en profite du coup pour vous rappeler, mesdames et messieurs, que tous les bonus et malus qui n'ont pas forcément été bien actés aujourd'hui parce que c'était la première journée et qu'il fallait prendre un petit peu le mood de checker souvent WhatsApp, etc. Ils ont vraiment fait la course. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait prévu qu'ils arrivent vers 18h-18h30, ils ont eu pas mal d'avance. Mais du coup, il y a des plans qu'on n'a pas fait aujourd'hui, qu'on fera peut-être demain. Parce qu'il y a une salle notamment assez intéressante qui est à visiter, Zoulou, je sais pas si tu vois ce quoi je parle. Sans que je te spoil, c'est juste devant toi là.
ce truc là qui est très stylé normalement à voir en stream, qui sera peut-être fait demain du coup. Et pour l'information aussi, tous les bonus non utilisés seront utilisés demain. Oui oui, il n'y a pas de douille, il n'y a pas de ah bon ben en fait il devait marcher attaché et puis en fait vu que c'est trop tard, c'est fini, vous inquiétez pas, tout sera fait demain, sera reporté. On aura des délicieux malus à leur donner quoi. Petite information également, vous allez pouvoir dans quelques instants participer pour votre team. Si vous êtes encore sur le stream par exemple de Arélien ou de Juliette Arz ou encore de Ponce et de Ultia, mais également les autres streams qui vont pas tarder à arriver vers nous, eh bien sachez mesdames et messieurs que vous allez devoir aller chercher le quatrième kit aujourd'hui. Ouais, ça se passe sur Discord et du coup vous jetez un œil dans le chat, ça va être spammé par les modos et vous rejoignez et puis vous pouvez résoudre ça en communauté. Exactement. Et du coup, il faut que ce soit résolu absolument par toutes les communautés, c'est ça ? Je pense qu'il faut qu'il y ait. En fait, à la fin, quand tu résous l'énigme, tu choisis quel duo, à quelle équipe tu veux donner le kit. Et donc, du coup, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 5 personnes qui résolvent et que les 5 personnes décident de donner à. Eux, ils ont vu les chevaux. Ils nous ont D'accord. Donc, quand vous choisissez l'équipe, enfin, quand vous choisissez l'énigme, vous choisissez la team avec. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez aller au bout de l'énigme. Et ceux qui iront au bout permettront de gagner le quatrième kit et de commencer demain avec 4 kits. D'ailleurs, demain. Ça, je sais pas si ça a été avéré ou pas, je sais pas si c'est une dinguerie, mais logiquement, les cinquièmes partiront le plus près. Ouais. On fait un truc comme ça, du coup, ça paraît logique. Ah ouais, tu donnes un avantage au premier. C'est un avantage, c'est pas fou. Ah. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que là, du coup, ils ont mis des points, le fait d'être premier, deuxième, troisième, quatrième, ça donne pas de points particulièrement. Ah, donc ça leur donne un avantage, de soit l'heure de départ, soit la distance de départ. Ah, d'accord. Moi, si ok. Ah, ce sera donc la distance de départ. La physionomie de la course qui demain va changer en fait. Vu qu'on sera sur des véhicules, voilà, peut-être que les cartes vont être rabattues. Donc une partie à pied, une partie en véhicule. Et tous les véhicules ont été briefés de ne pas dépasser les limites de circulation, enfin de vitesse évidemment, pour pas qu'il y ait davantage. Parce que, bien entendu, mais il faudra bien le préciser à tous les chauffeurs. Parce que tu sais, un petit chauffeur qui se fait chauffer là. Allez, vas-y, accélère, accélère. Ouais, ouais, ouais. C'est 80, et moi, je me fais par. Prophète Twitchos qui a donné 500 balles, 500 balles pour Little Big Whale et Angle Droit, merci à toi. Et qui passe la cagnotte à 27 000 euros du coup, merci beaucoup à Gram et Pistache également. Bon, vous êtes toujours là ? Waouh, les chauffeurs seront demain guidés sans aucun GPS par les participants. Merci beaucoup à Géo qui vient donner également 100 euros de plus à notre ami Moment et à notre ami Ligaya. Pour passer à 27 100. C'est X, c'est non, c'est Z. Ça c'est retour à l'école, j'ai l'impression, ce live. Il se confronte à des épreuves qu'on aurait pu faire à l'école. Quoi. Il y a un petit peu cette ambiance de classroom. Bon, c'est classroom d'extérieur. Hein, donc c'est vraiment les après-midi que tu kiffais normalement au collège ou au lycée quand tu partais en déplacement. Merci beaucoup pour les 10 euros du maître du désastre. Sur le stream de Little Big Whale et de Angle Droit. Et là, Momo et Ligaya, ils en sont où en termes d'énigmes ? Ils n'avaient pas notre appel, nous ? Non, ils n'ont pas l'appel. C'est après l'appel appel de chez eux. Alors, il manque combien pour qu'ils débloquent l'accès au chat ? Il manque 160 euros dans la cagnotte pour Ligaya et Momo. Ils n'ont pas quasiment, là. Et là, il dit le truc au foyer. S, c'était... Le CCP. Et on salue le skater qui passe, ouais. Bien sûr, sur le parvis. C'est toujours un bruit de fou, hein, les roulements de skate. Non, c'est Pérou. Alors, il y a Anonymous qui a lâché 100 balles. Pour Ligaya et Moment. Plus que 60 il reste plus euros. Que 60 euros pour essentiellement avoir accès au chat. Après, en vrai, moi, je serais content pour eux qu'ils accèdent à ce bonus et qu'ils l'utilisent peut-être demain en premier lieu. Parce que... Oui, c'est vrai que l'accès au chat, c'est 3 minutes par heure. Donc, c'est débloqué définitivement. Donc, il peut l'utiliser maintenant et demain, il aura le droit, dès la première heure, d'utiliser 3 minutes. On va bien le rappeler aux joueurs, ça, qu'ils l'utilisent demain à bon escient. Ah oui, ok, d'accord. Allez, encore 60 euros pour qu'on puisse débloquer le chat pour Moment et Ligaya. Mais surtout, il faudrait qu'ils se déplacent sur le lieu, parce que là, je crois que l'indice, ils ont quasiment trouvé. Maintenant, il faut qu'ils aillent trouver le lieu qui est juste derrière eux. C'est où, là ? Pérou, non ? Ah, j'ai entendu Pérou. Pérou, on verra. Hein. Ouais. Ah, j'avoue, t'es en connexion avec eux ou quoi ? Eh oui. T'as dit, il faudrait qu'ils se déplacent, il s'est levé. C'est clair. Je comprenais pas pourquoi. On voit presser à Ted alors que Trivia qui nous propose de filmer quelques personnes de la tech. Est-ce que vous kiffez le cadrage ? Est-ce que vous kiffez ? C'est une professionnelle de l'image. Voilà. Et on a notre gardien qui est plus à gauche mais qui... Tu veux te, quand je te montre à la caméra ? Oui, il veut. Oui, il vit pour les caméras. Salut.
Tous les Michel qui sont enfin dévoilés au grand jour. Ouais, les gardiens, quoi. On peut se dire d'accord pour que les Michel ils soient extérieurs, on les appelle les Michérel. Voilà, moi c'est une proposition que je propose. Les Michérel. Les Michérel, voilà. Sur l'aventure, du coup, ils sont pour IRL, bien vu. Exactement. Je crois que Momo et Eligaya sont pas loin. Il manque 13 euros pour l'accès au chat pour le moment, au cas où si il galère, n'hésitez surtout pas à aller chercher les 30 000 euros, ce serait incroyable évidemment pour la fin de ce live. On le sait, hein, c'est un événement qui est assez particulier pour vous, on n'a pas cet aspect que vous avez l'habitude d'avoir où vraiment le streamer à qui vous donnez instantanément va vous remercier, etc., etc. Ça passe un peu par nous, ça passe sur les écrans, sur les donations, mais n'hésitez pas si ça vous permet de voir un événement caritatif qui change, parce qu'on a quand même l'habitude d'en avoir bouffé des événements caritatif un petit peu traditionnel, on avait envie tout simplement. Salut le chat de Little Big Whale et d'Angle Droit, ça va ou quoi? Je pense qu'ils ont passé une bonne journée quand même. Oui, ça a l'air très drôle. Sans doute l'une des journées plus chill. C'est bon, ils ont le bonus de l'accès au chat s'ils le veulent, donc s'il y a le moindre souci, ils peuvent avoir accès au chat 3 minutes par heure. C'est la dernière équipe qui arrive. Les gars, il y a un moment, petite déception quand même. Côté Trivia Angle Droit, qui avait quasiment le bon code et qui se sont fait coiffer au poteau. Au poteau, ouais. Exactement. Par Juliette et par Ariane. Comme quoi, c'est une course. C'est une endurance, mais aussi un sprint, quoi. C'est-à-dire que vraiment, sur un petit coup d'accélération bien pensé, tu peux merci, récupérer une bonne place pour demain. Parce qu'on le rappelle, hein, l'intérêt d'aujourd'hui, c'était de choper un bon seeding pour demain, parce que demain, c'est vraiment la finale. Exact, le rush final sera demain, et donc du coup, le placement te permettait d'être plus ou moins proche de là où il fallait aller. Et je tiens à rappeler du coup à la communauté de Ligaïa, pas de Ligaïa, mais de Arélien et de... Non, pardon, excusez-moi, de Trivia et de Angle Droit, déjà de vous faire un grand merci, parce que vous avez été une communauté méga généreuse, vraiment vous avez atteint des paliers super hauts et un grand merci, vous êtes une grosse partie de ces 27 000 euros, donc gros big up à ces deux communautés là en plus de toutes les autres communes bien évidemment. Et aussi information, vous allez pouvoir, et vous avez été, ça a déjà été dit dans le chat normalement, c'est vous qui allez débloquer le tout dernier kit là ce soir, donc vous allez pouvoir aller réaliser une énigme sur le site internet qui va vous être remis dans le chat maintenant, et sur ce link là vous allez pouvoir choisir pour quelle équipe vous voulez débloquer ce kit, donc n'hésitez pas sur le chat de Trivia et sur le chat de Florence. Merci beaucoup à Thoman qui donne 5€ justement à Little Big Whale et Angle Droit. Merci beaucoup à Merci pour l'Even qui donne 5€ après Preciated. Merci beaucoup à Géo qui a permis de débloquer l'aide du chat pour le moment. Et pour Ligaïa, Preciated qui nous disent au revoir également, qui vont passer sur nous, sur le live. Nous sommes repartis en aventure, j'espère que mes jambes tiendront le choc d'ici là. Mais on va sur un petit resto, une petite bouffe sympa avec tout le monde. Voilà, allez, terrasse. C'est clair. Bisous. Bisous. Bisous les copains de Twitch. Et encore une fois... Bourrez les dons! MSF, Médecins sans frontières. Bisous les copains! Oui! Et voilà, c'était la fin du live de Preciated. Du coup, on va récupérer. Repos bien mérité hein, pour eux quand même. Exactement. Et on s'approche doucement mais sûrement vers la team touriste, la team éclaireur. La team éclaireur du coup. Qui se dirige vers le dernier PNJ de cette quête. Mon cher Luty, il faut donner un nom de code. Et ils partent pas au bon endroit, c'est... Est-ce qu'on peut pas leur rappeler et leur demander de se diriger avec le chat, comme ça ils vont dire en bas à gauche, en bas à droite, ça va être trop drôle. Ils ont le droit à 3 minutes de chat. Nous on les appelle et on leur dit, non on les appelle et on leur dit vous avez le droit à votre chat pour vous diriger, pour savoir où c'est, comme ça ils vont galérer. Mais c'est pas grave. Et ouais, mais c'est drôle, tu vois. Ils se démerdent, ils se démerdent. On les appeler. Allez, on va leur rappeler qu'effectivement ils ont le droit au chat. Et que comme c'est 3 minutes par heure, ils peuvent l'utiliser maintenant, ils auront le droit demain. Vous êtes en live. Allô ? Oui. Allô ? Alors déjà, félicitations à vous, moment, Ligaïa. Merci. On va, je vais tout de suite vous arrêter. Ne montez pas ces escaliers. Ils ne servent à rien à part vous faire beaucoup de peine. Je me permets de vous rappeler qu'il vous reste un bonus. En fait, vous avez débloqué un bonus, c'est-à-dire maintenant, sur toute la compétition, toutes les heures, vous allez pouvoir utiliser pendant 3 minutes votre chat. Alors, étant donné que c'est la dernière énigme, je vous invite à utiliser le chat pour cette dernière énigme. Par contre, vous avez droit seulement 3 minutes par heure. Voilà, bon courage pour cette fin de course. Merci, donc on monte pas les escaliers alors. Vous êtes pas loin, vous êtes vraiment très très proche. Demandez au chat de vous guider pendant ces 3 minutes-là. Okay. Et demain, première heure, vous aurez le droit au chat. Vous avez débloqué ça. Vous pouvez d'ailleurs remercier la commu qui a fait beaucoup de dons. Des bisous. Ok, ça marche, merci. Et bien voilà. Pour eux, ça va être stylé de retrouver le chat. Merci. Parce que quand tu streams, t'as l'habitude d'avoir ton chat toujours, c'est d'avoir clair. Une interaction, de les lire. Là, streamer sans chat, c'est une expérience particulière quand même. Je peux voir mon chat, ouais, c'est libre. On a le droit toutes les heures, donc ouais. C'est juste pour dire, dépêche-toi, on est les derniers, ils attendent que ça. Ah, tu crois? Les moments qu'ils connaissent très bien Vela à la prod. Après, on rappelle qu'ils sont en avance sur le planning. Hein. Oui.
C'est de l'autre côté du pont, ouais, c'est une chance sur deux. Moment qui se rappelle que, en fait, moment il faut rappeler, hein, voilà, voilà. Faut vraiment rappeler aux gens qui débarquent sur Téléstream pourquoi est-ce que moment elle est dans une plénitude comme ça. Moment il a fait 30 jours de ce bâton, il est sorti une seule fois du bâtiment dans lequel il était. Là, c'est-à-dire que moment voit 5 mètres en dessous de lui, ça ne lui était pas arrivé depuis 30 jours. Pour lui, c'était pas possible. Il n'y avait pas de nivelé de haut, de bas. Il y avait une box, frérot, avec deux écrans et un canapé et un lit, c'est tout ce qu'il y avait. Donc c'est vrai que pour lui, c'était quand même. Ça doit être un sacré choc émotionnel. Et on le rappelle, franchement, il a eu la classe de stopper son live pour cet événement caritatif. Il s'était mis une fin, c'était tombé pile poil à la fin des 31 jours, il s'est dit vas-y, on va aller jusqu'au bout des 31 jours. Il nous a dit qu'il y a plusieurs fois il avait quasiment craqué parce que psychologiquement de voir personne et d'être enfermé dans une salle, c'était quand même un sacré challenge. Mais il l'a fait et il l'a tenu jusqu'au bout et on a l'air de se diriger correctement vers la descente. Tout le monde va leur dire en bas je pense dans le chat. On se fait plaisir, on sait qu'on doit aller en bas à gauche. Mais est-ce que vous le chat ça va? Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous avez tout se passe bien? Je suis désolé chat de m'être mouché toutes les deux secondes. Voilà, on fait le petit soleil, on se met bien. C'est vrai que le ciel est magnifique hein. Ouais, temps magnifique à Montpellier. Bon, le même à Dunkerque, de toute façon. Bien sûr, Zoulou. Pourquoi tout le monde rigole là? On te croit tous. Merci beaucoup à Picobu qui a également donné 10 euros. C'est vraiment ce qu'on vous montre. Mais n'hésitez pas à balancer plein de dons. Si vous balancez plein de dons. Ah bah tiens, il y a la photo. Regarde. C'est juste là. Putain, ça y est, ils ont trouvé. Ils nous attendent. On est vraiment des grosses. Voilà, ils sont en train de dire regarde. En vrai, pas tant que ça. Non, ça va. Franchement, ils se fustigent, mais ils sont pas loin derrière en fait. Hein. Excusez-moi, le mot fustiger est très sympa, monsieur. Eh ouais, mon gars. C'est à force de parler d'auteurs et de poètes que ça te donne envie de dire ces mots-là. Merci pour l'event, merci à toi pour les 5 euros de Malus à Ponce et Ultia. Le plus important, c'est pas la course, hein. C'est de kiffer. Là, il faisait que courir. Et voilà, du coup, maintenant, on retrouve tous nos participants qui attendaient la dernière équipe. Il va falloir aller dire la phrase et l'énigme au dernier PNG pour récupérer le dernier kit et pour avoir eh bien, le nombre de kits équivalent pour tout le monde. Un classement général qui, on le rappelle, aura été du coup une victoire de Ponce et Ultia qui partiront plus proche demain. Je suis presque sûr que Jean Moulin n'est jamais allé au monde. Ok, c'est très bien. Bien joué. Et c'est validé, dernier kit récupéré pour nos aventuriers. Oui, mon. Alors attendez, il faut que je dise un truc. Ça, vous en foutez. On s'est fait avoir, je vous le dis, parce qu'on devait être premier. Enfin, on s'est fait fuck up. Je voulais aller directement en haut je sais plus. Au quorum, je voulais y aller pour faire la belle vue et tout ça. Ils m'ont dit non, faut pas aller. Mais c'était. On est arrivé deuxième à la pharmacie, on a eu l'info en dernier. Enfin bref, on s'est fait. De toute façon, dans tous les cas, on s'en fout. On est là pour se faire plaisir. Faites des dons, balancez des dons, faites-vous plaisir. Si vous balancez masse dons, demain je fais une dinguerie. Comment ça une dinguerie? Je suis à tout le monde. On avait dit qu'on faisait des roues et tout, tous les 1000. Du coup, il y a une roue chacun à faire. On avait dit c'était à 25 000 qu'on avait dit. Donc vas-y, fais ta roue, mais toi t'es doué. Mais moi, moi ça va être une roue voilée. Hein, c'est de vélo, hein, bien sûr. On se casse, nous on continue, on s'en fout. Ouais. Attends, parce que là je vais. Oh là 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 là. Moi je vais me péter un os, tu verras. Allez, on continue. On continue, on prend l'avance. Olé ! Bon, à poil, mais bien calé. Mais très très bien calé. Elle était propre cette roue, bravo. J'ai entendu tous mes os craquer, frère. Je vais pas me lancer là-dessus. On passe notre temps. On regarde ces moments avant jusqu'à ce qu'ils cut. Du coup, ouais, comme tu veux, parce qu'il y a un peu tous les streamers, je sais pas s'ils sont en train de discuter. Je crois qu'ils vont avoir des questions sur. Vas-y, je vous invite à boire un goût. Allez, venez. Allez, venez. En vrai, moment, il perd pas de temps. Hein. Il a fini, maintenant je me retrouve. Moment, il a zappé qu'on pouvait cutter un live. Pour lui, quand tu lances un live, t'es bloqué dans 30 jours. Donc là, on est parti. Hein. J'espère que l'équipe technique avec lui a les batteries externes qu'il faut. Parce que là, il va rester en live. Regardez, attends, oh, je peux me faire plaisir ou pas? Normalement, si je fais ça, du coup, il y a plein de fois la même POV. Ah non, t'as mis déconnecté fin de journée. Tain, il est trop fort, ils sont trop forts à la prod. On a une malade, on a une équipe de bras cassés. Petit débrief peut-être, les filles. Gigi, Julie, cette première journée, ça vous a plu? Carrément, ils ont été par contre hyper rapides. On est super en avance ou pas? Oui, mais du coup, les énigmes ont été un petit peu diminuées aussi parce qu'ils allaient arriver trop tôt là où on avait rendez-vous. Mais c'est ça. Et donc du coup... Ils ont été super bons. On a 45 minutes d'avance. Ça va, ça va. Et du coup, est-ce que demain, on va rajouter... Est-ce que ça va être plus de... Je crois qu'il y aura plus d'énigmes, il y aura plus de... Oh, ça va être plus dur demain, du coup. Ok, donc ça vaut le coup de... Ouais, c'était bien de faire une journée comme ça aussi. Et puis ce soir, l'avantage aussi, je pense, de faire une première journée qui était un peu plus light pour eux, c'est que maintenant,
Ils ont les mécaniques, ils vont plus souvent checker WhatsApp, ils vont, ouais, plus, ils vont aussi réfléchir à l'utilisation des bonus, ils vont repenser au chat, parce que le chat 3 minutes par heure, maintenant, ils l'ont quasiment tous débloqué ou presque, sauf quelqu'un qui en sont à quelques euros seulement. Donc ça, c'est vrai. On peut faire d'ailleurs un petit point, un tout dernier point, je sais pas, Vela, sur les cagnottes, justement, bonus, malus, pour voir un petit peu où on en est, les afficher. En fait, tu, ouais, voilà, tu l'affiches derrière nous et on va le lire. C'est un peu l'échauffement, en fait, aujourd'hui. Ils ont assimilé les mécaniques. Et maintenant, ouais, demain, ils vont rouler des mécaniques. Exactement. Donc du coup, retrait d'un malus au choix pour Ponce et Ultia. On y sera dans 1 400 euros et ils vont bientôt avoir l'interdiction de se parler pendant 15 minutes dans 400 euros de dons. Le joker pour une énigme, c'est Angle Droit et Little Big Well qui ont la plus grosse cagnotte pour l'instant, qui vont devoir avoir encore 2000 euros pour atteindre les 12 000 euros. Et elles sont... aucun malus pour elle. Pour l'instant, tout se passe bien, seulement 139 euros. Faudra demain bourrer les malus, les gars. C'est un peu comme des donation goal, un peu relou, mais c'est très important parce qu'il y a vraiment des malus très drôles sur des plus hauts paliers. Aujourd'hui, vous avez été gentils, on le sait. C'est des communautés très douces, des communautés très sympas. L'objectif de faire un don, quand même, à MSF, c'est un objectif qui est positif. Mais il faut faire des dons malus, les gars. Il faut faire des dons malus parce que c'est comme ça qu'on va... C'est là où on va se marrer. Ouais, fait, on va beaucoup plus se marrer demain, surtout quand on va les appeler pour leur dire là, tu dois descendre de ta voiture et changer la roue. J'ai trop hâte de ce moment-là. Donc pour ça, on va vous spammer, mais il faudra pas hésiter parce que les malus, on vous les remontrera juste après. Ils sont quand même assez dingues. Et c'est des paliers différents aussi selon les communautés. On le rappelle. Appel à l'Utizoulou pour Liga Yemen. Ouais, il manque 500 euros. Il manque 500 euros en effet. Et il leur manquera un petit peu plus pour aller chercher l'accès au chat, tout comme Aurélien et Juliette Tars. Il leur manque 2000 euros pour accéder au chat. Donc il faudra bourrer les dons pour elles aussi. Retrait un malus au choix pour Presse United qui sont à 700 euros. Et puis en termes de malus, en vrai, seuls Aurélien et Juliette Tars et Ponce et Ultia ont passé le premier palier de 500 euros. Exactement, mon cher Luthi. Quelle journée! Quelle journée, Luthi! Journée chargée en émotions, en défis. Ah, merci, mon cher Vélan, pour cette liste des bonus. Tu veux que je lise super vite? Malus! Vas-y, je vais lire en 2-2. Régale-nous. Les bonus, on les a déjà quasiment eu. Accès à internet, accès au chat, appel, retrait d'un malus. Là, on y est à peu près. Et ensuite, il y aura des trucs de joker, des données GPS fournies et l'obtention d'un kit directement. Ça, c'est 25 000 euros, c'est de la triche. Et les malus, nous avons du coup interdiction de se parler, arrêt obligatoire de 5 minutes, photo avec un passant obligatoire, participants liés entre eux en 30 minutes, ça c'est 3000 euros. Pause café de 15 minutes. Transformation en Michel, donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir prendre le backpack. Donation en bonus obligatoire à une autre équipe, donc ils sont obligés de faire une donation dont bonus à une autre équipe. 7000 euros, roue de la voiture à changer. Et 8000 euros, interdiction d'utiliser son véhicule, on doit terminer en stop. Et ça, j'ai envie, j'ai et très ça envie. Si vous arrivez à stopper une équipe en plein moment où elle est dans la pampa de Montpellier, dans une route bien pourrie, ils sont droppés. Oh, le target. Et on dit ciao, bonsoir. Mais s'il y a personne, ils font comment? Eh ben, ils sont dans la sauce. Ils attendent. Ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un. Ouais. C'est le concept. 30 minutes. Tu sais qu'il y a un mec, il aura un don de 8000 euros, il va rester toute la journée avec son doigt sur le truc de entrée pour target. Pour le timer, ouais, pour le timer, mais ça pourrait le faire. Merci beaucoup également à Pedro Dula qui vient donner 10 euros à l'IAIA à un moment. Donc voilà, 27 387 euros. On peut quand même applaudir, oui, les gens quand même. C'est beaucoup, oui, d'argent une seule journée. Sur un événement, on peut pas particulièrement, voilà, tout le temps vous remercier, mais c'est affiché et annoncé sur tous les lives. Donc on espère quand même que ça vous a motivé. On sait qu'en ce moment, c'est pas forcément évident pour tout le monde financièrement, et on sait que c'est des gros gestes. N'oubliez pas non plus que si vous êtes imposable, eh bien vous pouvez déduire 75% de votre don. Donc voilà, par exemple, jusqu'à 1000 euros. Oui, ça aussi, c'est important de le préciser. Voilà, au-dessus de 1000 euros, c'est 66%, mais jusqu'à 1000 euros. Donc, si vous faites un don de 1000 euros, c'est comme si vous faites un don de 250 euros. Si vous faites un don de 100 euros, c'est comme si vous faites un don de 25 euros. Si vous faites un don de 10 euros, c'est comme si vous faites un don de 2,50 euros. Voilà, 2,50 euros, je vous rappelle quand même que c'est quasiment le prix d'une canette qui en vaut 30 centimes chez Métro dans une putain de machine au train. Donc, prenez de l'eau, arrêtez d'acheter dans les machines au train et donnez 2,50 euros à Médecins Sans Frontières. Voilà, faut vraiment essayer de se rendre compte qu'il y a des millions de gens qui sont en galère sur cette planète et qu'il y a beaucoup de grosses ONG françaises qui les soutiennent et qui les aident comme ils peuvent. Donc voilà, c'est super important pour eux et ça nous fait très plaisir. Voilà, on espère que vous avez kiffé la journée. Effectivement, on espère que vous avez kiffé. Nous, on va conclure tout doucement, remercier toutes les équipes techniques, remercier tous les streamers, remercier eh bien, nos deux accompagnatrices de MSF, Julie et Gigi, remercier mon co-host Luthi. Merci Zoulou. Et vous donner rendez-vous demain, 14h, pour la suite d'MSF West. Merci à vous. Au revoir. Des bisous.